Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend bien? On est en direct avec Simon et tout le tintouin. Normalement, c'est bon. Est-ce qu'on nous entend parfaitement? Oh là là, le chat. Vous êtes déjà un milliard. Un milliard déjà. Que se passe-t-il? 4 millions 5 exactement. Oui! C'est bon. Attends, je dois juste essayer de faire slider un petit peu moins rapidement ce chat de fou furieux. Dites-nous juste ceux qui sont avec nous. Comment on fait pour le ralentir? Si on est bien. Ah bah, on fait avec la flèche et on essaye de ralentir la matrice. Vous êtes bien évidemment sur le live de Trash Talk pour cette incroyable. Yes, le son, c'est parfait le son. Elle est magnifique. Bonsoir cool. À toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de Trash Talk pour cette draft 2020. Regardez ce setup extraordinaire qu'on a mis en place avec Léon Salaprod. On va vous présenter tout ça. Ça va être une soirée complètement folle. Voilà la prod là. On se tape pas dans la non, main. Non. De loin. On est comme ça. On se fait un check de loin. Voilà. Hop. Et il y a Simon qui est là. Simon, le Simon. On te check là, en bas. Il est là, oui. Il est là. Vous le voyez partout dans vos écrans et tout. Il est là, le Simon. Il est là en direct de Sacramento avec des petites nouvelles très intéressantes. Ah bah Simon, il a pris l'avion là. Il a fait comment là, ça. Il n'y a pas le sign and trade. Moi, je vais à Sacramento direct. On va reprendre par les bases. Oublie pas de signer en bas, hein, parce que je crois que c'est important de signer avant de faire des bêtises. Wow. Simon est là, Alex est là, Bibi aussi. Évidemment, on va tout vous expliquer. La draft commence officiellement à 2h du matin. Mais on voulait prendre le live à 1h avec vous pour discuter de plein de choses parce qu'il y en a eu des infos. Il y a eu plein de choses qui ont déjà été données. On avait fait un daily draft récap dans la soirée. On a le Vosge qui a fait, excusez-moi, alors Ford, ouais. Danny Green. Les mock drafts, vous pouvez les déchirer. Hein. Dans ton cul, Lulu, Daryl Morey. Hein. Tout de suite, on a eu des belles nouvelles, évidemment, incroyable. Du côté de Sacramento. Deux filiers d'OKC, on va vous présenter tout ça juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, je dois passer la bise à toute l'équipe de rédaction, Giovanni, Nicolas et Ben, qui vont être là toute la nuit pour envoyer des papiers du feu de Dieu sur votre site préféré. Exactement. Comme ça, il y aura des récaps complets au petit matin. Aussi à nos amis du Lab, bien évidemment, à tous les gens qui ont couvert un petit peu la draft avec nous, tous les messages que vous avez envoyés. Mm-hmm. C'est le grand soir. Ça y est. C'est le grand soir, la grand messe, la grande cérémonie. Oui, tu nous l'avais dit, Simon, c'est la grand messe, c'est ça ? C'est la grand messe, tout à fait. C'est une petite expression qu'on aime bien avec Simon. Vas-y, Simon. C'est la grande messe. Et puis comme moi, je me remets encore du setup, là, je suis encore en train de voir tout ce qui se passe, parce que j'ai à la fois, bah, évidemment, je vois ce que Léon Salaprod nous a préparé, mais je vois aussi le retour de Bastien, et je vous dis que c'est magnifique. Bah, c'est pas Léon MVP, c'est Léon président des États-Unis là. Exactement. Mais bien sûr. Là, il y a les votes par correspondance qui finissent de tomber et Léon va être élu. Léon, c'est le Tennessee. Les urnes sont bien bourrées là, c'est incroyable. Léon a arraché le Texas aux républicains. Et je préfère vous dire que vous n'êtes pas prêts et vous n'êtes pas prêtes parce que justement, on va vous montrer maintenant le setup qui est prêt. Nous allons être en triangle ici pour passer toute la soirée ensemble. Vous allez avoir toujours Bibi et Alex là-haut. On a notre correspondant en direct de Sacramento, le nouveau GM de Sacramento. Juste en dessous de nous. Et arriver à virer tout le monde. Exactement. Nous allons avoir donc évidemment le magnifique tableau récapitulatif. Regardez-le comme il est mignon. Dès que possible, on vous montrera justement une update avec et ce tableau. Et on l'actualisera. Exactement. Il va être actualisé puisque rien que déjà, on a eu des mouvements. Regardez les Knicks en 23e place puisqu'ils ont eu des trades. On va en reparler par la suite. Le Thunder qui est en 28 maintenant. C'est nouveau aussi. Tout à fait. On aura l'occasion de voir les Kings qui sont en 12e place, mon cher Simon, c'est ça ? Ouais. Pour l'instant, en tout cas, on est en 12e place. C'est Pour l'instant. Et Alex, toi, tu es en quelle place? C'est signé, cette 12e place, ou c'est pas signé, Simon? Attention. Non, c'est pas incroyable. Un running gag pour le reste de la soirée. Ah, ça pourrait. Hein, franchement, c'est extrêmement drôle. On va en reparler avec Simon. Mais le coup du sign and trade sans sign, faut reconnaître que ça, c'est un nouveau move. Là. On va te le ressortir tout le long du live. Alex, toi, tu es en 10e place avec nos amis les Suns? Moi, j'ai mon pick 10, moi. Voilà, exactement. Et mes deux All-Stars, toujours, bien sûr, évidemment. Hein. Bien sûr, ils sont deux. Devin Booker et Cameron Johnson. Ouais. On attend un Cameron Johnson 2.0 sur ce live. Évidemment, moi, je serai en pick 6 avec les Hawks, 11 avec les Spurs, comme quoi on se fait plaisir en doublette, puisque c'est comme ça quand on aime la fraude. Supporter deux franchises, c'est la moindre des choses. Pour continuer un petit peu sur cette présentation du setup, grosse nouveauté. Attention les oreilles, on vous conseille d'écouter attentivement ce qui va se passer. Ceux qui ont un casque, baissez le son. Tout à fait. Lorsqu'il va y avoir des Vosges bombes sur ce live, attention mesdames et messieurs, 3, 2, 1. Attention ! Breaking news ! Breaking news !
Et on aura l'occasion justement de vous expliquer tout en long Vosh et bombe, en large. Vosh-bombe. C'est ça, Vosh-bombe, Shams-bombe, Vosh-bombe, Sage-bombe. Ouais. Regarde si c'est pas magnifique, les gens qui se marrent sur le chat, c'est formidable. Bien, regarde Léonce, à quel point les gens se marrent, c'est beau. Tu nous remets un petit coup là. Vas-y, remets un petit coup de breaking. Tu nous remets un petit coup de Vosh-bombe que les gens comprennent bien, tu vois. Voilà. C'est bon ? C'est long ? Moi, je vais appuyer dessus en permanence. Hein. Tu allais dire, Alex ? Oui, il y a un souci. C'est comme la dernière fois, là. C'est-à-dire qu'il y a 11 500 personnes, là, sur le chat. Ça n'a pas encore commencé ? Il n'y a même pas 1000 likes. Hein. Oh, non de Dieu ! Franchement, c'est relou. Attention. Donc, les gens, ils n'ont pas le bon réflexe. Alex, répète pour les gens du fond. Donc ça, genre 11 000 personnes sur le chat, même pas 1000 likes. Enfin, donc, les gens sont feignants au point de ne pas pouvoir cliquer, tu vois. Genre, que se passe-t-il ? Je sais pas, prenez-vous en main, tout ça, mais faites un truc, parce que franchement, c'est relou, c'est pas possible. Regarde, hop, on est à 4000. Voilà. Ça me gaffe tout de suite, voilà. Ça, c'est des chiffres tout de suite beaucoup plus corrects. On est sur des choses qui nous font plaisir. Bah, bien sûr. Et évidemment, pour terminer ce petit explicatif du dispositif qui est mis en place sur cette draft, on va faire le premier tour ensemble, pic par pic. Vous le connaissez par rapport à l'année dernière, on aura toujours la petite fléchette qu'on va déplacer tout au long de la draft. Regardez ça, elle se déplace, elle est belle. On passe par les Bulls, les cases. Oh oui, Simon, vas-y. Mais oui, j'avoue, ouais, Simon, tu veux que je m'amuse avec toi. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me fais ça? Laisse-moi. Tu veux que je te pointe avec la fléchette? Ok, d'accord. Je vois l'ambiance. Je vois le genre d'ambiance. Ça va être magnifique. Et on aura l'occasion. Non, mais ce setup est fou. Ce setup est fou. Ah bah, on vous avait prévenu. Ça va être dingue. Et le dernier élément, comme ça, ensuite, on va pouvoir parler vraiment de basket. On voulait quand même prendre les premières minutes pour vous montrer tout ce qui a été mis en place. Eh bien, c'est que justement, en bas à droite, vous avez pour le moment le logo de la draft 2020. Eh bien, si on s'amuse quelques secondes et qu'on se dit, bah, je sais pas, prenons par exemple une grosse news qui vient de tomber. Les gens qui sont peut-être un petit peu à la bourre, qui se demandent. Tiens, comment ça? Ils ont parlé à l'instant du Vosges. Et bien, regardez, 1, 2, 3, nous sommes en 2020. Boom. Et tout est prêt. Boum. Donc là, ESPN en PLS. Bim, direct. Tac. Paf. Ok, d'accord. Allez, hop. Paf. Voilà. En démol, bam. Tu nous entends? Bam. Allez, bim. Exactement. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. La draft, elle commence à 2h du matin. Et jusque-là, on va pouvoir se préchauffer. Déjà qu'on est tous complètement caféinés. Simon, t'as pris ton café? Non, iced tea là. J'avoue, j'ai une bouteille d'Arizona pour me faire toute la draft. C'est bien roulé. Magnifique. Ouais. Le iced tea, le iced tea, non, le iced tea un peu. Le iced tea bio, on est sur quoi? Je sais pas. Le green tea, Arizona, avec un peu de miel. Le classique, magnifique. Ouais. Voilà, exactement. Alex, on est au café? Moi, je viens de boire un petit café. Puis après, je vais tourner à la flotte, quoi. La bonne vieille flotte de Paris. Ouais, corps saint, esprit saint. Ouais, exactement. Corps saint dans un esprit saint. Un esprit saint dans un corps saint, pardon. Ouais. Et évidemment, comme vous le savez pour Bibi, c'est le 13e café de la journée, puisqu'on était sur le D-Draft Recap de 4h du mat. On a enchaîné avec le reste de la journée et on va être là pour tout le premier tour. Impeccable, nickel. Évidemment, comme ça ne bouge pas évidemment sur Trash Talk. Messieurs, parlons tout de suite. Et messieurs, dames qui sont avec nous, vous êtes combien? Plus de 13 000, c'est parfait. Parlons tout de suite de cette breaking news qui est tombée. On parlera après de Sacramento plutôt, mon cher Simon, si ça te va. Parlons Merci. De cette breaking news parce qu'il y a plein de gens qui ont vu cette nouvelle tomber. Les Sixers de Daryl Morey, pendant que Alex, je pense qu'il y a des capture screens qui doivent tomber. Alex met la crème dans la main. Geste barrière. Tout à fait. Geste barrière. Daryl Morey est arrivé il y a quelques semaines à Philadelphie. On savait qu'il y avait un gros contrat hyper pénalisant. Il y en avait même deux avec Tobias Harris. Tout de suite, on colle un pic, un futur premier tour de draft et un futur second tour de draft dans la popoche d'Alorfand, direction OKC. Vos réactions à chaud, messieurs, là-dessus? Plusieurs choses. Déjà, je trouve ça très intéressant de la part de Daryl Morey comme premier move à la tête des Sixers. Parce que bon, j'aime bien Elton Brand, mais pour moi, c'est Daryl Morey. Hein. Ça sent le Daryl Morey à plein nez, ce move. Je trouve ça très intéressant de dump un peu de salaire. Parce que Danny Green plus Terrence Ferguson, ça fait quand même une petite économie de environ 7 ou 8 millions de salary cap tout de suite. Ouais. Il donne un premier tour en 2025. Et là, il donne un 34e pick, c'est-à-dire le 4e pick du deuxième tour de cette nuit. Mmh. Ça va. Et il donne les droits du meneur serbe ou croate ? Serbe, je crois. Serbe, je crois. Hein. Vassilije Micić, très bon meneur européen. Bon, on verra s'il vient un jour en NBA, ça c'est encore autre chose. Je trouve que, déjà, côté Sixers, j'aime beaucoup le move. Danny Green a un profil qui ne peut que faire du bien
au jeu des Sixers. Ah, ça cause des... un peu de spacing et de la ouais. défense. Ça coche des cases, hein. Ça coche beaucoup de cases en effet pour les Sixers. Toi, Simon, justement là-dessus, t'es plutôt content de ce genre de move d'Aryl Morey qui est agressif tout de suite, de faire ça. C'est un petit peu le nettoyage qui démarre en Pennsylvanie. Ouais, il devait de toute façon, il s'est coché plusieurs missions. La première était clairement de faire de la place. Le contrat, effectivement, on l'avait tous quand même senti venir. Le contrat le plus vite dégageable, on va dire, c'était à l'Orford. Ouais. Il s'en sort pas mal parce que Danny Green, bon, c'est pas, il a quand même une certaine expérience et tout. On voit très bien quel rôle il peut jouer pour Philadelphie. Très peu toucher la balle, apporter un peu de shoot et de la défense et de l'expérience. Moi, c'est vrai que même si Philadelphie retombe bien, enfin Morey là en arrivant, retombe bien sur ses pattes. Putain, à l'Orford, l'expérience Sixers, elle est incroyable. Ouais. C'est chaud d'avoir des contrats. On n'en a pas souvent comme ça quand même, des contrats où au bout d'un an seulement, on voit à quel point ça a été un flop. Et Elton Brand, dont on va beaucoup parler, parce que quand même là il laisse sa place. Daryl Morey qui fait tout de suite un move. Il y a plein de gens qui se posaient la question autour évidemment d'un barbu à Houston. On sait que ça mentionnait des Nets, ça mentionnait des Rockets, des Sixers. Est-ce que ce genre de move, c'est aussi un petit peu nettoyer, faire un petit peu de place pour re-rentrer dans cette discussion, ou c'est vraiment à part? Comment est-ce que vous le prenez là-dessus? Clairement, il y a un côté nettoyage quand même. Oui. Parce que Horford, il a encore 7 saisons, plus 2 encore derrière de contrat. Je crois qu'il y en a quand même une en team ou player option. Donc, il y a un côté nettoyage. Il y a un côté aussi nettoyage tout en rééquilibrant le profil sportif du roster. Je veux dire, le profil Danny Green. J'aime bien Mathis Thybulle, il défend super bien. Mais quand il shootera comme ce que Danny Green est capable de faire, on en reparle. Oui. Terrence Ferguson, profil jeune, athlétique, a montré des trucs très intéressants et des trucs un peu vraiment moyens côté Thunder. Je veux bien voir comment il se développe sous la houlette d'un Doc Rivers avec du Ben Simmons, du Embiid ou des gars comme ça autour de lui. Bien sûr. Donc j'aime bien le move vraiment côté Sixers, j'aime bien le move dans les deux sens, économie de salaire et d'un point de vue sportif. Après, côté Thunder, on n'en a pas du tout parlé. Je sais pas ce que t'en penses, Simon, mais bon, bah, tu récupères encore des pics. Encore ? Alors, il va s'arrêter à combien de pics, notre ami Sam Presti, là ? Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est un truc de malade mental. Ça en fait 157. Qu'est-ce qu'il va faire, hein, de tous ces pics ? Ouais, bah, ça te donne de la flexibilité, non ? Ah, bah là. Puis c'est pas fini, parce qu'à l'Orford, il va lui redonner de la valeur et puis il va le trader et puis il récupérera des pics dans le trade, tu vois. Exactement. C'est un cycle éternel. Et les gens ne sont peut-être pas prêts non plus pour Steven Adams, parce que là, quand on voit à l'Orford qui débarque, on se pose forcément des questions sur Steven Adams. Ouais. On sait que là, le nettoyage, il est total. Hein. Billy Donovan, next. Chris Paul, next. Dennis Schroeder, next. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Normalement, c'est Steven Adams plutôt qu'à l'Orford, parce que comme tu viens de le dire, Simon, on avait déconné ensemble, ça va lui redonner de la valeur pour le ressortir dans deux ans contre des nouveaux premiers tours de draft. Steven Adams, un peu plus compliqué de le bouger quand même. Bah, la taille du contrat, la production statistique sur les deux dernières années qui est quand même pas dinguissime. Mm-hmm. Quelques petites lacunes défensives pour un mec costaud, dur au mal comme ça, il se fait quand même pas mal fumer en backdoor. Et puis c'est pas non plus un monstre de la protection de cercle. Non, c'est clair. C'est un joueur assez terrien finalement, l'ami Steven Adams. Donc, discrètement, mais très sûrement, pour moi, il fait partie de mecs un peu surpayés. Oui. Ah bah ouais. Et donc, du coup, son contrat, peut-être que là, pour une fois, c'est peut-être Sam Presti qui va devoir accrocher un pic au cul de Steven Adams pour le fourguer. S'il y arrive, ça c'est sûr. C'est possible, hein, ça. Ce sera à surveiller dans tous les cas avec notre cher Sam Presti qui est en train de nous montrer des mixtapes, transformer Dennis Schroeder. Chut. Contre Al Horford, deux futurs premiers tours de draft, c'est de la sorcellerie, comme on l'a dit sur Twitter, c'est du Gandalf matériel. Une autre petite info quand même, parce que c'est pas une petite info, elle est majeure, je vous la mets ici tout de suite, techniquement parlant, pour que vous puissiez en discuter, messieurs et messieurs dames qui sont sur le chat. On a un garçon qu'on attendait très très fort sur la saison à venir, parce qu'il faisait son grand comeback après notamment la blessure lors des finales de 2019. Monsieur Klay Thompson, on vous le montre juste ici, qui s'est blessé apparemment. Il y a de l'inquiétude. Mark J. Spears qui vient notamment de tweeter que certaines personnes proches du dossier diraient c'est vraiment, vraiment not good. La blessure de Clay, ça peut être un vrai coup dur pour les Warriors. Oh là là, l'enfer. Pour la NBA même. Hein. Bien sûr. Enfin, tu vois. Ouais, Simon, ta réaction là-dessus quand t'as vu ça? Parce qu'il y a plein de gens qui mettent RIP. Je sais que j'en vois plein sur le chat qui disent tout de suite c'est chaud quoi, quand même. Merde. RIP carrément. Bah ouais, enfin, après, faut voir ce qu'il a. Mais c'est vrai qu'il vient de rater une saison complète. Ouais. Genou gauche, là on sait pas du tout ce qu'il a, mais les premières infos qui remontent, tu vois, t'as le not good de comme tu disais là, du tweet de Spears et tout, c'est vrai que tu te dis waouh, c'est quoi en fait. On va voir, je sais pas si on en saura plus ce soir.
Bah, on va suivre tout ça très près. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, il y aura des analyses qui vont être faites. Ce qui est hyper dur pour un mec comme Klay Thompson, c'est que jusque-là, pourtant, c'était un des Iron Man de la NBA. Ouais. Klay Thompson nous a montré depuis le début de carrière que lorsqu'on peut commencer un match, tu comptes sur lui. Un mec qui a montré une telle cardio, parce que souvent on disait Curry ou Draymond, là on était plus sur le fait de croire qu'il allait faire un gros retour. C'est un Clay, on a vu des vidéos de workout où il est en train de s'échauffer en faisant de la fonte, etc. Exactement. C'est vraiment dur pour un joueur comme ça. Je pose tout de suite juste le pavé là en plein milieu de la mare parce qu'on le sait quand même, nos amis les Warriors, ils sont deuxièmes là de cette draft. Est-ce que ça peut modifier certains plans ou est-ce que tu ne rushes pas, tu restes un petit peu sur le même plan que tu avais prévu ? Est-ce que déjà ils avaient un plan bien défini ? Ah, quand même. Là pour leur pick 2 et tout là ? Ouais, j'ai l'impression non quand même. Vas-y Simon. Non mais déjà ouais, s'ils avaient un plan, enfin on voit, quel que soit le plan qu'ils avaient, si tu perds Klay Thompson de nouveau là une saison, je pense que Wiggins a peut-être plus de chances de porter un maillot de Golden State, enfin la période Wiggins à Golden State peut peut-être s'étendre. Il y a peut-être des ajustements, ouais. Ouais. Du côté de Wiggins, tout à fait. Ah bah, par exemple, si t'avais des discussions et dans la balance, tu songeais mettre Wiggins, tu perds Clay, tu te dis attends deux secondes, je revois mes plans, j'ai quand même Wiggins qui joue à peu près 2-3 aussi. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais ça te couvre les mêmes postes. Ou peut-être que si t'avais peut-être prévu de prendre Wiseman avec ton pick 2, peut-être que là, t'es en train d'y réfléchir différemment et de te dire attends, en fait, il va y avoir Edwards ou LaMelo Ball. En deux, forcément, parce que les Wolves vont pas pouvoir prendre les deux. Si tant est que ce soit les Wolves qui piquent en un, puisqu'on peut encore avoir des surprises, il reste trois quarts d'heure avant que ça démarre. Tu peux très bien avoir, genre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, les Wolves, ils sont là, ils font péter la Melo Ball, un peu surprise. Ouais. Et ben les Warriors, ils font battre, c'est quoi ? Anthony Edwards. Ouais, bien sûr. Merci, bonjour. Ça peut tout à fait bouger. Hein. Donc la nouvelle, on va attendre qu'elle devienne officielle d'ici quelques jours. On croise les doigts, on touche du bois pour Klay Thompson parce que c'est vraiment horrible, surtout à quelques jours de l'ouverture du camp d'entraînement et quelques semaines de la reprise de la NBA. Ouais, mais on sait que c'est l'autre jambe qui s'est blessée, donc à la jambe droite et tout, mais on ne sait pas, parce que je vois dans le chat, c'est des trucs talons d'Achille, tout, mais on ne sait pas encore là. On ne sait pas encore la sévérité, okay, ouais. Il y a plein de gens qui font des leaks évidemment dans tous les sens, mais je pense surtout que les Warriors vont essayer de continuer à être dans les rumeurs, on les a vues toutes ces dernières heures. On a parlé d'un trade potentiel avec les Bulls, Wendell Carter Jr. Ensuite, on nous a mentionné que les Warriors pouvaient discuter avec les Celtics et Marcus Smart. Golden State, on en a parlé à Alex depuis des semaines, ils ont été à fond dans tous les leaks, tous les rumeurs autour de cette draft. Là, quand tu as ce genre d'événement qui t'arrive en pleine gueule, si ça se trouve, ouais, tu peux tout modifier. Quoi. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs choix de possibilités devant toi. J'imagine quand tu es un GM comme Bob Myers ou comme d'autres, tu as plein de possibilités. Là, tu as ton tableau, s'il se passe ci, je peux faire ça et tout. Et là, il y a peut-être des possibilités qui remontent. C'est ça. Genre la possibilité de trade down pour gratter un joueur intéressant à quelqu'un et piquer et drafter un peu plus bas un joueur combo guard un peu comme il y en a plein dans cette draft peut-être revenir plus haut dans les priorités des Warriors qu'elle ne l'était avant d'apprendre pour Klay Thompson. Ça, c'est possible. Ça. Hein. C'est ça. En tout cas, à mon avis, c'est le choix Wiseman qui prend un peu du plomb dans l'aile. Peut-être. Ce serait pas illogique, mais après, on va voir. Hein. Ça ferait les affaires, ça ferait un choix pour les Hornets, là, du coup, tu vois. Ouais, ça peut faire les affaires des Hornets, ce truc. Comme tu aimes le dire, là, c'est un domino-domino, parce que ça concerne le pick 2, quoi. Ah ouais, et puis il y a des dominos aussi, auxquels on ne pense pas maintenant, mais il y a un copain sur le même canapé que moi, quand il doit affronter trois fois les Warriors cette saison, c'est pas la même quand il n'y a pas Klay Thompson. Et que là, t'es à la lutte, en ce moment, les Suns, c'est karma full, hein. Ah bah les Suns là. Toi aussi les Kings Simon c'est bien. Ouais, le karma là. Parlons de karma. Oh, le karma les Kings. On va tout de suite devoir enchaîner sur des gros sujets parce que on vous a évidemment c'était des gros sujets mais on vous a préparé quand même un petit setup pour la draft qui commence sur Bein 1. Ce sera diffusé à partir de 2h du matin. On va voir quel est le setup parce que ça va être très intéressant de voir comment la NBA fonctionne. Pas de shake hands avec Adam Silver, pas de casquette enfoncée sur une grosse estrade à New York. C'est tout en visio. Tout le monde est en FaceTime, donc ça veut dire qu'il y a papy qui pionce à l'arrière, comme on le sait bien. Des petits sujets que je vous propose, messieurs, et évidemment tous ceux qui sont avec nous, on va pouvoir discuter un petit peu. On a préparé 2-3 bandeaux. Le début donc de la draft, il est à 2h. Moi, je pose tout de suite la question pour ceux qui sont avec nous. Vous avez pas mal suivi les jeunes qui vont débarquer bientôt en NBA. Quel est le joueur qui vous excite le plus, là, à quelques heures, avant même de savoir la casquette qu'il va enfoncer ? Est-ce qu'il y en a un ? Quoi qu'il arrive, vous avez trop hâte, vous allez regarder sur la NBA League Pass ou sur Bein dès que la NBA va reprendre. Vas-y, Simon. Patrick Williams, moi. Ouais. Parce que dès le début où je me suis fait la première session de mock draft en collant avec les highlights des mecs, quand je suis tombé vraiment pour la première fois, puis après ça a gardé le feeling,
sur Patrick Williams, je me suis dit, mais attends, mais ce mec-là, il a 19 ans, il fait ça, il a le physique-là, pourquoi il est bas comme ça dans les drafts par rapport à d'autres profils à l'aile similaires? Et même encore aujourd'hui, ok, t'as Okoro qui est vraiment le favori de tout le monde, dans le, on va dire, dans ce moule de joueurs, même si Patrick Williams, c'est peut-être un poil plus moins versatile et moins mobile et peut-être plus voué à jouer intérieur NBA, enfin intérieur-extérieur, tu vois. Mais poste 4, ouais, c'est ça, ça va être un ouais, peut-être switcher poste 4 plus tôt qu'Okoro, voire... voilà. Moi, Patrick Williams, il y a quand même un truc à son âge, son... ce que je disais à Alex tout à l'heure, il n'a pas forcément... On ne peut peut-être pas parler de toucher, mais il est loin d'être maladroit balle en main. Mm-hmm. Je il a une base. Hein. Alors, il est remonté un peu au fur et à mesure là, ces derniers temps, mais... Ouais, il est folle sur lui. Hein. Moi, j'avoue que ouais, dans la NBA actuelle et tout, Patrick Williams, tu vois, c'est l'équipe qui... Pour moi, de base, l'équipe qui le draft fait un bon coup ce soir. C'est un prospect qui est hyper intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu à Florida State, il n'était pas forcément attendu parce qu'il était à la base en sortie de banc. On avait parlé un petit peu dans la mock draft qu'on avait faite avec Alex. On essayait de voir. Ça a même parlé de lui jusqu'en pick 4, là, récemment, avec les Bulls. Il y a eu apparemment des promesses faites par les Pistons. Alors, ce que ça peut donner, je balance une comparaison juste parce qu'on a vu des profils comme ça. On avait discuté, nous, de joueurs à la OG Anunobi. Il y a un petit peu aussi de Paul Millsap là-dedans, dans ce côté un peu couteau suisse, pas aussi tanké, hein, mais les débuts de Paul Millsap, capable d'un petit peu tout faire sur le terrain. Il y a de ça, il y a un paramètre qui va être très important pour Patrick Williams, il va avoir besoin d'un environnement qui cartonne bien pour pouvoir se développer, parce qu'il a un côté brut sur pas mal de secteurs, notamment la technique offensive, où j'espère pour lui qu'il va être drafté ce soir dans une franchise qui a compris ce qu'il était et comment il fallait le développer. Mmh. Et c'est pas le cas de toutes les franchises du top 10-12 dans lequel je pense Patrick Williams va être ce soir. Ça c'est sûr. Tu vois, je suis désolé, hein, mais c'est pas la même chose s'il est drafté et qu'il tombe aux Pistons où il y a beaucoup de choses à faire, ou s'il est drafté par, je sais pas moi, les Bulls qui ont un rôle tout prêt éventuellement pour lui, ou les Spurs qui savent parfaitement développer ce genre de joueur. Bien sûr. Alors que Simon nous refait alors la déco. Alors que Simon vient de prendre un CDD chez les Maisons du Monde, que se passe-t-il? Il a refait la déco. Mais non, mais j'ai vu indiquer dans le chat, c'est vrai, on voit le avec le jeu de reflet, on voit le jeu de reflet de ce magnifique palace. Mais donc Alex, où tu disais à l'instant? Et donc je disais critère très important, moi aussi m'excite beaucoup Patrick Williams, critère très important pour lui. Où est-ce qu'il va tomber? Je pense qu'il y a des franchises dans lesquelles on peut faire là, ça peut grave le faire. Et il y a d'autres franchises dans lesquelles on peut se dire attention, Patrick Williams. Ouais. Puis surtout, c'est quel genre de coéquipier qui va rencontrer lui, quel genre de coach, genre de jeu. Je pense que ça peut beaucoup jouer pour ce genre de profil. Ouais, il faudra être patient avec Patrick Williams. En tout cas, c'est la pépite de Simon à suivre de très très près. En effet, hyper intriguant. Il y a ce côté mystérieux. Dites-nous si vous êtes chaud justement là-dessus. Je sais que du côté des Bulls, ou des Pistons notamment, ou d'autres petites franchises à l'arrière qui attendent, genre, est-ce qu'il peut glisser, genre les Suns, les Spurs et d'autres, ça peut être hyper intéressant. Alex, toi, vraiment, le gars que tu veux suivre de près, qui t'excite le plus, c'est qui? LaMelo Ball. LaMelo Ball? Ah ouais. LaMelo Ball, dans cette draft où il y a beaucoup de meneurs, meneurs arrière, combo guard, il y en a quand même pas mal. Mm-hmm. J'ai l'impression que LaMelo Ball, malgré tous les éventuels défauts qu'on a pu lister et tout, machin, blablabla et tout, c'est quand même un gars, dès demain, tu lui files la balle, t'as une attaque qui peut fonctionner déjà autour de lui. À voir. J'ai l'impression que dans la NBA moderne, avec les espaces qu'il a, les qualités qu'il a, c'est-à-dire vision, qualité de passe, il est assez grand et il a un excellent handle. Mm-hmm. Ça fait déjà des qualités qui font de lui que tu lui mets des mecs pour lui faire des écrans et des gars qui savent shooter. Il va t'initier des attaques. Bien sûr. Il va faire en sorte que tu scores. Mm-hmm. Il va faire en sorte de provoquer l'adversaire, d'appuyer là où ça fait mal. Il va être capable, je pense, de bien comprendre les systèmes qu'un éventuel coach pourra lui donner et tout. Il va être capable de comprendre quand un mec est chaud et de le servir. Il va être capable de comprendre quand il a une match-up favorable ou non, de voir quand l'intérieur il faut jouer sur lui. Il y a une vista et un QI basket qui est au-dessus de la moyenne. Exactement. Ouais. Et donc, ça m'excite beaucoup parce qu'on voit bien que dans la NBA d'aujourd'hui, toutes les équipes dominantes de ces dernières années avaient au moins un voire deux gars comme ça. En fait, c'est impossible de faire autrement. Bien sûr. Et je pense que LaMelo Ball est de cette race-là. Et je pense que dans la draft actuelle, c'est probablement lui le plus fort pour initier de l'attaque. Le meilleur à ça. Je peux bien l'entendre. Du coup, j'ai très envie de voir déjà, où est-ce qu'il va tomber. Ouais.
Mais vu qu'il est attendu très haut, non, à part les Warriors, à part les Warriors, mais sinon il va tomber dans des équipes où il va avoir grave le ballon et on va compter sur lui, on va lui faire tiens. Il ne chute pas du top 4. Fait de l'attaque. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, je vraiment très impatient d'être au 22 décembre et d'être là, genre, ok. Alors les Bulls avec la Melo Ball. Alors les Hornets avec la Melo Ball. Alors les Cavs, s'ils veulent. Hein. Bien sûr. Moi je pense qu'il arrive aux Cavs demain. Bon, ok, c'est un peu un empilage d'arrière. Mais je pense qu'il y a du Garland ou du Sexton qui gicle quasiment instantanément. Ou en tout cas qui va sur le banc, tout à fait. Il y a moyen. Simon, j'allais te poser la question là-dessus, puisque Alex parle de la Melo Ball. En même temps, je la pose à toi, mais je la pose à tous les gens qui sont avec nous. La Melo Ball, légère surcote, légère sur hype, ou vraiment on en fait un petit peu trop sur tout l'abattage médiatique qu'il y a eu sur lui et on sous-estime le joueur réellement qu'il est devenu? Pour moi, c'est pas qu'on le surestime, parce qu'il y a évidemment surcote, hype, tout ce que tu veux, tu vois, on le connaît depuis longtemps, la Melo Ball, etc. C'est plus que, du coup, dans ce cas-là, on se retrouve conditionné à aller chercher des défauts, encore plus que pour les autres joueurs, parce que t'arrives avec le préconçu de « c'est un génie de la balle », donc en fait, quand on dit ça, tu vas dire « ah ouais, ok », et du coup, tu vas… Pardon, excuse-moi. Appuie. Non. Parce que, là, je la prends en live, là, j'ai pas de truc à Roche bombe, donc on va pouvoir reparler de ton trade puisque Bogdan Bogdanovic a bien prévu d'entrer à la Free Agency en tant qu'agent libre restreint ce vendredi. C'est pas vrai. Donc on va pouvoir rediscuter de ce magnifique deal par la suite. Mais c'est pas vrai. Attends, je t'ai coupé la parole. Vas-y, mon cher Simon. Bon, Lonzo, mais. Non, c'est pas Lonzo, c'est la Melo Ball. Je pensais à Lonzo. Lonzo, je trouve qu'il y a eu un peu la même chose. Ça l'a amené jusqu'au pic 2, aux Lakers, etc. Et tout. La Melo, il n'est pas excitant pour moi, mais c'est peut-être le joueur qui m'intrigue le plus, dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'il a plus de talent pur et un petit côté un peu génial, on va dire, un peu plus s'exprime plus souvent, on va dire, que dans le jeu de son frère. Il est moins défensif aussi. Ouais. Il est moins défensif, mais par contre, il a des espèces de coups de génie, tu vois, la passe notamment. Plus marqué, je trouve, encore plus impressionnant que ceux de son frère, ceux de Lonzo. Il est spectaculaire. Hein. Il est, ouais, puis il y a des angles et tout qu'il trouve, tu vois, il y a des choses assez uniques. Mais du coup, je ne sais pas du tout comment ça va en NBA, comment ça va se traduire. Mm-hmm. Comme il est plus mauvais en défense que son frère, si ça se trouve, il commence à être moins bon. Et qu'à terme, c'est un moins bon joueur que son frère, pourquoi pas? Si au contraire, c'est un génie et que ça n'a rien à voir avec son frère, pourquoi pas aussi? Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec la Melo Ball, tellement c'est un joueur. C'est un profil très particulier, en plus, même en tant que joueur, quoi. C'est excitant. Hein. J'entends bien. Moi, j'avoue que la Melo Ball m'intrigue beaucoup. J'ai surtout hâte de voir quels sont les éléments, évidemment, sur lesquels il est très fort. Hein. Gestion de la balle, contre-attaque. Non seulement on devrait avoir un abonné du top 10 avec des cavernes dans tous les sens, non seulement on devrait avoir une hype évidente autour de n'importe quelle franchise. Je pense que Charlotte, dont on a parlé, moi je les avais mis en 3, ils ont le pick 3 avec la Melo Ball. Je pense que la franchise qui récupère la Melo Ball, dès demain, ils vont le sentir dans la médiatisation autour de leur équipe. Il va avoir un effet énorme, quasi similaire à ce qu'on a pu voir avec Zion Williamson et les Pelicans. Beaucoup de gens vont dire tiens, je vais regarder. Par contre, j'avoue que j'ai quelques réserves, parce que pour le moment, en termes d'énergie régulière sur le terrain, de prise vraiment du jeu au sérieux et surtout de formation qu'il a eue, Je ne peux pas oublier ce qu'on a vu il y a quand même 2 ans, même si le jeu avance. Hein, mais il y a 2 ans, on le voyait prendre des shoots du milieu de terrain. Je ne sais pas, ça n'a pas été vraiment la même formation sérieuse que d'autres joueurs. C'est un cas vraiment à part, avec beaucoup de hype, évidemment, autour de la famille Ball. Donc, j'ai quelques réserves, mais j'espère surtout qu'il va me fermer, moi en tout cas, ma gueule, parce que c'est un talent qui, s'il explose, peut être le meilleur joueur de cette draft. Oui, il peut. Et puis peut-être qu'il pâtit aussi un tout petit peu de l'extra sportif de la famille Ball, encore plus que Lonzo, vu qu'il y a déjà eu... Le daron, il a fallu le faire taire, il a saoulé du monde et tout. Oui. Peut-être qu'il en pâtit encore plus. C'est ça. Et qu'on le juge encore plus là-dessus, alors qu'on, pour moi, on doit attendre le terrain et de voir quel joueur vraiment on a en NBA, en fait. Je suis d'accord. Je me permets juste, pour ceux qui posent la question, soit vous ne regardez pas l'écran et à ce moment-là, je dis que la draft, elle démarre bien à 2h. Soit regardez, il y a un magnifique bandeau, il y a marqué début de la draft à 2h du matin. Donc, c'est dans une demi-heure. Voilà, pour ceux juste qui posent la question, on sera en direct avec le premier pic dans une grosse demi-heure à peu près. Et nous, on sera sur Bean 1. Je ne vais pas tarder à allumer la téloche, évidemment. Question suivante, messieurs, parce qu'on va aborder un autre thème. Enfin, moi, juste, je dis le mien. Parce que vous avez dit donc toi, la Melo Ball. C'est qui, toi? Et toi, mon cher Simon, tu avais dit que c'était Patrick Williams. Moi, j'avoue que j'ai eu quelques petites pépites. J'attends, évidemment, Tyrese Haliburton, parce que je pense qu'il peut vraiment s'éclater en NBA et que ça va être, quelle que soit la franchise dans laquelle il va tomber, ça va vraiment être l'éclate.
Par contre, il y en a un, plus les heures passent, plus les jours passent, plus je me refais son dossier, plus je vois la façon dont il s'exprime et ce qu'on dit de lui en tant que ses anciens coéquipiers et son coach. On n'est pas prêt, je pense, pour la performance défensive globale qu'apporte Isaac Okoro dès demain en NBA. Je pense que ce qu'on a vu l'année dernière avec Matisse Thybulle, où on a vu ce gamin arriver à Philadelphie et on a dit genre, attends, mais comment ça se passe? Il est déjà trop fort défensivement. Il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus de rapports de gens qui disent, en fait, Okoro, il n'a même pas 20 piges, il arrive et il t'annonce tous les systèmes de l'équipe d'en face. Il dit, là, il va falloir cutter là maintenant. L'intelligence. Il a un placement qui est complètement dingue. Et donc, si ça, c'est son plancher déjà, eh ben, je pense que la franchise qui va l'avoir, on va avoir des matchs où il va y avoir un Bradley Beal qui passe ou un Harden et on va dire mettre genre, le rookie dessus. Mais qu'est-ce qui se passe on exactement? On va mettre le rookie dessus. Et alors s'il se développe offensivement, attention, parce que je pense que le plancher est déjà trop trop bon. Il va y avoir des mixtapes défensives et étant fan de ça en NBA, je pense que ça va être très intéressant. Très curieux de voir où il va tomber. Tout à fait. Vous savez qui me rappelle moi, il y a deux trois, il me rappelle le profil de Jalen Brown. Vraiment. Ouais, il y a du Jalen Brown, tout à fait. Il y a du Iguodala. Hein. Il est vachement comparé à ces deux-là. Mais aussi, à l'époque, tu vois, on disait de Jalen Brown qu'il était un peu différent par sa façon d'être, on va dire, intelligent, même si c'est pas que ça, mais d'être cérébral déjà à son âge et tout. Et tu retrouves ça dans les profils approfondis d'Okoro et tout. Et ça m'a fait vraiment penser à Jalen Brown parce qu'il y a aussi, je trouve, ce côté, la maturité qui se dégage du jeu d'un gamin de cet âge. Jalen Brown avait le même truc. C'est ça, il était en sortie de la West Coast, hein. Jalen Brown, je ne sais plus ce qu'il avait fait comme formation, mais il avait fait une fac californienne, je ne l'ai plus. Je sais pas. On va passer au sujet suivant. Oui, dis-moi. Moi j'ai juste une pépite, et c'est plus un chouet. Moi, j'aime beaucoup aussi Sadiq Bey, juste en deux secondes. Parce ah que oui, j'ai... Bah ouais. De ce que j'ai vu, il est... Ouais, c'est moi, je le veux au Kings. Un peu riche à 11 pour Sadiq Bey. Ma foi. Moi, c'est ce que je veux au Kings, je t'avoue, donc on est en bagarre. Moi, c'est ah oui, toi, t'es en 12. On va se bagarrer ensemble, et lui aussi, il est pas loin. On va se succéder. Je vous le laisse, Sadiq Bey. Bah lui, il a déjà Mikal Bridges, donc dans le genre Villanova, profil défensif et hyper. Mais je veux bien l'amener quand même, il est 3-4, hein, il peut jouer à côté. Hein. Tu peux l'avoir maintenant que tu n'as plus Kelly Oubre. Ça peut être une option. On échange juste sur un autre sujet. On va bouger un petit peu et cette fois parler plus d'équipe. Vous êtes plus de 17 000, bientôt 18 000. C'est complètement n'importe quoi alors qu'il n'y a même pas encore eu un seul pic de d'annoncer. Donc, maintenant qu'on a parlé de joueurs, l'équipe. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous intrigue le plus? On venait de parler de Klay Thompson, on a parlé du Thunder qui a 150 picks, ils en ont 3 si je ne dis pas de bêtises dans le top 35. Alex, on va commencer par toi, après ce sera Simon. Et je demande évidemment aux gens dans le chat, est-ce qu'il y a une franchise, vous attendez très clairement leur pick et vous l'avez noté de côté? C'est même plus que ça, moi c'est les Celtics et c'est plus que c'est au-delà du fait que j'attends leur pick. Ouais. J'attends de voir leur draft en global ce soir. Les Celtics ont donc déjà une équipe qui est allée en finale de conf la saison dernière, avec déjà Jalen Brown, Jason Tatum, qui sont deux jeunes ailiers absolument incroyables. De Tatum et All-Star, et Jalen Brown n'en était pas si loin, avec d'autres jeunes autour, un bel équilibre, un très bon coach qui produit un jeu collectif. Bref, une équipe très ambitieuse qui vise très haut et qui a trois first pick ce soir, le 14, le 26 et le 30. Tout à fait. Je ne vois pas, on en a déjà parlé dans la mock draft, rappelle, où moi j'avais concocté un petit trade où je disais les Celtics vont essayer de monter. Alors j'avais dit qu'ils montaient en 8 au Knicks, justement pour pécho Isaac Okoro dont tu viens tout de parler. Tu me mets Isaac Okoro aux Celtics, 1-1, formé par Jalen Brown, Marcus Smart et Jason Tatum pour s'entraîner à shooter. Et je ne les vois pas drafter trois fois au premier tour ce soir. Je pense que Danny Ainge a des velléités de trade, de packager deux picks, peut-être foutre un joueur avec pour bricoler. J'ai vu des rumeurs comme quoi ils essaient de monter le plus haut possible pour essayer de pêcher au Wiseman. Tout à fait. Si les Celtics commencent à packager et te chopent un Wiseman pour foutre dans leur raquette avec Daniel Theis et tu gardes toute l'ossature que tu as autour, j'adore ce genre de move. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est très intéressant. Je suis vraiment très curieux de voir ce que vont faire les Celtics ce soir. Je suis impatient d'être à la fin du premier tour et de me dire « Ok, donc les Celtics viennent de faire ça. » Ouais, tout à fait. Ou je suis impatient d'être quand tu vas nous mettre le breaking news en 5 parce que les Celtics viendront trader avec les Cavs. Le pic, qui a été pris par les Bulls, tout à fait. Je pense que les Celtics vont nous animer ce premier tour ce soir. Je suis bien d'accord. Juste, j'en place une avant de te tendre la perche, mon cher Simon. Nous, on est là sur Bein 1. Un dernier bruit, Équateur, notamment... 5-1 à la Colombie. Bordel. Le dernier bruit que j'ai entendu, notamment, c'était qu'il pouvait y avoir des discussions autour de André Drummond. On le sait, il a pris sa player option là, du côté des Cavs. Il y a moyen aussi Celtics, que les Celtics puissent potentiellement aller le chercher. Simon, toi, l'équipe un petit peu sur qui tu te penches, là, qui t'intrigue sur cette draft, ce sera qui?
J'allais dire par l'évidence les Warriors, mais entre-temps, il y a eu cette bombe Kings. Du coup, je me demande quand même, là, tu vois, si on fait des sign and trade avec des joueurs qui n'ont même pas sign, est-ce qu'on peut drafter un mec de NFL ce soir? Est-ce que dans la logique. Est-ce que tu peux drafter Emoni Bates déjà? Voilà, tu vois, un mec qui n'est même pas éligible. Bon, non, plus sérieusement, évidemment, les Warriors, moi. Parce qu'on est sur un. J'allais dire presque champion sortant au niveau de l'aura. Enfin, t'as une équipe, c'est quand même la dernière dynastie en date. Bien sûr. Qui pique deux, qui détient entre ses mains, je pense, vraiment les clés de pas mal de choses. Non seulement parce que peut-être qu'ils vont échanger leur pique. Les fameux dominos qu'ils vont... de Bastien. Voilà. Hashtag domino, ouais. Ouais, hashtag domino. Est-ce qu'ils vont trade down et gratter un vétéran? Est-ce qu'ils vont. Qui vont qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, tout simplement? Ouais. La news qui vient de tomber, enfin, la news, j'aime pas appeler ça une news, mais l'info, tu vois. Un peu badante. La nouvelle de Klay Thompson, ouais, voilà. Rajoute quelque part encore plus d'incertitude à tout ça. Donc, ouais, les Warriors, parce que c'est quand même rare qu'une équipe de ce calibre, et en plus avec un management aussi inventif et compétent, et un choix de draft aussi haut, qui plus est dans une draft homogène où tout le monde se regarde un peu. En chien de faïence, ouais. Parce que les joueurs fonctionnent par paquet, quoi. Tu vois, il y a beaucoup, c'est très intriguant ce qu'on va faire les Warriors ce soir. Non, vraiment. C'est clair, surtout qu'ils ont annoncé publiquement, parmi plein de choses, hein, qu'ils veulent quand même essayer d'être parmi les favoris pour jouer le titre. Hein, contender, à partir du moment contender. Où tu es contender puisque tu vas récupérer Curry à fond la caisse. Il n'y a plus de KD, donc laissez-moi vous présenter la saison 2020-2021 de Stephen Curry en termes d'offensive rating. On va voir aussi ce qui se passera avec Draymond Green et Steve Kerr. Toi, juste, je te demande à chaud là, puisque tu as pris les Warriors, et je pose évidemment la question avec les gens qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder. Les Warriors draftent un joueur en deux ou les Warriors font un trade ce soir? Je pense qu'ils vont trade, okay. Mais c'est difficile à dire. Le seul truc, c'est que si j'aimerais bien qu'ils gardent un pick 2 pour qu'on ait une réponse en fait en collectivement. Qu'est-ce qui valorise le plus? Parce qu'en gros, soit tu prends Wiseman et finalement tu te dis, bah, vu ce que faisait Magui dans notre système avec Wiseman, on va vous écrabouiller. Ou est-ce que tu valorises ce que faisait Iguodala et tu vas carrément reach un Okoro? Ou est-ce que tu fais rien de tout ça, tu suis une map différente et tu prends par exemple Anthony Edwards alors que le fit n'est pas évident? Donc pour toutes ces raisons, j'ai l'impression qu'une Vosges bombe est à nouveau tombée quand je vous entends silencieux non, comme ça. Non, c'est le téléphone de Bastien qui bip toutes les 10 secondes. Mais voilà, non, pas de souci. Et du coup, bah ouais, en fait, quelque part, d'un côté, j'ai l'impression qu'ils vont trade et ce serait super intéressant, mais j'ai presque envie qu'ils gardent le pick 2 pour en savoir plus sur ce qu'ils valorisent. Quand tu as autant de variétés de profils, quand tu piques en 2, qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Tiens, question, Simon, ouais, je te pose. Est-ce que tu penses que les Warriors, du coup, en 2, toi, tu dis ils vont trader? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est tout à fait possible. Mais s'ils draftent, est-ce que tu penses qu'ils peuvent nous surprendre de ouf et nous faire péter un truc riché, genre Okoro en 2, tu vois, genre, ou un truc comme ça, là? Tu vois, bah, genre, un profil bien précis. Ouais, exactement. Et c'est-à-dire ils seront même pas chiés. Ils disent, c'est quoi, on va pas se faire chier, on va le prendre en 2. Et on s'emmerde pas avec des trades qui nous semblent bizarres et tout. Et du coup, si Clay est blessé, bah, t'as Okoro, Wiggins, Curry sur les ailes. C'est bon, c'est correct, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables d'un move comme ça, tu sais, assez atypique? Bien sûr, on dit. Un gros reach, quoi. Ouais, en général, on dit que jusqu'au piste 5 ou 6, comme t'es nul, tu vois, c'est la base. Tu prends du talent. On dit que tu prends du talent, mais le sous-entendu, c'est parce que t'es nul. Ouais. Comme l'a dit, par exemple, Kupchak pour les Hornets. Kupchak l'a très bien dit, ouais, il a dit. Nous, le fit, on n'a pas de joueur assez fort à un poste pour loquer. Voilà, pour loquer une position et pas ne prendre un gros talent à ce poste-là. Exactement. Si c'est un ailier, bah, tant pis pour Miles Bridges. Si c'est un arrière, tant pis pour Graham ou Rozier. Si c'est un intérieur, tant pis pour personne. Ils sont tous nuls. Mais... c'est une analyse très carrée. Ouais. Les Warriors peuvent quand même dire un truc du genre, mais nous, on n'est pas Minnesota, on n'est pas les Hornets, on n'est pas les Bulls, nous, on est bons. Donc en fait, tous vos trucs, ça nous intéresse pas. On a une map. Nous, la map, c'est qu'on valorise tel profil. Iguodala, pouf, on draft Okoro et démerdez-vous avec le reste. Exactement. Mais par exemple, ils sont capables de faire un move atypique comme ça et de nous foutre des dominos. Alors là, Bastien, tu vas pouvoir sortir domino en majuscule. Hein. Mais moi, parce c'est que pour si ça que les je Warriors pense commencent à nous reach un gars de ouf comme ça. Ça veut dire qu'il laisse du Wiseman, du Ball, tout ça derrière, tu vois. Bah c'est ça. C'est ce qui fait que moi, ça mène à mon équipe notamment que j'attends le plus là, qui m'intrigue. Ce sont les Bulls. Sur cette draft, parce que déjà le consensus, s'il y en a un, il n'y en a pas beaucoup des consensus, hein, mais s'il y en a un de la part de beaucoup de managers, c'est on va voir ce qui se passe avec certes les Warriors, mais on attend quand même Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball sur les pickers de 3 de manière assez bien répartie. Beaucoup de gens s'accordent à dire que la draft commence vraiment en 4, ouais. Parce que alors là, les dominos, bonjour, j'espère que vous aimez les pizzas, parce que alors là, les Bulls, qui tu prends? On a parlé de Tyrese Haliburton, on a parlé de Kianes, on a parlé d'Avdija, on vient d'avoir des rumeurs sur Patrick Williams, on vient d'avoir une Patrick potentielle Williams, rumeur. Il y a des rumeurs en 4? Il y a eu des rumeurs en 4 là sur Patrick Williams, il est monté jusqu'à un chiffre même négatif. T'imagines les Warriors en 2, ça se trouve Patrick Williams, hein.
Ça se trouve, on n'est même pas prêt. Tu peux avoir une dinguerie comme ça. Et donc, les Bulls, plusieurs choses qui m'intriguent. La première, c'est qu'il va y avoir un jeu domino une fois que les Bulls sont sortis. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que prennent les Bulls, que font les Cavs ? Si ouais. Avdija est disponible, que font les Cavs lorsqu'ils ont Avdija et Obi Toppin ? S'ils prennent la Melo Ball, comment est-ce que ça s'est passé ? On a eu des rumeurs avec les Bulls au niveau de Russell Westbrook, de Kemba Walker. C'est la vraie première draft de Arturas Karnišovas, le nouveau manager. Il débarque de Denver. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais en premier lieu, montrer tout de suite quelle va être la directive. Ce que tu vas faire, il y a trop de rumeurs sur plein de choses, sur Satoransky, Zach LaVine, Wendell Carter, Thad Young. Il faut savoir ce que va faire Karnišovas. Toute la fanbase des Bulls, j'ai l'impression, attend de très 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 près et va regarder de très très près la première vraie décision de ce nouveau management après des années de Gar Forman et John Paxson. Oh là 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 là. Donc, et qui ont eu parfois un bon historique au niveau de leur sélection de draft. Ils ont fait des bons coups. Là, c'est quand même, je crois que j'avais vu, je crois que c'est la première fois qu'il n'y a ni un Kroos ni un Paxson dans une draft des Bulls. La dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'était juste quand il y avait Michael Jordan qui avait été sélectionné, et encore, parce qu'il y avait Kroos qui était aussi dans le coin. Mais bref, Chicago, moi je les attends vraiment très très fort, parce qu'il y a un virage à prendre avec Billy Donovan et toute cette jeune équipe. Non, c'est clair, les Bulls, ils ont une position en même temps 4, c'est un beau pic, et en même temps c'est pas une position si simple. C'est ça. Ça se trouve, ils vont se faire aider par les Warriors, qui vont nous reach un truc de ouf, et du coup vont se retrouver avec un choix bien meilleur que potentiellement ce qu'ils auraient pu. Bien sûr. Tu vois, genre, peut-être, hein, c'est possible. Y a même je veux bien voir la tronche des Hornets s'ils ont le choix entre LaMelo Ball et James Wiseman. Ah bah ça va rigoler fort. Ah, on peut pas prendre les deux, s'il vous plaît. Non, ils prennent Wiseman dans ce cas-là. Tu sais que Michael Jordan, quand il a LaMelo Ball dans le viseur, pour remplir le stade, c'est autre chose. Au départ, c'était quand même leur vraie cible, j'ai l'impression. C'était leur cible. Non, c'est leur vraie cible, t'as raison. LaMelo Ball a l'air d'être plus pragmatiquement, ils sont réalistes, ils disent bon bah voilà, on va prendre Ball, mais... Ouais, bon, on est d'accord là-dessus. Du coup, on va enchaîner sur une autre question. Je rappelle juste, nous on est sur Bean 1. On va regarder ça à partir de 2h du matin. La draft commence réellement. On a fait un petit tour de toutes les news. Toutes les Vosges bombes vont être envoyées évidemment ici en direct et sur le compte Twitter de Trash Talk. On enchaîne au niveau des questions. La suivante, messieurs, qui draftera Killian Hayes ? Nous avons un Français quand même attendu dans le top 10 ou pas de la draft. Pas loin en tout cas. Certains en effet en ont parlé dans le top 15. On va quand même avoir toute cette hype autour de Killian Hayes. Il a été mentionné dans beaucoup de franchises. On a parlé des Hawks, des Bulls, des Suns, des Pistons, etc. Où est-ce que vous voyez Killian Hayes démarrer sa carrière NBA ? Mon cher Simon, je te tends la parole. À Phoenix, chez Alex. Ah, tu fais le traître comme ça. Bizarrement, ouais. Tu l'envoies à Phoenix, toi ? Ouais, c'est bien, mon Simon. Je te fais ton chèque tout de suite. Non, mais parce que, effectivement, une logique, et je voudrais être Pistons, machin, mais j'ai l'impression que ça va tellement bouger dans cette draft que les Pistons, alors qu'ils avaient peut-être effectivement un coup de cœur pour Killian Hayes, vont se retrouver avec un talent au-dessus dans leur board. Et le jeu de glissement, voilà, deux places plus bas, t'as Phoenix en 10, qui a quand même, comme l'explique bien Alex, à la main, bah, tu l'avais dans ta mock draft, tu l'avais là, je crois. Tout à fait. Et moi, j'avais un trade. J'avais un oui, trade. Oui, t'avais besoin d'un trade pour l'avoir. Bien sûr. Mais oui, en termes de fit, pour Phoenix, t'as raison, Simon. Mais tu vois, si à partir du moment où Okongwu va changer les boards, parce qu'avec sa blessure, etc., et tout, ça peut tout un poil décaler. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pas redondant, mais il y a quand même, t'as l'impression qu'entre 5 et 9, là, tous les choix, c'est un meneur de grande taille, quoi. Pas mal. Si ouais, j'exagère un peu, tu vois. Il y en a plusieurs, et dans le même dans la même fourchette, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, même range. Voilà, et du coup, je vois bien Killian glisser, entre guillemets, à Phoenix, chez Alex. Andy à Phoenix, en formation, avec monsieur Chris Paul, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Bah, ce serait cool. Et avec Okobo, tu vois, pour être les deux, à se tirer la bourre à l'entraînement et se faire progresser. Et puis, derrière Chris Paul et Booker, Chris Paul. C'est pas mal pour apprendre la vie. Ouais. C'est pas mal, en fait. Pour un petit Frenchie. C'est très bien. Hein. Ah on signe tout de suite en tant que Français. Toi, tu restes sur ce que tu avais dit sur ta mock draft ? Ouais, je reste sur ma mock draft. Je pense que... En fait, je sais pas la news qu'on a eue tout à l'heure, qu'on va certainement commenter, là, des Pistons qui ont récupéré le pick 16, donc qui était arrivé jusqu'aux Blazers, enfin, qui était arrivé à Houston, Blazers, machin, enfin bref. On expliquera le trade exact. Donc, les Pistons ont le pick 7, mais aussi le pick 16. Je sais pas jusqu'à quel point ça influe sur les choix qu'ils vont faire en 7. Si ça se trouve, les Pistons peuvent nous surprendre aussi et ne pas du tout drafter dans le bac court en 7. Possible, hein. C'est en fonction de, comme vient de le dire très justement Simon, de qu'est-ce qui se passe au-dessus, de quel domino tombe, et de si ça se trouve, les Pistons, ils arrivent, font non, mais en fait, nous, on va commencer par prendre Obi Toppin parce qu'on pense qu'il se marie bien avec Blake Griffin.
qui vont être bien complémentaires. Ou que Blake est très transféré d'ici quelques jours. Exactement. Aux Warriors. Voilà. Ou alors on va dire non, mais nous on prend au Kongu parce que l'occasion de l'avoir en 7, c'est, on considère que c'est une très belle occasion et on n'a pas peur de sa blessure au pied. C'est ça. Tu vois, ce genre de choses en fait. Donc oui, je crois que le Kylian peut atterrir à Phoenix et ma foi, ça serait une magnifique nouvelle. Eh bien écoutez, face à cette véritable milice pro-Suns, face à cette armée de cactus en direct, je ne peux que m'incliner, absolument pas. Je veux ma French Connection dans le Michigan. Détroit partira sur Killian Hayes. J'espère que les dominos vont bien s'aligner et qu'on va avoir Killian Hayes plus Sekou Doumbouya, au-delà de ce côté très sympathique, ok, deux Français, etc., qui s'entendent bien et qui se développent. Déjà, je pense qu'il y a un... Il y a très très peu de franchises qui peuvent proposer tout de suite autant de temps de jeu et de lancer Killian dans le grand bain que Détroit. Et donc tout de suite d'avoir Killian Hayes à Détroit, même si on a parlé de formation avec Chris Paul, je veux bien voir aussi deux trois après-midi avec Derrick Rose pour savoir, écoute, la NBA, fais gaffe. Je suis d'accord. Ça se passe comme ça. Tu peux très bien respecter certains de mes conseils. J'aimerais beaucoup le voir se développer là-bas. Il y a une nouvelle ère à Détroit. Il y a besoin de créer des nouvelles choses. Et donc, forcément, je vois bien Killian Hayes être responsabilisé chez les Pistons et avoir à la fois du temps de jeu, une certaine hype et surtout, et là, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus avec Killian Hayes chez les Pistons, il n'y a pas de grosses attentes. Chez les Pistons, je suis désolé de dire, mais je tire un trait un petit peu. T'attends la draft 2021 quand même. Non, mais il peut avoir les clés du camion sans avoir de match à gagner en gros quoi. Si les Pistons gagnent 23 matchs, personne va chialer la semaine prochaine. Au contraire, c'est une bonne perf. Tout à fait, et Détroit sera très content parce que la draft 2021, on n'arrête pas déjà d'en parler et ça va monter en puissance. Donc j'aimerais bien que Détroit prenne un joueur comme Killian Hayes et qu'on ait. Ouais, Détroit. Moi le soir, j'avoue, je kifferais trop regarder Killian Hayes et que des fois ils se disent genre, bah allez. On y va, ça pousse, ils se poussent l'un et l'autre avec ses coups et on essaie d'avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu vraiment trop en NBA. La French Connection à Détroit, j'avoue. On a eu l'occasion de voir Tony et Boris à San Antonio. Je leur souhaite évidemment une aussi belle carrière. Hein, ça serait pas mal. Mais rien que déjà, si on pouvait avoir deux nouveaux Français dans la même équipe NBA, ça serait pas mal. Ouais. Et petite question subsidiaire d'ailleurs dans la continuité de ça avant que tu nous changes le bandeau, Bastien. Oui. Juste comme ça, vite fait les gars, Maledon. Le petit Théo Malédon, oui. vous aimeriez le voir chez qui là ? Il est annoncé plutôt en fin de premier tour. Il y a pas mal d'équipes sympas en fin de premier tour là. Ouais, tout ce qui est Utah, hein. Formation Mike Conley, franchise sérieuse qui gère bien ses jeunes. Ça peut être sympa. Utah a été mentionné. Denver. Denver aussi a été évidemment mentionné. OKC vient d'avoir un pic 25 et 28. Attention aussi à OKC, on le sait qu'avec les jeunes. Toi Simon, tu le vois où ? Non, bah c'est ça. Hein. Boston. C'est vrai que Utah. Ouais. Ah, Boston, ça pourrait être bien aussi. Ouais. Il y a pas mal d'équipes sympas en fait, en plus ou moins fin de premier tour, là entre 20 et 30. Ou pour un petit Frenchie pour démarrer, ça peut être sympa en fait. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un potentiel scénario dans lequel on a Killian Hayes, Frankie Kina et Théo Malédon dans la même équipe ? Dans la même équipe avec les Knicks qui nous draftent trois meneurs. Non, évidemment, c'est juste pour la punchline. Ouais. Ce serait pas mal. Théo Malédon, il est hyper intéressant. On va le retrouver dans ce range-là, 20 à 25, 20 à 30. Normalement, oui. Après, on peut avoir des surprises. Mais normalement, oui, c'est par là. Donc, je trouve qu'il y a pas mal d'équipes sympas. Donc, je suis assez curieux parce qu'on a moins parlé de lui, parce qu'il a moins de hype que Killian Hayes. C'est sûr. Mais il a des bons arguments pour la NBA lui aussi. Hein. Tout à fait. Et hashtag Jeff Teague. Bon, en gros, hein. Mais on aura l'occasion de pouvoir revenir sur le profil un petit peu d'un joueur comme Théo Malédon. Ouais, ouais. On va enchaîner sur la dernière petite question. Vous le savez, là, il est 1h49. Ça va drafter dans 10 minutes. Regardez ce timing, il est parfait avec le dernier bandeau. C'est parti, tout le monde sur le clavier. Qui seront les 5 premiers joueurs draftés ? On a eu l'occasion avec Alex de faire une mock draft. Elle était sur la chaîne YouTube. On ne va pas vous dire de la regarder maintenant parce que sinon vous n'allez pas le temps. Capter. Alors vous allez rater le premier tour. C'est ça, ça va être un peu compliqué. Par contre, elle sera drôle à regarder par la suite avec tout ce qu'on a projeté. Ça n'a pas bougé. Là où ça n'a pas bougé, par contre, c'est qu'on a les Wolves en 1, les Warriors en 2, les Hornets en 3, les Bulls en 4 et les Cavs en 5. Simon, the floor is yours. Qui sont, là tu nous le dis, d'abord cinq les noms. Cinq noms, les 5 premiers picks de la draft 2020. Ouais, mais bon, j'ai Edwards en premier. Anthony Edwards chez les Wolves. Trade down pour Okoro en 2. Enfin, tu vois. Okoro en 2 chez les bah, Wolves. Bah ouais, mais en trade down en fait. Donc, je me demande si même Golden State pique pas pour quelqu'un d'autre dans mon scénar, mais voilà. Ok. Et du coup, Wiseman aux Hornets, Ball aux Bulls et Avdija ou Topin, mais plutôt Avdija quand même aux Cavs. D'accord. Alex, toi, par rapport à la mock que tu avais fait, il y a eu des modifications avec Onyeka Okongwu ? Ouais, moi j'avais mis Edwards en 1, Wiseman en 2 et Okongwu en 3.
Je pense que entre le côté drafté au talent et le côté blessure au pied d'Okongwu, je pense que même si je pense que tout peut valser dès les Warriors en fait, là, je suis en train de me dire, pff, non, mais quand même. Donc Edward Wiseman, du coup, je pencherais bien pour des Hornets qui prennent la Melo Ball. Très bien. Et du coup, je vois bien les Bulls un peu emmerdés, ne pas trop savoir quoi faire en 4. Et du coup, nous faire péter une bonne grosse surprise, entre guillemets, hein, du genre justement faire péter Okoro, tu vois, en 4 là, Chez à les Bulls? Chicago, ouais. Waouh. Pour amener un côté défensif, j'aime bien Zach LaVine, mais je pense qu'un petit Okoro, tu vois, à côté de lui ou quoi, on peut pas dire Bien autoporteur sûr. coûte, non seulement il coûte très cher, mais c'est sa dernière année de contrat. Et en 5, je bouge pas, les Cavs, c'est Avdija. Très bien, chez les Cavs. Vous avez mis tous les deux Avdias chez les Cavs. Vous avez mis Toi, t'avais mis tous les deux Topin hein, Anthony dans ta Edwards. mock. Moi, ça ne bouge pas par rapport à la mock draft qui a été faite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Pick 1, Anthony Edwards chez les Wolves. Pick 2, James Wiseman chez les Warriors. Petite option sur ce qu'a dit Simon. Pas sûr qu'il porte le maillot des Warriors Non, d'ici la fin de la tout soirée, à fait. potentiellement. Pick 3, les Hornets vont gentiment prendre la Melo Ball. Parce qu'il n'y a pas forcément assez d'assurance sur le dossier Russell Westbrook. En 4, Denny Avdija qui va amener un petit peu de sauce européenne chez les Bulls. Et merveilleusement, évidemment, Obi Toppin chez les Cavs avant de laisser le dance floor pour nos amis les Hawks. Donc aucun de nous ne file Wiseman aux Hornets. Si, toi tu l'as mis. Moi. Il a mis Ah si, Wiseman aux Simon, Hornets. pardon, autant pour moi. Oui, parfait, bien Non, sûr. mais alors, les Mais si. Warriors peuvent pick Wiseman pour une autre équipe et trade down, ou alors vraiment, effectivement, dans un autre scénar, prendre Okoro, parce que avec les jeux d'assets et Wiseman, il n'y a que comme ça. Sinon, si les Warriors pick pour eux-mêmes et restent en deux, je pense qu'ils prennent Wiseman. Par contre, oui, je suis d'accord. Par contre, Alex, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, il y a quand même un consensus, au moins sur ce canapé et avec Simon en direct de Sacramento. Anthony Edwards est le premier Ah, nom qui va drop dans la draft 2020. Bah écoute, ou alors on aura tort tous les trois. Moi, je suis chaud pour Ou que les alors c'est Wolves nous. le. Je suis chaud pour que les Wolves de Garzon Rosas nous changent tout ça. Ou alors c'est le Thunder de Sam Presti qui va drafter en 1, les gars, on n'est pas prêts, ils vont prendre la Melo Ball et genre le Thunder, c'est le Thunder de la Melo Ball. C'est ça. Sam Presti leur a filé genre 5 picks aux Wolves en leur disant, les gars, non, non. C'est les Big Thunder Brand. Tu vois, Je sais pas, c'est ça. c'est possible, hein? là-dessus. Ouais. Vas-y, Simon. Non, bah vite fait, sur le pick 1, pour. Il n'y a pas de vrai numéro 1, je trouve, dans cette draft. Il y a trois joueurs que tout le monde a toujours considérés comme un podium, qui sont Edwards, Wiseman et Ball. Et pour moi, il ne faut pas surréfléchir le truc. T'es Minnesota, bah tes deux meilleurs joueurs, c'est un meneur et un pivot. Ouais. T'as trois joueurs qui sont mis podium sans un vrai top 1, qui sont un 2, un meneur, un pivot. Bah tu prends. Enfin, je sais pas, tu Tu prends vois. le 2. Tu prends le 2. Ouais, Parce ça que t'as paraît déjà logique. un meneur et un pivot. Et puis. Puis tu, je vois pas où tu re-réfléchis le truc 50 000 fois, ta décision elle est prise, elle est arrêtée pour moi. Maintenant, ils peuvent avoir un vrai coup de cœur sur Wiseman ou Ball, mais ça me paraît moins compatible avec ce qu'ils ont déjà, voire Wiseman, emmerdant ça en serait fait. chelou par Non, rapport à ta Wiseman, on l'a Wiseman dit, Towns, c'est c'est. Non, c'est une Wiseman Towns, déclaration de c'est. guerre. Voilà, Wiseman Towns, c'est emmerdant. Non, non, non. Et franchement, Ball Russell. Ça a été mentionné beaucoup, la Melo Ball aux Wolves, pour des raisons qui dépassent, qui sont certes sur le parquet, mais qui les dépassent aussi et qui sont financières. Comme on l'a dit et répété, l'aspect marketing autour de la Melo Ball est hyper intéressant. Il y a quelque chose d'assez compréhensible dans soi, c'est tu as deux porteurs de balles, peut-être pas d'exception, mais en tout cas, tu as deux porteurs de balles à l'intérieur, donc là, ta géométrie d'équipe marche, mais ça paraît plus simple d'avoir un vrai swingman à côté, tu vois, un vrai extérieur qui apporte des points, qui apporte du rythme, qui à chaque fois qu'il va prendre la balle, il va agresser pour justement équilibrer ça entre Russell et Towns. Moi, ça me paraît quand même plus facile, quoi. Je suis assez Mais bon. d'accord, et puis par rapport aux déclarations qui sont sorties aujourd'hui, là, ça a fait beaucoup de bruit, là. Edwards, il regarde pas le basket, il n'est pas assez fan, soi-disant, de Ouais, il y basket. en a eu plein. Je pense aussi qu'il faut relativiser. On verra. C'est pas pour ça que c'est Andrew Wiggins et qu'il s'en fout. Non. Il a 19 ans, il a le droit d'avoir autre chose dans sa vie que du basket, il a le droit d'aimer le foot américain et de regarder ça à la télé. Moi, ça me pose pas vraiment de problème. On peut pas juger son professionnalisme là-dessus. On peut pas attendre de tous les rookies que les mecs ce soit Kobe Bryant dans leur tête, quoi. Tu Non, bien vois? sûr, bah, Genre, à un moment donné, tout à fait. les mecs commencent pas à regarder du basket toute la journée à partir de 6 ans, quoi. Ah non, Tu mais c'est vois? clair, c'est clair. Donc, du coup, je pense que là-dessus, moi, j'ai pas trop envie, parce que je l'ai vu sur le chat, là, c'est sorti, là. Effectivement, il a dit ça, Anthony Edwards. Tu sais quoi? Il le dit, il l'assume, mais si derrière, il arrive sur le terrain
et que sur le terrain il envoie du bois, eh ben moi ça me va bien que quand il rentre chez lui il regarde les Simpsons. Hein. Eh ben, ça je m'en fous complètement. Il fait ce qu'il veut, c'est ça là. Il n'est pas obligé de regarder des matchs de basket toute la nuit. C'est pas très Par contre, il faut qu'il soit sérieux en séance vidéo et tout le bordel, bien sûr. Faut qu'il soit professionnel en fait. Mais je ne vais pas juger le professionnalisme d'un mec qui n'est pas encore en NBA. Quoi. Ouais. À un moment donné, voilà. Ouais. Quoi. Tu allais dire, Simon? Non, bah il va en mater maintenant du basket s'il avait pas l'habitude. Ah bah là, il va c'est, trop c'est tout quoi, tu vois. Voilà, c'est pas vraiment ce qui est peut-être entre guillemets douteux dans sa déclaration, bah c'est de le dire en fait, c'est tout. Mais le fait de pas regarder du basket, je pense que c'est pas le premier ni le dernier. C'est pas le premier pick. À avoir fait ça ou avoir dit ça. Ouais, voilà quoi. C'est juste tu le dis pas normalement, mais bon. On est bien d'accord. Rémi, il y a notre Rémi national qui vient de prendre l'antenne. Là. Tout avec à fait. Une belle veste sur Bein. On va pouvoir parler de tout ça. Messieurs, dames, on s'installe tranquillou. Regardez le setup, il va évoluer parce que c'est comme ça sur Trash Talk. On vous le rappelle donc, le tableau récapitulatif, on vous le remplira au fur et à mesure avec tout ce qui va se passer sur cette draft 2020. On va faire le premier tour ensemble. On reviendra évidemment quand il le faut, c'est cadeau, avec des breaking news. Quand il le faut, on les amènera évidemment dans vos oreilles avec tout ce qui s'est passé. On a déjà eu du trade avec Al Horford et compagnie. Et le voici, le bandeau. Vous allez la voir. Regardez, on the clock. Allez, je me permets. On va tout de suite les mettre, ouais, les Wolves. Voilà. Ils ont un petit peu de temps, mais la fléchette, elle est dispo. Baissez le son un peu. Bah non, ou alors si, ouais, je quand même. Un poil. Sur le breaking. Est-ce qu'on se fait juste vite fait, est-ce qu'on fait quand même, je sais que bon, Simon, ça va te faire un peu de mal, mais on se fait quand même un petit point sur l'affaire Bogdanovic ou comment ça se passe? Ouais, bah je quand vais même, en profiter. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Vas-y. Je voulais être sur bien. Non mais on a quand même là c'est confirmé par le Vosges. Bogdanovic n'a pas signé de contrat avec les Kings, donc le sign and trade avec les Bucks tombe à l'eau. Donc Ersan Ilyasova, Dante DiVincenzo et je ne sais plus qui il y avait dans le trade, DJ Wilson je crois, reste pour l'instant exact. À Milwaukee. Du coup Giannis ne plonge pas. Bogdanovic et a du bien coup la franchise déménage a ouais, bien c'est ça. Confirmé c'est qu'il n'avait pas signé et qu'il avait l'intention d'entrer sur le marché des agents libres là, ce vendredi ou ce dimanche, je ne sais plus quand c'est là. Ouais. C'est quand même assez fou cette affaire. Ah non, mais ça, c'est les mecs ont fait un sign and trade sans le sign. Alors, le seul truc que j'ai vu passer sur Twitter, qui, ouais. C'est pas pour chercher à défendre les Kings et tout, mais c'est est-ce que pour des raisons de ne pas se faire accuser de tampering, parce qu'en fait, pour un sign and trade, normalement, tu n'as pas le droit de signer encore tes free agents, même si tu les intègres dans un sign and trade. C'est une espèce d'utilisation des médias qui t'a passé pour des cons parce que bah, l'accord est sur la table, mais en fait, techniquement, ils n'ont pas le droit de re-signer là, aujourd'hui, officiellement Bogdanovic, puisque la free agency, officiellement, c'est vendredi, je crois, à l'ouverture. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? C'est un joueur de chez eux, ils ont le droit de le prendre. Je ne sais pas, non, mais je te dis juste, c'est le seul début. C'est le seul début de raisonnement, on va dire, qui pourrait défendre les Kings. Et de toute façon, dans ce cas-là, pourquoi tu annonces des sign and trade, en fait? Bah ouais, je comprends pas. C'est pour ça que je te dis, je ne comprends pas, mais est-ce que ce serait... C'est le seul... Comment dire, pour que les Kings ne soient pas ridicules dans cette affaire, ce serait la seule explication? Exactement. Et puis, donc quand même, donc vraiment, grosse bouffonnerie des Kings. Grosse bouffonnerie des et Kings. Et on a un nouveau staff ou pas? Moi, j'ai pas compris. Vous avez une partie de nouveau staff, ouais. Parce que là, c'est vladé, ça. Il y a Jean-Pierre, mon voisin. Il y a le jardinier. Ah, et voilà. Mais donc, je voulais dire juste grosse bouffonnerie des Kings, mais ça met les Bucks dans la merde. Ah bah bien sûr, les Bucks, ils étaient tout fanfaron et nous on avait fait un apéro en premier en disant hello. Les Bucks ont envoyé un message très clair à Giannis. Bah le message c'est surtout ne faites pas de market avec les Kings parce qu'en fait ils ne connaissent pas les règles. Donc c'est un peu compliqué. Ça me rappelle le trade avec l'histoire des Blazes. Non mais avec l'histoire des Blazes. Les Suns et les Wizards hein, avec les Grizzlies. Ah, c'était extraordinaire. Ah, c'est pas le bon Brooks ou ou Dylan Brooks. Dylan Brooks. Oh là là. Ah, c'est pas le bon Brooks. Ah non, mais c'est incroyable. T'es sur ce niveau de bouffonnerie comme tu le disais, ah, Alex. Tout à fait. Là, c'est vraiment du gros niveau de bouffonnerie. Donc, on va suivre ça de près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on parle, ouais. On est sur de la grosse bouffonnerie façon Kings et on est sur un Bogdanovic qui se considère comme un agent libre et qui va aller tester le marché. Et tu sais qu'il va avoir des offres, lui. Hein. Ah bah, il va avoir des offres, lui. Il est intéressant comme profil. Il y a du monde hein. qui va être sur lui. Ouais. C'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé, en effet, du côté de Sacramento. Il est 2h pile. Vous êtes quasiment 20 000. C'est extraordinaire. Alors que là, on voit Bean qui nous remonte le gros tableau. Nous aussi, on sera là sur le gros tableau en le remplissant
en live. Ça va être une folle soirée. Je rappelle les infos principales pour que tout le monde puisse bien démarrer. Il y a donc Bean 1 devant nous. Si vous avez d'autres manières de le regarder, c'est vous les pirates, c'est vous qui vous démerdez avec vos soucis. Nous, on sera là avec Simon, Alex, Bibi et donc Léon Salaprod sur ce premier tour. Le deuxième, on le regardera, mais on l'assurera surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des breaking news, elles tomberont, on les débriefera ensemble. Il y a des transferts, pareil. Le tableau évidemment sera aussi mis à jour avec les transferts pour pas que ce soit n'importe quoi. Je demande évidemment, puisque je vois sur le chat, je vois qu'il y en a plein qui discutent, s'il vous plaît, juste par respect en fait, déjà pour le taf qui a été fait et pour le respect de tout le monde et de cette soirée, si vous voulez bien juste parler de basket et de ce qui se passe. Je sais qu'il y a plein de fans de musique et de notre cher rappeur Freeze Corleone, mais si on peut un petit peu plus se concentrer sur la NBA, ce serait fort sympathique. Voilà, juste respectez ça et nous on sera très contents, on va passer une bonne soirée. Voilà un petit peu pour les dernières infos. Je sais que certains posent des questions sur notamment des franchises, hein, Miami et compagnie. Il y en a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a des franchises qui ne draftent pas au premier tour. On en a, je crois, qui ne sont juste pas présentes. Hein. Bah, les Lakers maintenant. Les Lakers maintenant, puisque c'était le trade tout à fait de Danny Green et Schroeder, ils étaient en 28e. Exactement, donc ils n'ont plus de pick au premier tour. Memphis n'a pas de pick, puisque c'est Boston qui a le pick 14, qui me semble vient de Memphis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, les Blazers n'ont plus de pick au premier tour. Les Rockets, hein, les Rockets sont partis dans une potentielle éventuelle reconstruction sans pick. Oui. C'est un concept aussi, ça. Raphaël Stone. Faut peut-être que les Kings et les Rockets, ils se parlent au niveau reconstruction, non? Oui, les picks. Les picks. Entre les mecs qui font des sign and trade sans le sign et les mecs qui font des reconstructions sans pick. Qui d'autre n'a pas de pick ce soir? Donc Blazers, Pacers, je les vois pas. Pacers, je crois qu'ils n'ont pas de pick non plus. Je crois qu'il est le pick des Pacers. Je crois qu'il est au Thunder. Il me semble. Il fait pas. Non, je dis peut-être des conneries. Oui, t'as raison, Simon. Pacers n'a pas de pick. Blazers n'a pas de pick. Rockets n'a pas de pick. Lakers n'a pas de pick. Pardon. Clippers, ils ont un pick, les Clippers? Je crois pas. Hein. Je les vois Clippers, pas, pour moi, ils n'ont pas Clippers de pick. Hein. Peut-être pas. Non. Pour moi, Clippers n'a pas de pick. Donc, t'as pas mal d'équipes qui ont plusieurs picks. T'as le Thunder. T'as les Celtics. Maintenant, les Pistons. Oui. Donc ça va être intéressant de voir la stratégie de ces équipes là. Info, excusez-moi monsieur, info qui est tombée juste. Attends. Dis-moi. Non, c'est bon. Info qui est tombée juste de la part du Vosge, toujours à quelques minutes de devoir sélectionner le premier choix, alors qu'on voit Adam Silver qui est là. Les Wolves ont toujours discuté avec certaines franchises pour des scénarios incluant le transfert du premier choix de draft. Donc à surveiller dans quelques minutes, il y a moyen que les Wolves nous réservent une surprise. C'est parti. On voit Adam Silver qui est là. Je vais mettre un petit peu de son pour qu'on puisse bien l'entendre. Ah, quand même l'ami. Attends. Bon, là, il nous fait son speech. Il nous fait son speech. Merci. C'est une année compliquée, Adam Silver. On le rappelle, pendant qu'il fait son magnifique petit speech, on rappelle juste que pour ceux qui veulent les infos sur le modèle de la saison régulière, on en a fait des articles complets et on a fait un daily draft récap complet hier pour expliquer notamment le play-in tournament et le format de 72 matchs de saison régulière. Ça aussi, ce seront des sujets dont on aura l'occasion de rediscuter parce que ça a créé pas mal de petits débats, ma foi. Apparemment, c'est un tendon d'Achille, hein, Clay. Ouais, il y a moyen. Oh. Ouais, il y a moyen. Oh là 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 là. Oh, t'entends ça, Simon, là? Ouais, c'est l'enfer, ça. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Sans refouler le parquet, le mec s'est fait le tendon d'Achille de l'autre jambe. Ah, quelle horreur. Ouais. Waouh, ok. On va suivre ça de près, mais c'est quand même... ça commence par une mauvaise nouvelle, hein. Donc il pourrait, tendon d'Achille, vu le calendrier, machin, il pourrait rater. Enfin, ça pourrait être une deuxième saison blanche de suite. Oh là là, quelle horreur. Ça tourne tellement vite en NBA, c'est dingue. Le mec s'est blessé au Game 6 des finales, il était en train de défoncer le match. Hein. C'est ça notre dernier souvenir de Clay. Hein. Il était en train de tabasser les Raptors. Hein. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Oui. Donc oui, là, bon, ce sont je crois qu'il allait l'annoncer. Non, tu m'as fait peur. Fait, non, c'est juste on the clock. Ah bah, c'est flippé. Mais oui, mais c'est un petit peu le classique. Juste excusez-moi pour ceux pour ceux qui sont là. C'est combien? C'est 5 minutes? C'est 5 minutes. Hein. Mais on va voir si c'est 5 minutes ou si par rapport à ce modèle 2020 qui est un petit peu nouveau, est-ce que les Wolves auront moins de temps? Il est 2h05 ici.
à Paris, enfin sur le fuseau horaire de Paris. Ouais. On a donc 5 minutes. Les Wolves, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les Wolves sont comme ça en mode genre non mais c'est bon, on sait ce qu'on va faire, ou est-ce qu'ils sont en mode pendu au tel genre qu'est-ce que tu dis Bob Myers, qu'est-ce que tu dis Kubchak? Bien sûr, c'est ce que dit Vosges. Hein. Vosges était en train de parler de ça, du fait qu'il pouvait y avoir encore des discussions par téléphone de Guerzon Rosas avec différents managements. J'ai plutôt le sentiment quand même c'est que Kevin ça va partir Costner, sur quoi, là, c'est Kevin Costner. C'est ça. J'ai plus l'impression que pour le moment ça va partir sur Monsieur Anthony Edwards, mais à vérifier, voir ce que ça pourra donner d'ici quelques secondes, quelques minutes. Les Wolves, parlons-en rapidement, puisque évidemment ils sont on the clock. On le sait, ils ont réussi à récupérer avec Guerzon Rosas à la trade deadline précédente Monsieur D'Angelo Russell. On l'a, ça y est, en duo avec Karl-Anthony Towns. Quelques attentes quand même, une certaine hype du côté du Minnesota. On a le duo, on a Ryan Saunders en tant que coach. S'il y a un Anthony Edwards qui arrive là par exemple, ça vous donne envie de les suivre encore plus, ou est-ce que c'est genre calma sur la hype, l'Ouest est beaucoup trop chaud et on ne verra pas vraiment de grosses progressions dans le classement de la conférence Ouest? Ah non, quand même, ça donne envie, parce que tu te dis, déjà tu as envie de voir vraiment D'Angelo Russell et Karl-Anthony Towns, parce qu'on peut pas dire qu'on ait vraiment beaucoup vu avec la coupure mi-mars et tout, tu vois, ils étaient pas dans la bulle et tout ça. Plus tu as quand même un jeune joueur hyper excitant, tu peux avoir un trio avec Anthony Edwards qui, je sais pas, enfin Simon, tu me dis ce que t'en penses, mais offensivement ça peut être très très sale quand même comme trio. Défensivement on en reparlera, mais offensivement ça peut être extrêmement sale tout de suite en fait. Ouais, Edwards peut amener tout de suite, enfin je pense quand même quelque chose de, on l'a dit hein, de très vite, très complémentaire, mais on le reprécise là, très spectaculaire aussi Anthony Edwards. Donc tout de suite je pense qu'il peut y avoir déjà des séquences un peu top 10, et puis en termes de fond de jeu même, ça fait quand même un joueur majeur, je pense, qui pèse. En plus, c'est pas une recrue anodine. Bah là, d'ailleurs, sur Bean, il montre un peu la depth chart des Wolves. Tout à fait, la depth chart des Wolves. Tu vois, quand même, si tu regardes Okogi, Culver, Lehman, Evans, Evan Turner, Beasley et tout, n'importe qui. Tu peux foutre Anthony Edwards là-dedans. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Par contre... Ils seront encore un peu loin sans doute d'accrocher évidemment dans la sauvagerie qu'est l'Ouest une place en play-off, même si avec le système de barrage, si jamais bon. Mais ils avancent dans le bon sens avec un mec comme ça quand même. C'est vrai, surtout qu'en plus faut pas oublier que les Wolves, ils ont aussi le pick 17. Hein. Tout à fait. Donc ouais. Le pick 1 est important, mais le pick 17, tu as encore souvent des joueurs sérieux hein, qui traînent à ce niveau-là. Hein. Ah bah, surtout dans les drafts comme celle qu'on va voir là, où il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air plus ou moins d'avoir le même niveau. Ça, c'est vachement. Alors que là, on voit Anthony Edwards et sa famille, j'imagine. Tout à fait. Dédicace notamment à, je crois, ses grands-parents. On vient de voir LaMelo Ball qui était avec LaVar. On le sait, LaVar Ball qui continue à faire le buzz. Comme d'habitude, on a Mike Schmitz qui est ici, qui a assuré, comme d'habitude, avec Jonathan Givony de ESPN, tout ce qu'il faut en termes de couverture de ces jeunes joueurs. Minnesota on the clock. Ils vont prendre leur décision bientôt. Juste, moi, je pose une dernière question. Est-ce que c'est un petit peu un cadeau empoisonné ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire des premiers choix de la draft 2020? Ah, pas facile quand même. Empoisonné quand même, je sais pas si tu peux dire. Pas empoisonné, mais tu vois, c'est pas un cadeau. Quoi. On en a déjà parlé. C'est pas comme genre l'année dernière où t'avais un clear pick 1, Zion Williamson. Genre, on s'en foutait limite de savoir qui allait avoir le pick 1. On savait qu'il allait prendre Zion Williamson limite. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu genre peut-être qu'on va se foutre de leur gueule dans 5 ans en faisant ah, lol, tu te rappelles en 2020 quand ils ont pris Anthony Edwards à la draft, les Wolves, mort de rire et tout, n'importe quoi, c'est même pas le top 5 arrière de sa draft. Tu vois, ça peut leur arriver. Ouais. C'est vrai que c'est un peu moche, mais ça reste un pick 1, ils ont le choix, ils vont pouvoir choisir leur rookie ou trader, on voit ce que nous dit le Vosges. C'est pas empoisonné, disons que c'est pas le pick 1 le plus facile de l'histoire. Quoi, non, bien sûr, bien sûr. Simon, toi là-dessus, ton avis sur le premier pick justement des Wolves, pas le côté cadeau empoisonné, mais on est quand même sur quel niveau d'enthousiasme chez les Wolves en ayant ce cadeau? Bah, c'est vrai que tu tombes pas dans une cuvée où c'est pas la course à Zion, ou même qu'on a pu le voir à, tu vois, des clairs Blake Griffin, des trucs comme ça et tout. Il y a vraiment un clair numéro 1 et un joueur qui arrive avec une hype incroyable. Après, c'est eux aussi, c'est à eux de le bonifier, j'ai envie de dire. T'as le choix de quand même te servir en premier dans une cuvée de draft, c'est pas anodin. Quand t'as déjà deux talents qui étaient eux-mêmes des top picks, hein, on rappelle, Towns premier, Russell et piqué 2. Tu peux rajouter un pick 1, normalement, ça fait 3 picks, 2-1, machin. T'as une base, quoi, normalement. Ouais.
Normalement, ça, ouais, je suis d'accord Simon, t'as raison. Anthony Edwards, normalement, on va surveiller ce que ça peut donner. Évidemment, il y a le pic des Wolves qui va tomber maintenant. Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, ça est le pic 1 des Wolves. Ça fait 5 minutes normalement là. Voilà, ouais. J'en profite pour rappeler évidemment qu'il n'y a pas de spoil sur cette émission, sur ce live. On va vivre les pics un par un. On le sait que vous êtes nombreux à avoir les notifs notamment de Shams Charania, de Adrien Wojnarowski ou de Mark Stein et compagnie. Nous, en tout cas, on va jouer la carte vraiment du no spoil. On va vivre les pics un par un, même si nous aussi, on a les notifs. Quand même, on aime bien voir ce qui se passe. On sera les premiers à agir s'il y a notamment du transfert, parce qu'il va en avoir normalement ce soir, sûr et certain. Un garçon qui avait été mentionné notamment, juste en attendant là, les Wolves une dernière seconde, Jared Culver a été mentionné dans les potentielles rumeurs de transfert. C'est un petit peu tôt quand même, au bout d'une saison, d'avoir un mec comme ça qui part tout de suite dans les rumeurs de transfert. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Excuse-moi, je pose une question. Voilà, Adam Silver. On va écouter Adam. Allez, monsieur Adam Silver. Okay. Anthony Edwards, qui est donc le premier pick de la draft. Et let's go à Atlanta. Il est de Géorgie. Et donc, on a, ça y est, un nouveau visage dans le 5 majeur des Wolves. Il a la casquette. Il a la casquette, quand même. Elle était prête. C'est beau. C'est beau pour Anthony Edwards. On rappelle Anthony Edwards. Tu crois LaMelo Ball, il a combien de casquettes possibles dans sa pièce du coup? Je sais pas. Si c'est des big ball en main. Attends, Boucha. Donne-moi la casquette et. Merde, jette ça. On avait dit Piquin, t'es con ou quoi? LiAngelo, fais la vaisselle. C'est drôle. Juste les informations évidemment autour d'Anthony Edwards. Premier pick donc des Wolves. Ça y est, il va pouvoir accompagner donc D'Angelo Russell et Karl-Anthony Towns. Arrière hyper tonique. Alex, Simon, on en a parlé plus d'une fois. Scoring. Tonicité, tout ce qu'il faut pour tout de suite apporter des qualités athlétiques et offensives hyper intéressantes pour Ryan Saunders. On en a parlé, il est complémentaire, il peut jouer à côté de D'Angelo Russell sans problème. Tu as un backcourt jeune avec un meneur longiligne, pas le plus gros athlète. Je sais après le faire le tableau. Ah oui, t'inquiète. Pas le plus gros athlète de la Terre, D'Angelo Russell, par contre très technique, beaucoup très crafty et tout. Et enfin, à côté, tu vas mettre un Anthony Edwards, qui est un joueur de football américain doué pour le basketball, qui va leur rentrer dans la bouche, qui va faire du spectacle, qui va se régaler de caviar, qui va pouvoir profiter du spacing incroyable que peut provoquer le duo D'Angelo Russell Karl-Anthony Towns. Je rappelle que Karl-Anthony Towns shoot à plus de 40% à 3 points. Ouais. Donc quand il y a un pick and pop D'Angelo Russell Karl-Anthony Towns, ça veut dire que Anthony Edwards, il a toute la raquette pour lui. Bien sûr. Tu sais que ça peut faire des gros dégâts. Clairement. Donc moi je très très hypé. Très envie de voir les Wolves jouer au basket et faire 13e à l'Ouest la saison prochaine. La franchement, saison prochaine. Ça va être cool. Simon, ton avis justement sur Anthony Edwards qui rejoint les Wolves? Bah, vous l'avez dit, c'est John Wade, à voir s'il est plus Waiters ou que Wade, tu vois. Il se situe quelque part entre ces deux trucs-là. Wade l'a un peu adoubé en annonçant à l'Amérique, voici ton first pick, il s'est pas trompé. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien parce qu'il a ce que tu attends un peu quand même d'un pic au placé, d'un premier choix, etc. Et tout. Tu sais que tu vas le retrouver dans les top 10. Tu sais qu'il a, il a quand même, j'ai l'impression que lui, en tout cas, une sorte d'assurance aussi qui font les bons first pick, tu vois. C'est pas Anthony Bennett sur qui le toit va s'effondrer sous la pression d'avoir été drafté first pick. Je ne pense pas, en tout cas. Il a l'air d'être prêt, etc. Bien sûr. Et puis, il y a un truc que j'aime à la fois bien dans son jeu, mais que je polirais un peu, c'est qu'il joue un peu comme au basket, comme on joue au foot américain, je trouve, des fois. Il met beaucoup en avant ses qualités physiques, qui sont évidemment hors normes, mais il a tendance à les utiliser en premier lieu, en fait. Et quand même, ce mec, tu te dis que s'il apprend ce qu'on apprend en Serbie, par exemple, dès le plus jeune âge, au basket, ou qu'il complète, en tout cas, par la science du jeu... Les fondamentaux, ça peut être énorme, tout à fait. Ouais, c'est le pari, c'est ce qui fait qu'il a ses comparaisons avec les Donovan Mitchell, avec les Victor Oladipo, voir jusqu'à quel range il peut aller. Hein. Tu as parlé de Dwayne Wade totalement tout à l'heure. Dwayne Wade est arrivé avec des bons fondamentaux de market, hein, mais c'était avant tout un monstre athlétique qui a aussi poli son jeu au fur et à mesure dans le centre de management de Miami. Pour compléter juste sur ce que vous avez dit, moi évidemment très content pour les Wolves pour ce pic là, parce que on a beaucoup parlé depuis quelques mois du fait que les Wolves avaient ce pic 1. Est-ce qu'ils allaient le transférer, est-ce qu'ils allaient prendre du LaMelo Ball? Ça y est, il y a à mon avis aussi un petit peu de soulagement du côté de Minnesota. Ils ont fait le choix logique dont parlait Simon tout à l'heure, hein. Exactement, pour moi c'est bien parce que les Wolves, en tout cas leurs fans
qui ont vu ce pick 1 leur tomber dans les mains, ça y est, il y a un visage sur ce pick 1. Il y a plein de gens qui ont dit oui, on est sur une draft 2013 à l'Anthony Bennett. Je ne pense pas. Je pense que vraiment, il y a un potentiel énorme avec Anthony Edwards. À voir comment ça va se passer. La personnalité aussi du garçon, pour ceux qui veulent justement suivre une franchise de près et voir ce que ça peut donner en termes de dynamique, D'Angelo Russell et Anthony Edwards, ça va faire kiffer les médias. Il y a plein de gens qui vont se ramener et regarder de plus en plus les Wolves. Je suis assez content pour la franchise là-dessus parce qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, on parlait quand même de galère à l'entraînement avec Jimmy Butler et Anthony Towns. Bien sûr. On parlait à quel point c'était une galère d'avoir un maillot retiré pour Kevin Garnett ou des nouveaux proprios. Non, mais tout à fait, je suis d'accord. Je trouve que ce pic... Ça annonce aussi potentiellement de la hype et un tout petit peu de début de stabilité chez les Wolves. Je suis assez satisfait pour eux. Pour peu qu'il utilise ses outils physiques et athlétiques pour se mettre un peu à défendre, tu sais que boum, hein, direct. Hein. Bien sûr, c'est bien cool. Sûr, hein. On va devoir du coup enchaîner car la draft, vous le savez, dès qu'il y a une équipe qui passe, c'est l'autre qui est on the boom. Clock. Les Warriors. Regarde, c'est magnifique. Les Simon, fameux. Il a mis deux doigts. Ouais. Ça va être un peu, à partir du pick 13, ça va être un peu compliqué pour toi, mon cher Simon. Non, j'ai des longs bras, j'ai des longs bras, regardez. Là, je suis en 24, là. C'est ça. On dirait pas comme ça, mais il est au second tour. Donc, on va voir justement ce que ça peut donner pour les Warriors, parce que pour le moment, on le sait, il y a toujours ces discussions autour de James Wiseman, de la Melo Ball. Alors, Golden State, on a vu les nouvelles qui sont tombées avec Klay Thompson. Je vois qu'il y en a plein terrible. Qui disent, là, qu'ils ont vu les notifications. Vous pouvez les regarder, évidemment. Quand on voit ce qui se passe du côté de Golden State, il y avait pas mal de rumeurs autour du transfert de Spik. Ouais. Je balance un peu un pavé dans la mare, messieurs, parce que c'est notamment un sujet qui avait été discuté du côté des Warriors et de certains de leurs fans. Draymond, sur la durée, avec le nouveau contrat qu'il a, est-ce qu'il est si intouchable que ça, Draymond Green, dans l'effectif de Golden State ? Est-ce que ça ne deviendrait pas un sujet par la suite, Draymond, qui est en fait peut-être un joueur... qui a énormément apporté sur les titres, notamment des Warriors ces dernières années. Mais est-ce que vraiment, c'est un garçon qui va rester sur l'intégralité de son contrat à Golden State quand on voit comment il est payé par rapport à sa prod, entre guillemets ? Je veux bien attendre de voir cette saison, du coup, pour parler de ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les Warriors vont drafter là, en fonction de ce qui va se passer pour le cas Klay Thompson, je veux bien voir quel genre de début de saison Draymond Green peut proposer. Est-ce que... Si, comme on semble dire tous les trois, Golden State draft James Wiseman, est-ce que Draymond Green peut se comporter en le bon mentor qu'il faut à un gars comme James Wiseman pour lui permettre de devenir un défenseur incroyable, d'être un athlète respecté, d'être déterminé et tout. Est-ce que Draymond Green a ça en lui ou pas? Si c'est le cas, franchement, je pense que c'est vraiment très 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 intéressant de le garder. Après, ouais, il coûte cher par rapport peut-être à sa production statistique, mais c'est un patron quand même. Ah, bien sûr. C'est un patron. Toi, Simon, ton avis là-dessus ? Non, Alex, je suis d'accord, mais je pense que tu t'en approchais, moi, de ce que je vais dire là à la fin. C'est une question de thune. Honnêtement, Draymond Green serait une question de thune. S'il veut prendre le plus d'argent possible, ça va être compliqué pour les Warriors, je pense. Peut-être. Parce que notamment là, si t'as un rookie, etc., et que dans 3 ans, tu dois le re-signer parce que c'est un monstre, on va voir qui draft, machin, mais... Et puis, quelle que soit la raison, si Draymond Green se montre, entre guillemets, un poil moins gourmand et plus raisonnable et dit « Ok, je suis pas là pour l'argent, je veux faire toute ma carrière aux Warriors, etc. » et tout. Mais pour moi, avant tout, avant le sportif et tout, c'est un truc de thune. S'il est très clair avec les Warriors et qu'il dit « moi, je veux le plus d'argent possible », il l'aura ailleurs parce qu'une équipe tu vois, un vétéran comme ça, avec ce qu'il apportera, d'autres équipes lui proposeront le max. Les Warriors peuvent un peu lui dire « gros, compliqué quand même, tu vois, t'as dépassé la trentaine ». Moi, je pense que… Non, mais je vais poser la question parce que ça va devenir un sujet. En tout cas, il y en a, déjà… beaucoup qui commencent à le mentionner un petit peu en coulisses de attention, s'il y a bien un garçon qu'on doit garder et toujours rester light years ahead, c'est pas forcément le genre de gars qui va rester toute la durée de son contrat chez les Warriors. Draymond Green, c'est un des gros sujets. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est possible, mais je pense que la saison qui arrive va être très déterminante pour et Draymond Green et les Warriors et sa valeur. Le pick 2. James Wiseman qui débarque donc à Golden State. C'est énorme pour lui. Regardez, il est là avec Penny Hardaway. Pourtant, il avait Wiseman, des Jordan au pied. Toute la story. Oui, il a des Jordan, ça c'est sûr, au pied. C'est dommage pour les Hornets. Hein. À mon avis, du côté de Charlotte, on soupire très fort.
il est soulagé. Et on doit parler de James Wiseman qui est pick 2 à Golden State. Donc on l'attendait très très fort en NCAA à Memphis. Malheureusement, pour des raisons dont on a pu parler plusieurs fois, il y a eu des soucis avec Penny Hardaway notamment, et donc il n'a pas pu faire de saison complète avec les Tigers, c'est ça. Par contre, le potentiel est dingue. Le joueur peut-être le plus ouf athlétiquement de toute cette draft, même s'il y a des débats évidemment avec d'autres, envergure, mobilité, on l'a comparé à plein de joueurs. C'est un goéland le type. On a dit qu'il y avait du DeAndre Jordan, du Hassan Whiteside, Simon, Alex, et évidemment les gens du chat qui sont avec nous. Meilleure situation possible pour un joueur comme Wiseman, tu rentres dans une franchise où on va pouvoir te former à fond. Oh, c'est magnifique, je veux dire, s'il est le joueur qu'on pense qu'il est, c'est-à-dire un rim runner à minima, un rim runner à long bras, rapide, mobile, capable de choper des lobes en attaque, de prendre du rebond offensif et en défense, de protéger le cercle et de prendre du rebond, la paire qu'il peut représenter avec Draymond Green, franchement, il y a de quoi faire flipper pas mal de gens dans la ligue. Tout à fait. C'est une raquette qui peut switcher. C'est une raquette qui va être complémentaire. Pour peu que Draymond Green lui donne un peu, comme je disais, comme on en parlait à l'instant, Draymond Green, un peu de son vice, bien sûr. Un peu de son côté, sa toughness, hein, bien le sûr. Poumon et les couilles, quoi. Non, spot idéal pour James Wiseman. Toi, Simon, spot pareil. Idéal. Content. Ouais, content. Bah, un peu déçu que les Warriors aient pas tradé, à moins qu'on ait encore des surprises. Enfin, en tout cas, je sais pas. Donc, si c'est Wiseman, c'est pour eux, ils se le gardent. Il est ému, le garçon. Il est ému. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, bien sûr. Ouais. Quel parcours. Non, après, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est que c'est peut-être la mort du death line-up des Warriors, tu vois, parce que là, tu reconfirmes ton équipe un poil différemment avec un monstre dans la raquette. Alors, donc, tu t'organises différemment. Possible. Tout à fait. Possible, c'est sûr et certain. Tout à fait. Par contre, du death line-up. Disons que c'était objectivement le meilleur 5 des Warriors, ce sera peut-être plus le cas. Alors, meilleur 5 maintenant, il y a sans doute Wiseman dedans. Maintenant, par rapport à ça, c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que je, évidemment, par rapport à ce pic, je donne juste mon avis dessus, c'est le fait notamment que je pense qu'on a un tout petit peu trop labellisé Wiseman rim runner, parce que c'est la NBA actuelle, c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de pivots, il y en a certains, hein, à la Jokic, à la Embiid, qui sont capables de contribuer. Par contre, je pense vraiment qu'on a tendance à sous-estimer un petit peu le potentiel de Wiseman. On lui a mis un petit peu trop, je pense, un espèce de plafond, alors que je pense que dans certaines drafts, pour moi, ce serait peut-être le consensus numéro 1. C'est possible, t'as raison. Personnellement, je pense. Et surtout, il y a un élément dont j'avais parlé dans le Daily Draft. Moi, je parlais du plancher, en fait. Bien sûr. Dans le Daily Draft Recap d'hier, j'en parlais, notamment les Warriors, avant la news autour de Klay Thompson, ça parlait d'essayer de trouver une potentielle arme capable de tenir le choc physique avec Anthony Davis. On le sait, à Golden State, ça fait des années qu'ils aimeraient bien avoir un bon intérieur. Ils ont eu du McGee, du Andrew Bogut, mais ça n'a jamais été une franchise avec des très grands pivots. Non. C'est peut-être la première fois qu'ils ont un pivot vraiment, vraiment avec très un fort. Un gros potentiel. C'est ça. Des deux côtés du terrain, effectivement, t'as raison d'en parler. Non, mais c'est clair. Très, très, très intéressant. Pour moi, James Wiseman est à l'endroit où il faut. Pour moi, il est quelque part où, tu vois, si vraiment il a le potentiel technique que tu prêtes, Bastien. Oui. Et qui peut attaquer. Mais voilà les espaces. Non, mais c'est un malade. T'as Stephen Curry, t'as des shooters. Il va avoir des espaces. Donc, s'il a vraiment le potentiel offensif dont on parle, il aura l'espace pour l'exploiter et pour l'exprimer. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Non, franchement, grosse excitation. Si ça se trouve, on vient de voir la pièce qui fait que les Warriors repartent sur de la domination. C'est ça. Ça se trouve. Puis, Simon, t'allais dire il va devenir flippant s'il reste aux Warriors et que c'est eux qui le développent. C'est un espèce de... Physiquement, il rappelle vachement ce qu'était Hassan Whiteside au moment de sa draft ou des gabarits comme ça. C'est DeAndre Jordan et Hassan Whiteside, totalement. À peu près à âge, si tu compares à l'âge. Quand tu vois son agilité, son toucher sur quelques gestes, des petits hooks par-ci par-là et tout, il y a déjà un basketteur. Il y a un athlète, évidemment, mais il y a déjà un basketteur. Bien sûr. Les Warriors, ils vont te polir ça. L'autre va commencer à s'entraîner avec les meilleurs shooters du monde, avec un sérieux et tout. Il va... Si, pour le peu que ce soit une éponge, ça va devenir très vite très monstrueux, Wiseman aux Warriors. C'est clair. Je mets juste la fléchette. Regarde, Simon, elle est magnifique. Tu as pu la dépasser toi-même avec les doigts. Maintenant, on est chez les Hornets. Ils sont là. Exactement. Les Hornets vont être on the clock. Juste un dernier élément, évidemment, qu'on partage, puisqu'on parlait là de James Wiseman aux Warriors. Cela ne veut pas dire forcément que James Wiseman restera aux Warriors. On a les Hornets on the clock. La Melo Ball. Okay. Et donc pour le moment, la mock draft est totalement respectée. On a
Monsieur Anthony Edwards en 1. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est pas la mock draft officielle. Bah, ça dépend. Des fois, c'est la même. Ça dépend des gens. Ça dépend comment ça les arrange. Tout à fait. La Melo Ball part à Charlotte. Parlons-en tout de suite. Ça y est, gros coup de hype chez les Hornets. Michael Jordan avait pas mal leaké là-dessus des informations ces derniers jours, messieurs, sur le fait qu'il était très fan de son potentiel, du fait de pouvoir lui filer les clés du camion. On a Jordan Brand, c'est parti. On va se mettre la Melo Ball dans la popoche tout de suite. C'est beaucoup de gens vont suivre les Hornets et ça, c'est pas mal. Ah, c'est dingue. Visiblement, le management des Hornets est vraiment très conquis par ce joueur. Ils vont lui filer les clés du camion. De toute façon, que ce soit Devonte Graham ou Terry Rozier, ils peuvent en faire sortir un du banc sans aucun problème. Maintenant, on va les surveiller parce que ça fait pas forcément les affaires d'autres équipes. Non, c'est notamment sûr. Les Rockets qui comptaient peut-être sur les Hornets pour récupérer Russell Westbrook, par exemple. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que tu prends plus Russell Westbrook? Quand même, je pense, non. Autre chose, ça résout pas tellement les problèmes de front court, par contre, de nos amis les Hornets. Non, ça c'est sûr, ils vont plutôt être sur la free agency à part. Donc là, il va falloir, ça c'est clair, ils vont pas pouvoir démarrer la saison avec le front court qu'ils ont là. Oui. Donc du coup, équipe à suivre, mais équipe qui vient pour moi de se prendre une star. Je l'avais mis comme mon joueur le plus excitant. Je vais regarder les Hornets dès le 22 décembre prochain. Pareil, juste Simon, en te laissant donner évidemment ton avis, est-ce qu'on peut dire que c'est la mort des rumeurs de Russell Westbrook à Charlotte? Attention. On peut commencer à s'approcher de l'affirmer parce que ça, il y a des tweets qui sont passés dans ce sens-là, qu'en gros que si Ball tombait dans les filets des Hornets, les transactions, ils arrêteraient les trucs avec les transactions en cours, enfin en tout cas les discussions, on va dire plutôt, avec Houston pour Westbrook. Donc ouais, sans doute. Moi j'aime bien le choix de LaMelo parce que j'aime bien l'idée derrière. J'aurais dans l'absolu préféré Wiseman, je pense, aux Hornets pour apporter tout de suite l'impact là où ils sont le plus faibles. Mais LaMelo est peut-être le prospect. Si tu raisonnes dans le terme de rendre ses coéquipiers meilleurs, LaMelo a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose quand même. Attention. Je vais évidemment devoir le baisser un tout petit peu parce que je sais que sur le son c'est très fort. Nous avons des discussions actuellement entre les Wolves et OKC. Les Wolves sont en train de discuter pour transférer le pick 17 à OKC pour Ricky Rubio et les picks 25 et 28. Ricky Rubio qui reviendrait à Minnesota? Ah ouais? Dis donc. C'est pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Je vais vous le mettre, évidemment, le petit tweet pour qu'on puisse en et discuter. Attends, et après, redis-moi là. Ricky Rubio plus le... Non. Les Timberwolves sont en train de discuter un transfert avec leur pick 17 pour OKC contre Ricky Rubio et les picks 25 et 28. Comme ça permettait à OKC de monter à la draft. Ils auraient... Oui, ça fait monter OKC, mais ça veut dire que les Wolves, ils auraient LaMelo Ball, Anthony Edwards et Ricky Rubio dans le backcourt. Non, pas LaMelo Ball, Dilo. Mais Dilo. Non, c'est pardon, tout à fait. Ouais, Dilo. D'Angelo Russell, Dilo. Anthony Edwards, Ricky Rubio. C'est une belle rotation à 3. Tout à fait. Simon, je t'avais coupé en plein milieu de ton explication. Vas-y, reprends, je t'en prie. Ouais. Je rebondis déjà sur ce que disait Alex. Tu peux même imaginer qu'Edwards, dans certains match-up, joue 3. Tout à fait. La carrure qu'il a. Donc, tu peux même avoir le 3 en même temps sur le terrain. Et puis évidemment ta rotation là à l'arrière elle est super et un backcourt Dilo Rubio franchement c'est pas mal Gerson Rosas, c'est sexy, moi je trouve ça sexy, en plus c'est quand même deux joueurs on va le dire, mais tu vois l'esthétisme et tout de leur jeu c'est, je trouve ça pas mal du tout dans l'idée en tout cas d'associer Rubio à Dilo et tu vois bonne transition, je parlais de rendre les autres meilleurs, je retourne sur LaMelo Ball parce que Rubio je considère fait partie de cette catégorie, tu l'as bien vu toi Phoenix, le mec qui rend ses coéquipiers meilleurs. Charlotte a quand même un déficit, sans vouloir être méchant, j'ai pas cité par exemple les G. Washington tout à l'heure, que j'aime bien en plus, mais a un manque certain de joueurs qui font la diff. Donc si maintenant t'as quelqu'un qui sait faire jouer ses coéquipiers et les valoriser, c'est le meilleur truc possible pour les Hornets, parce que c'est pas demain qu'à la free agency ils vont attirer tout le monde ou que les gens vont se battre pour jouer aux Hornets. Donc valoriser ce que t'as déjà et le rendre de médiocre, moyen à d'un coup passable, voire encourageant, parce que t'as quelqu'un comme ça qui valorise ses coéquipiers, donc qui met des Devonte Graham dans les bonnes positions, etc., etc., qui comprend comment Miles Bridges, ça marche, qui comprend quand servir PJ Washington, c'est super. Ah, c'est super, je suis d'accord. C'est hyper excitant. C'est hyper excitant. C'est un vrai meneur de jeu. C'est un vrai meneur de jeu. Ouais. Bien sûr. Du coup, c'est acté, hein. En 17, je vais peut-être changer le tableau, moi.
Ah bah tu peux. Alors non, c'est pas acté. Non, je mettais breaking news parce que c'est quand même une grosse news et c'est un insider de Minnesota. J'attends on attend peu, que ce soit officiel, ouais, tout à fait. Un peu. Mais c'était juste l'occasion de vous partager ça. Peut-être d'ailleurs tu peux montrer le top 3. Là, je trouve que l'incertitude commence là, moi, je trouve, à partir du pick 4. Et bah, c'est exactement ce dont on discutait. Ah bah j'avais dit que c'était à partir de là. Tiens, justement, ils sont en deux. Tiens, les Bulls. Ouais, c'est là que ça. Oh là 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 là, Patrick Williams. Oh, Patrick Williams qui débarque, on en parlait. Est-ce qu'il seulement il a une casquette des Bulls là? Parce qu'à mon avis, il n'avait pas prévu une casquette des Bulls, lui. On en parlait, c'est ouf. Bah Patrick Williams qui est monté jusqu'en 4. On en parlait juste avant que la draft Et il démarre. Est devant Okoro. Il est devant Isaac Okoro. Il est devant Denis Avdija. Il est devant Obi Toppin. Haliburton. Il est devant tout le monde. C'est Patrick le premier ailier. C'est le premier ailier pur drafté. Ça, personne l'avait. Franchement, non, dans tous les ça, boards, ouais, je suis d'accord. Premier ailier drafté là. C'est ta pépite, Simon. Tu en avais parlé, je vais te filer le dance floor. Juste avant ça, je vais rappeler juste le tableau récapitulatif. Je vous le montre avant qu'on en discute, messieurs. Je vais te le rajouter, bouge pas, je vais te le rajouter en live, moi. En live, il y a Alex qui va nous ajouter notre petit Pat Williams qui est juste ici. Normalement, vous le voyez, Anthony Edwards en 1 chez les Wolves, James Wiseman en 2 chez les Warriors, LaMelo Ball en 3 chez Hornets et donc Patrick Williams en 4 chez les Bulls. Simon, c'est ta pépite. C'est fou quand même de voir les Bulls. On en parlait, c'était le premier pick de Arthur Ascaris Sovas. C'était le gars de Simon. Ouais, c'est ça. C'est Ascaris Sovas qui fait son premier pick. T'es content? Je ne m'attendais pas à ce qu'il monte quand même aussi haut. Tu vois, 4, là, c'est très surprenant. Patrick Williams, je le trouve spécial. Okoro est peut-être, je ne sais pas, c'est bizarre. Okoro était peut-être plus safe comme pick, si tu réfléchis en termes de profil, si tu compares les joueurs. Mais moi, Patrick Williams, je te l'ai dit, dès que je l'ai vu, je trouve qu'il a un truc spécial. Il y a quelque chose dans l'idée du développement que tu peux faire autour de ce joueur et entre le gabarit, etc. Franchement, je peux comprendre qu'on reach un peu Patrick Williams parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est spécial. Ah, bien sûr, c'est hyper intriguant. Dans la NBA, vu comment c'est important pour aller vite, en gros, mais toutes les grosses équipes sont organisées autour de joueurs à l'aile. Il n'y a quasiment personne qui est un contender sérieux sans être blindé à l'aile. Bien sûr. Patrick Williams a quelque chose de cette modernité, de ce qu'on demande à un ailier dans le basket, quoi, tu vois. Tout à fait, c'est un peu le turfu et on surveillera justement tout ce développement. Alex, tu en parlais juste avant qu'on démarre, notamment la draft à 2h du matin, le fait que c'était le genre de joueur qui doit tomber dans un bon environnement pour bien se développer. Billy Donovan, les Bulls. Du jeune à développer. Middle. Ça peut être environnement haut, que je qualifierais c'est haut, de middle. C'est très très haut par rapport aux projections qui étaient faites, mais oui, il y a du jeune qui se développe bien quand même. Oui, tout à fait, mais c'est une équipe de jeunes. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas une équipe, il n'arrive pas dans une équipe où ils savent déjà jouer au basket. Je ne dis pas que les mecs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Que les Bulls ne savent pas jouer au basket. Collectivement, les Bulls sont une des équipes qui m'ont beaucoup c'est déçu la saison c'est dernière. Pas jouer aux Bulls. Donc là, ils viennent de changer de coach. Il va peut-être y avoir d'autres mouvements, il y a un nouveau GM et tout, il va se passer pas mal de choses, donc c'est un environnement que je qualifierais de middle, c'est-à-dire que c'est pas idéal, mais c'est pas non plus mauvais, quoi. Ouais. À lui d'être bon et à lui de nous montrer qu'il mérite ce pick 4. Ce pick 4 parce que c'est très très haut en effet. On voit que les Cavs sont on the clock, on aura évidemment tout ce débat autour de Denis Avdija et Obi Toppin, on le sait et on en avait parlé depuis longtemps. Donc, que Cavs si Denis Avdija Cavs et Fer, il est ensemble. Ah là de toute façon c'est simple, Denis Avdija est disponible, s'ils prennent Obi Toppin, c'est vraiment une dinguerie. Là pour le coup, normalement Avdija devrait tomber. Est-ce que les Cavs peuvent les Cavs surprendre de ouf là? Alors juste messieurs, avant de partir là-dessus, quand même un élément. On avait Otto Porter qui avait pris sa player option. On le sait que justement, il y aura des discussions sur le côté ailier. Il peut se retrouver dans front court. Il peut être transféré. Patrick Williams, le mieux du mieux, c'est vraiment le fait qu'il puisse voir Otto Porter partir. Tout à fait. Dans un trade. Mais tu vois, là, on retombe sur ce que moi, je m'étais dit en première intuition de board et tout, que Patrick Williams tombe aussi haut. Ça me surprend et en même temps... C'est paradoxal parce que ça retombe avec ce truc où je me disais, moi, le premier ailier, c'est lui au Okoro, avant Avdija, pour comment ça se joue en NBA pour l'instant, tu vois. Et les Bulls, je suis quand même surpris qu'ils soient piqués aussi haut, mais en même temps. Je croyais que ça aurait été Okoro du coup, mais. Ouais, tu vois, c'est lui. Je le trouve un peu plus ready, quoi. Mais alors, si pas ça se trouve, c'est ça... plus fort, mais. Pardon, on a si les ça se trouve. Justement, The Clock. Dis-moi si ça se trouve, tout ça et mon orgueil avec va tomber à l'eau parce qu'il va avoir un trade et ils l'ont pris pour quelqu'un d'autre. Hein, tu vois, aussi. Peut-être, possible. Faut pas oublier ça. Hein. On serait déjà au courant, non? Bah, tu sais, c'est peut en avoir après. Hein. Non. Il peut y avoir des late trades. Ouais, quand l'autre équipe, tu peux être au courant quand l'autre équipe concernée draft. Parce que du coup, les deux ont été draftés et là, t'es mis au courant. C'est ça.
On vous remonte juste le tableau récap pour ceux qui n'ont pas encore vu, évidemment. Nous avons Anthony Edwards qui a été choisi en 1 par les Wolves. Nous avons James Wiseman qui atterrit pour le moment à Golden State. La casquette des Hornets, elle est sur la tête de la Melo Ball. Patrick Williams qui est en 4. Le gros reach pour le moment, il est dans l'Illinois. On va voir comment est-ce que les dominos tombent au fur et à mesure. Justement, on va voir les Cavs maintenant on the clock. On le sait, du côté de Cleveland, on a ce backcourt qui est prêt avec Colin Sexton et Darius Garland. Bah, on a André Drummond. Avdija. Alors, André Drummond qui est, André Drummond en tout cas qui est en poste 5 et qui a pris sa player option. Ouais. Il faudra voir ce qui va se passer avec Kevin Love sur le marché des transferts. Non, mais parce ils prennent en 3 normalement. Normalement, ils prennent un 3-4. Ils prennent un forward normalement. Donc ils peuvent prendre Avdija, comme on l'a tous dit là, dans nos mock drafts. Obi Toppin. Ils peuvent prendre Obi Toppin. Est-ce que, Okoro, à l'image des Bulls, ils peuvent aller Rich Okoro? Oh, c'est pas trop un Rich. Dans beaucoup de mock drafts, il est pas si souvent que ça dans le top 5 quand même, l'ami Okoro. Oui, non, c'est ça, il a été. Mais moi j'adorerais pour Okoro de le voir au CAF parce qu'il est vraiment dans un chantier. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait être tellement fort dans une équipe déjà forte. Mais bon, pour les Cavs. Un profil de 3 comme ça à côté des deux arrières qui sont quand même pas des foudres de guerre en défense, hein. Colin Sexton et Darius Garland en défense, non, c'est sûr. C'est sûr. Pas rêver les mecs, hein. La priorité qui a été mentionnée en tout cas par Coby Altman et JB Bickerstaff, c'était justement d'essayer de renforcer l'aspect défensif. Cleveland qui était un des plus gros trous en fait à pouvoir encaisser de toute la... Oui, ah Simon bah, Non, bah s'ils ont dit ça, c'est... Ouais, ok. Ils ont parlé de ça. Après, on le sait aussi que tout ce qui est dit en début de saison, hein, tout le monde dit il faut jouer dur, il faut défendre, et puis on espère aller en play-off. Hein, c'est souvent le bullshit qui est dit en termes de publication et de communication. Mais il n'empêche qu'à Cleveland, on a envie d'avoir une espèce de traction potentiellement intéressante sur les ailes, parce que c'est peut-être leur poste le plus faible. Hein, je veux dire, disrespect envers Cedi Osman. C'est pas peut-être, c'est sûr. On adore Cedi Osman, mais c'est pas le joueur avec le plus de talent, en tout cas sur le poste. Juste, je pose la question par rapport à évidemment cette décision qui va venir. Kevin Love, on en parlait en décembre dernier, ça fait quasiment un an hein, qu'on avait eu les rumeurs de transfert. Est-ce que Kevin Love sera encore là toute la saison à Cleveland, ou est-ce qu'on peut voir son nom réapparaître dans les rumeurs de transfert sur les prochaines semaines, Simon? Ah non, moi, je pense qu'il bouge là. Le Cleveland va vraiment, enfin en tout cas ils vont essayer. Parce que là, tu as suffisamment de jeunes maintenant pour que la page soit vraiment tournée. Tu les as cités, quoi, mais Garland, etc., celui qui va être drafté là et tout, je pense que Drummond comme Love, au moment où les Cavs sentent que c'est bon, ça suffit, et puis que l'offre de trade est satisfaisante et qu'eux sont contents, je pense que c'est bazardé, quoi. À Kevin Love, le problème, c'est qu'il a encore 3 saisons à plus de 30 millions, enfin presque plus de... Enfin, en gros, il en a encore pour 90 millions sur 3 ans. Il y a encore 3 saisons ? Jusqu'en 2022-23, mec, hein. 20-21, 21-22 et 22-23, je l'ai sous les yeux là. Pendant que vous discutiez, je suis allé m'ouvrir le site. Je suis allé m'ouvrir un petit Basketball Insider là pour voir les contrats pour être sûr. Mais c'est bien ça, les gars, je confirme. Hein, saison prochaine, 31 millions. Saison d'après, 31 millions. Je peux modifier, je peux nuancer légèrement ma réponse du coup. Vas-y, nuance. Bah, regardez combien de temps alors. Qui va vouloir de Love encore 3 saisons à 30 millions? Cleveland va peut-être quand même l'avoir encore en fin de saison, parce qu'il va falloir trouver un partenaire là. Non, c'est trop compliqué. Surtout avec parler de temps qui court financièrement, les gars. Non, c'est compliqué. C'est quand même pas la fête. Hein. On a les Cavs qui sont on the clock. La reconstruction, elle est claire. Le titre de 2016, on a l'impression que c'était il y a 10 ans. C'est parti, Adam Silver, il est là. Oh. Bah. Eh bien, Isaac Okoro. Ça y est, il y a un ailier officiel sur les ailes de Cleveland. La défense de Cleveland vient de bien être boostée. On le savait, on avait une relation notamment entre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Colin Sexton ou Darius Garland qui connaît très très bien Isaac Okoro. Ils avaient cette hésitation autour de Denis Avdija ou Obi Toppin ou justement Isaac Okoro. Ça y est, on a un poste 3 à Cleveland, c'est sûr et certain. Quel bon choix. C'est très bien. Ah ouais, moi je trouve ça super. Quel bon choix des Cavs. Très bon choix. Moi je préfère ça à Avdija ou Obi Toppin. Ah mais moi je suis très clair pareil. Je préfère pour Cleveland. Ah bien sûr. Vraiment. Gros soulagement chez Cavs. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais. On avait parlé de tout ce potentiel, juste on en parlait tout à l'heure messieurs, de ce potentiel offensif à voir. Pour le moment, ce qui est assez agréable pour lui en termes d'environnement dans lequel il arrive, c'est qu'on va avoir un joueur à qui on ne demandera pas une production offensive énorme. On a déjà Darius Garland et Colin Sexton qui sont attendus, eux, non, dans la production et dans les points. Tout de suite, on va te demander de hustle, apporter ta défense et essayer de progresser. Ah, je l'adore. J'adore Okoro. J'espère pour lui
quand même que c'est pas trop un guépier Cleveland qui est en complète reconstruction avec sûrement des joueurs qui vont bouger et tout, parce que c'est quand même un joueur, il m'a l'air costaud hein, mentalement, psychologiquement et oui. tout, mais j'adorerais quand même le voir s'épanouir dans un collectif qui gagne, ce qui à Cleveland est pas trop le projet dès la saison prochaine quand même. Donc bon, c'est comme ça, mais par contre pour Cleveland, superbe choix. C'est nickel. Superbe c'est nickel. Choix, vraiment c'est mieux que ce qu'on prévoyait quoi. Je suis content de les voir faire ce choix. Simon ? Bah non, mais une fois de plus comme quoi faut arrêter, je vais dire c'est faut comme arrêter les mock drafts. Hein. Ouais, c'est des smoke screens, les mecs ils s'amusent avec nous quoi. Les mecs ils envoient des j'ai adoré lui parce qu'en fait je vais prendre l'autre, tu vois. Ah ben bah, bien sûr, c'est... là pour le coup Kobe Altman vraiment il nous a vraiment bluffé parce que tout à fait comme tu le disais, ça a parlé de Avdija en duel avec Obi Toppin depuis des semaines. Depuis et là où on se fait avoir, c'est il te cache même l'évidence parce qu'on est tous les trois d'accord, c'est le meilleur choix en fait. Mm-hmm. Sur les profils ouais. et vu ce qu'ils ont, c'est le meilleur choix. Au niveau talent, ça se vaut, donc le fit il est voilà, donc du coup, c'est le meilleur choix, le fit est plus bien immédiatement sûr. Favorable à Cleveland. Au niveau du talent, je pense pas qu'il en ait moins que Toppin ou Avdija, tu vois. Donc Non, c'est clair. Et en fait, on se fait avoir par des stratégies de brouiller les pistes et tout. Donc, les mock drafts, bah, c'est super, hein, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué avec la quantité d'informations qui est envoyée elle-même par les franchises. Et après, non, Alex, tu l'as dit, moi je trouve ça super pour lui parce que, en plus, le public de Cleveland, la fanbase, pardon, parce que le public en ce moment, c'est autre chose. Ouais, c'est un public, quoi, mais c'est dur, la Cleveland, et je trouve qu'un joueur comme Okoro, il va amener de l'énergie, il va amener du peps, il va amener de l'envie. Non, ça, c'est clair. Et là, on s'en fout du basket, tu vois, mais juste l'attitude de tes joueurs et tout, ça va être le chouchou du public à la fin de la première semaine. Ouais, il va être un petit peu la darling tout à fait des Cavs. Évidemment, Okoro qui rentre tout de suite dans la discussion hein, de comment ça se passe au niveau des ailiers chez les Cavs. Les derniers qui ont essayé de prendre la suite d'un certain numéro 23, on le sait, il y a un gros fardeau. On lui espère évidemment la meilleure carrière, Isaac Okoro. À Cleveland, Kobe Altman en tout cas il a été très clair saison après saison. On est parti sur Colin Sexton, on a ensuite enchaîné avec Darius Garland et Kevin Porter Jr. notamment, là cette fois Isaac Okoro. La base jeunesse sur les postes 1, 2, 3 en tout cas à Cleveland, elle est actée, on va construire autour de ça. Oui Simon ? Exactement. Non mais oui, en plus je trouve que ça cimente leur choix de draft précédent, récent. Oui c'est bien. Tu t'es refait vraiment ta ligne extérieure et t'as tes vétérans, Love, et Drummond, Larinen, c'est tout, mais tu t'es refait comme ça petit à petit ta ligne extérieure. Ah non, mais et ils cimentent dans le sens où c'est vraiment les points faibles du backcourt de Cleveland qui sont compensés un peu par le profil de Okoro, quoi. C'est ça. Nous avons donc les Hawks on the clock, ça y est, un des trois membres de ce live passe on the clock. Alors habituellement, on était dans le top 5, on avait même fait une draft où il y avait toi, moi et Simon. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Moi, je vous préviens, la saison prochaine, je suis même pas là pour la loterie. Il est même pas là pour le live, Alex. Moi j'arrive à 3h15 du mat. Hein, c'est ça. Par pour contre, le pic 18. Par contre, toi, Simon, tu fais l'intro. La saison prochaine, je pense que tu non, fais l'intro. Non, parce qu'on va réussir à faire un trade où on va lâcher notre pic d'une QV qui a annoncé. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr. Bien, ça. On va draft pas. L'an prochain, on draft pas. Les Hawks, en tout cas, sont en désabusé. Attention au choix des Hawks, évidemment, parce qu'on l'a dit, il y a eu des smokescreens de la part de Travis Schlenk. Il y avait du débat entre du Tyrese Haliburton, du Onyeka Okongwu, il y a Obi Toppin et Denis Avdija maintenant qui sont disponibles. Du coup, on est-ce va que voir... vous prendriez un Avdija, vous ? On va voir justement jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr et certain, c'est que... Non, c'est pas ce que vous cherchez. Attention, en tout cas, par rapport à un élément dont vous parliez tout à l'heure, messieurs, attention, certains picks peuvent être réalisés et ensuite, on voit s'ils sont transférés. Pas sûr, à voir. En tout cas, à Atlanta... La dynamique, elle a été assez claire. Alors que là, on voit justement Adam Silver qui est là. Atlanta. Il faut essayer d'avoir les playoffs l'an prochain. C'est parti, Atlanta. Ah oui, c'est les playoffs, vous jouez, vous ouais. Sans déconner. Eh, ils sont à l'Est. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, ils sont à l'Est. Onyeka Okongwu, du côté d'Atlanta. C'est parti. Donc, nous, clairement, à Atlanta, pour le moment, en attendant de voir ce qui se passe au niveau du maintien de ce garçon. Onyeka Okongwu. Oui. D'accord. On en avait parlé justement pendant la mock, je crois. Ouais, du fait que vous vouliez pas le prendre. Ah mais si, je t'ai dit qu'il y avait du Tyrese Haliburton, Onyeka Okongwu ou Kiyanis qui étaient en débat et si Avdija y chutait, c'était possible de le prendre. La vraie interrogation, c'est évidemment sur la blessure qu'il vient d'avoir. Moi personnellement, je suis très content par rapport au potentiel de ce garçon. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est wesh, au niveau du fit, on a déjà Clint Capela et John Collins qui sont là, donc c'est pas si évident que ça au niveau du temps de jeu. Mais par contre, moi, j'adore le joueur. J'adore le joueur. Ça va, il peut tourner. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est une rotation intérieure. C'est juste un choix. C'est juste un choix qui me surprend. Mais c'est une rotation intérieure. S'il est comme on croit qu'il est, derrière Capela ou derrière John Collins, c'est très content d'avoir ce genre de mec. Hein. Moi, je suis bien content. Moi, ça, je trouve ça vraiment pas inintéressant de la part des Hawks. Juste, on avait identifié un besoin, entre guillemets, des Hawks, qui était de la rotation à la création derrière Trae Young. Ouais. Là,
au Congo, pour le coup, ça ne répond pas trop non, à ce besoin. Non, c'est clair. Ah bah, ça va être un peu compliqué. D'accord. Ou alors, il nous devient un Bam Adebayo au bout de quelques mois, mais ça va être un peu compliqué. Et chose intéressante, Simon, Patrick Williams, Isaac Okoro, Onyeka Okongwu, sélectionné avant Denis Avidia. Ah là, ça glisse, hein. Voilà, là, tu sais que ça. D'ailleurs, justement, tu sais que la pente, elle est comme un sang. Tout à fait. Pendant que Simon parle, je vais pouvoir montrer le gros tableau. Attends, Simon. Vas-y. Moi, je trouve que c'est un choix très intelligent pour Atlanta parce que j'ai l'impression qu'il y a un plan avec ce truc. Ah, je suis refait. Il est blessé. T'as pas besoin de lui tout de suite parce que t'as déjà fait deux intérieurs. Ouais. Quand il revient, bah en fait, s'il est vraiment bon et qu'il s'adapte vite, ça te rend Capella, je pense, en premier transférable. On sait que par exemple, Danny Ainge pour Capella, il court. Ouais. S'il a toujours pas eu son pivot à ce moment-là, il court. Bah, c'est très malin parce que moi j'aime beaucoup Okegwu, ce qu'il peut apporter à son équipe contre Atlanta parce que il me rappelle un mec comme Emeka Okafor mais plus explosif. Ah bah ouais, et puis offensivement c'est un autre bestiau. Ouais. Ouais, après Okafor il a déçu de ce point de vue-là, mais il est quand même piqué 2 à l'époque et il était vu comme un joueur défensif. Mais moi j'aime bien ce côté, voilà, t'as tout de suite un mec dans la raquette qui communique en défense, qui comprend ce qui se passe, comprend ce que fait une équipe. Un peu plus donc s'il le faut. Ah non, moi je trouve que sa qualité elle est vraiment là. C'est-à-dire que c'est ce genre de joueur, j'ai l'impression de ce que j'ai vu de lui, tu le vois, il voit une fois ce que fait l'attaque adverse, il dit ok, cette fois c'est passé, par contre la même attaque ne marche pas deux fois contre un chevalier, tu vois. Et la deuxième fois, il sait comment défendre un truc. Il a l'air vraiment intelligent défensivement. Ouais, non, je disais sceptique, pas sur le joueur, hein. Je pense qu'il est très bon. Plutôt sur le choix des Hawks, par rapport, entre guillemets, on est déjà au pick 6. Il y a beaucoup de combo gardes dans cette draft. J'aurais trouvé plus pertinent de voir les Hawks repartir de cette draft avec un combo guard. Tu vas me dire, Bastien, c'est peut-être pas terminé. Alors, c'est pas terminé. Déjà, probablement, c'est pas commencer. Terminé. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, tu peux y aller à la free agency. J'avais mis Terry Haliburton. C'est vraiment un besoin important des Hawks, je pense. Alors, c'est sûr et certain. Il y a eu des rumeurs autour de Rajon Rondo, d'autres joueurs autour de la free agency parce que les Hawks ont beaucoup de place dans le cap space. Donc, j'ai hâte de voir. Par contre, élément très important, et c'est là-dessus que je remercie Travis Schlenk, le général manager Atlanta, en termes de player development, Lloyd Pierce. Bien il sûr. A pris Trae Young, il en a fait un 13-10, un 30-10 au bout de deux saisons. John Collins est devenu un 20-10. On a vu les progrès qu'il allait avoir avec Kevin Werther, avec Cam Reddish. S'il peut prendre justement un joueur comme Onyeka Okongwu et essayer à la fin peut-être du deal de Clint Capella, t'en parlais Simon, ou de voir ce qui se passe aussi avec la prolongation de John Collins, où il y a aussi des interrogations, non, tout à fait. D'essayer de maximiser le potentiel de ce garçon, je suis hyper fan. Dans la NBA moderne, il fallait de la défense, tu parlais de playmaking, mais alors de la défense. Il rentre demain matin, c'est un des meilleurs défenseurs d'Atlanta. Ah bah c'est le tout de suite. Ah bah ouais, en tout cas avec DeAndre Hunter, qui défend. Avec DeAndre Hunter, ouais. Moi je suis très d'accord. Messieurs, on va enchaîner parce qu'on a les Pistons. Sinon je pourrais parler pendant des heures d'Atlanta. Détroit. Est-ce que Killian Hayes va être pris avant Denis Avidia? Avant ça, pendant que tu poses la question Alex, je remonte le tableau. Récap, je le remonte juste. On a Anthony Edwards qui est en 1. On a James Wiseman qui est en 2 chez les Warriors. On a LaMelo Ball qui a été pris par les Hornets. Patrick Williams en 4, c'est la grosse surprise chez les Bulls, alors qu'on a l'annonce tout de suite qui arrive. Nom de Dieu. À Détroit. Ah bah voilà. Le français le plus haut drafté de l'histoire. Killian Hayes. Le Frenchie, avec papa, avec Deron. Avec Deron, t'as vu Deron? Regarde, il y a Deron à l'image. Tu sais que Deron, Simon, je l'ai vu jouer, moi, à Cholet Basket. Yes. En direct. On est filmé, Alex, tu devrais... Enfin, laisse tomber, quoi. Ah fais putain, pas peur trop aux gens, content pour fais pas peur aux gens. L'image n'est pas en noir et blanc, rassurez tout le monde. Ah non, mais trop content pour Kianis. Parlons-en juste rapidement. Kianis, ouais, c'est pour trader avec les Suns, ça non? Non. Je crois que c'est pour trader avec les Suns. Deux secondes, juste sur les infos sur Kianis. Je vais envoyer la Vosges bombe. On savait qu'on en parlait juste avant la draft, qu'il y avait des sélections possibles du côté des trois avec du Tyrese Haliburton. Maintenant qu'on a donc Denis Avdija qui est en train de chuter, Obi Toppin, Tyrese Haliburton. Du côté de Détroit, ça y est, on va avoir Derrick Rose et donc Killian Hayes qui va être là. C'est vraiment chouette pour le français et on a cette connexion, Killian Hayes, Sekou Doumbouya. Ça y est, on l'a, on en parlait en pré-draft. Désolé pour les Suns, ça va à Détroit. Ah, oui, je suis content. Non, mais il y a plein de combo gardes dans cette draft. Je suis très content pour Killian Hayes par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Les clés du camion, Détroit est vraisemblablement parti pour lui faire confiance. Il y a son pote Sekou. French Connection à Détroit, dans une équipe qui est en ruine et qui a besoin de se reconstruire. C'est un challenge hyper intéressant. À voir comment ça va coller avec Dwayne Casey, qui est un coach expérimenté, mais qui peut être spécial parfois avec les jeunes joueurs. Donc, il faudra voir ça.
Mais non, et puis dis donc, drafté en 7, hein, c'est pas n'importe quoi quand même. Le plus haut français drafté de l'histoire. Ouais, c'est historique. Ouais. On avait Joachim en 9, on avait Franck Nikina en 8, c'est ça, et maintenant on a Kyan Hayes en 7. C'est officiel, c'est le français drafté le plus haut de tous les temps. Et comme il l'a dit notamment, une excellente interview qui est tombée cette semaine, il espère vouloir inspirer la prochaine génération de basketteurs français. Ça fait plaisir, dans une franchise historique, d'avoir un meneur comme Kyan Hayes. Plein de bonnes choses. Simon, ton avis, parce qu'on a beaucoup parlé là avec Alex, ton avis sur cette sélection? En plus, c'est un joueur que je trouve, comment dire, il est très intelligent, c'est vraiment un playmaker. Entre qui sait très bien entre la prise de risque, mais en même temps, tu vois, la nécessité que tu dois pour prendre des risques pour créer du jeu, mais en même temps, il est déjà sûr. Il a appris beaucoup, beaucoup d'expérience, je trouve, les quelques fois où j'ai pu le voir jouer, etc. Et tout, il dégage vraiment un truc d'assurance. Tu sens que ton équipe, il a un contrôle sur le jeu et tout, il fait pas de conneries, quoi. C'est pas un mec qui perd tout seul, etc. Ouais. Tout à fait. À Détroit, on va voir parce que c'est un effectif qui est quand même encore. Qui est assez bizarre, on va dire, et qui manque surtout de talent. Donc, il peut être. Le problème, c'est qu'il peut être un peu ciblé. C'est ce qui me gêne un tout petit peu. C'est qu'il y a des matchs où, vu ce qu'il y a autour de lui, tu te dis, en fait, on bloque leur création de jeu, on les bat, quoi. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça va être peut-être un apprentissage, entre guillemets, à la dure, mais c'est le bon côté. Il risque d'avoir du temps de jeu, il risque d'avoir des difficultés tout de suite et tout, quoi. Ça, c'est sûr. Élément important, on parlait du français sélectionné le plus haut de l'histoire, messieurs. Le premier européen drafté de la draft 2020, c'est un français. C'est Kyan Hayes. Ce n'est pas Denis Avdija. Que se passe-t-il avec Denis Avdija? Attention, on l'avait mentionné jusqu'en 2. On a les Knicks qui sont on the clock. On va passer tout de suite parce qu'on aura l'occasion de débriefer par la suite, évidemment, sur cette sélection de Kyan Hayes chez les Pistons. Les Knicks sont en pick 8. On a du Obi Toppin, du Denis Avdija, du Tyrese Haliburton de disponible. Beaucoup de joueurs qui sont en train de slider. Attention, là, chez les Suns, on va avoir un pick bientôt et puis les Wizards qui sont en 9. Côté Knicks, vous iriez sur quoi? Je sais qu'il y a plein de gens qui sont avec nous là maintenant en live qui sont fans de New York. Avdija, toi tu pars sur qui, Simon? Je les vois bien prendre Avdija. Moi je... Ou Obi-Toppin. Ah, Obi-Toppin pour moi, sympa. Obi-Toppin. Bah. Allez. Obi. Je sais pas, ils ont déjà Julius Randle, Bobby Portis, ils ont du monde à ce poste-là. Randle, il va pas faire long feu au Knicks. Peut-être, oui. Peut-être que Portis non plus, d'ailleurs, Simon, t'as raison. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, j'aurais quand même plus ce sentiment qu'un 3 les intéresserait. Après, ça se trouve, ils visaient des Patrick Williams et des Isaiah Okoro et ils viennent de se faire fumer, en fait. Ils viennent de se faire souffler l'herbe sous le pied. Ça couper l'herbe sous le pied couper et souffler l'herbe sous le nez. Voilà, vous m'avez compris. Vous l'avez. Est-ce que Denis Avdija est en train de sortir du top 10? Est-ce que Denis Avdija a fini aux Spurs? À Phoenix. Pas mal, hein. Non, à Phoenix, il est pour toi. À Phoenix, pas mal. Il est pour toi. Zaja Saric, là. C'est bien. Ouais. C'est quoi le rapport entre Saric et Avdija? Il y a eu des compas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est juste parce qu'il le veut aux Spurs. Il va t'inventer des compas. Ouais, trucs. Voilà. Non. Dario et. C'est Dario son demi-frère. Et Avdija, il y a déjà eu de la comparaison. S'il y avait un fan des Pels dans la pièce, il nous ferait. Non, il va descendre jusqu'en 13 aux Pels. Les Knicks, messieurs, sont on the clock. C'est le premier pick. Tiens, il arrive. C'est le premier pick de Leandro Rose. Adam Silver. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Obi-Toppin. Et donc, Obi-Toppin est bien drafté avant. Denis Avdija et Obi-Toppin débarque dès demain du côté de New York pour essayer d'embraser. Pour mettre 20 points par match. Attention, on est sur un des meilleurs scores de cette draft. Ça y est, on a Obi-Toppin qui débarque donc chez les Knicks avec cette reconstruction qu'on voit autour de Tom Thibodeau. L'avenir des Knicks, en tout cas, on est sur du Mitchell Robinson, RJ Barrett, Obi-Toppin. Ouais. Peut-être du Frank Ntilikina quand même là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a du Kevin Knox là-dedans dans cet avenir-là? Comment Tom Thibodeau fait jouer ce genre de joueur? Point très intéressant, complémentarité instantanée entre Mitchell Robinson et Obi-Toppin en termes de raquette. Ça va être hyper excitant. Un qui défend bien et qui n'a pas trop de mains, et l'autre qui a des mains de ouf mais qui ne défend pas trop. Alors les pick and roll RJ Barrett, Obi-Toppin, ça peut être intéressant. Ça peut être hyper intéressant. Tout à fait. Simon, ton avis là-dessus? Moi je trouve Obi-Toppin, c'est un joueur dont on a vu trop les défauts parce qu'effectivement c'est le plus vieux de la draft, je crois, ou quasiment, il a 22 ans. Effectivement en défense c'est un trou. Mais vas-y, en attaque, ok, il a 22 ans, mais tous les mecs de 19 ans vont pas arriver à ce niveau de jeu-là à 22 ans. Non, en attaque, c'est un ouf. Hein. C'est déjà une force intérieure, je trouve, massive. Et même périmètre, hein, il est pas bien dégueu. Ouais. Et en plus, c'est marrant, c'est con, mais moi, il me rappelle vachement Amaré.
Ah bah oui, le côté ouais, physiquement. Et tu vois, au Knicks et tout, c'est dans la MSG, ouais. Ah bah le Madison Square Garden, ils se souviennent encore d'un marais, hein. Bon, ouais. Non, bah voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de public, tu vois, ils auraient rugi un peu, mais... Ah bah ça... Encore une fois, moi, je trouve que c'est un pic qui fait beaucoup de sens. Qui a beaucoup de sens, pardon. Mais pour le moment, tout à fait, c'est très très bien. Alex, j'allais te lancer juste un sujet alors que je mets les Wizards on the clock. On a donc Obi Toppin qui débarque chez Enix. Pour le moment, à moins que je dise une connerie, on n'a pas eu de transfert de pic dans le top 10. Non. Sauf s'il y a des late trades, comme tu disais tout à l'heure, mais nous n'avons pas eu de trade avant... c'est assez intéressant parce que c'est une draft qui était assez incertaine, mais pour l'instant tous les GM sont en train de dire non mais je pique, je m'organise, je pique, là je veux bien voir ce qu'ont fait les Wizards. Parce que les Wizards, moi dans ma mock je leur avais mis Obi Toppin, que je trouve qui était un très bon fit pour eux, mais ils viennent de le paumer. Les Wizards, ils ont pas mal de besoins potentiels en talent, à part sur les postes 1 et 2 évidemment, hein, puisque John Wall quand même et Bradley Beal, c'est quand même un peu sérieux, même si John Wall n'a pas joué au basket depuis un an et demi. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Wizou, là? Les Wizou, justement, on va en parler, c'est vrai, parce qu'ils ont une vraie interrogation avec du Bradley Beal, John Wall, tu viens de le mentionner. C'est vrai que Tommy Shepard s'est exprimé récemment sur le fait qu'il voulait être agressif. On a eu des rumeurs, John Wall, Russell Westbrook, celle-là, elle était pas mal. Avant de juste, toute petite transition, pendant qu'on réfléchit au dossier Wizards qui sont on the clock, je vous remets le tableau récap. Avec le tableau complet, donc on parlait tout à l'heure du top 5 avec la surprise Patrick Williams, Isaac Okoro chez les Cavs, Onyeka Okongwu chez les Hawks, Killian Hayes en 7 chez les Pistons, Cocorico, Obi Toppin en 8. Nous avons encore de disponibles du Tyrese Haliburton, du Denny Avdija et d'autres petits garçons comme ça. C'est pas beau ce tableau ? Simon, si, il est magnifique. Simon, on en parlait un instant et Alex posait la question, qu'est-ce qu'ils nous font les Wizards ? Oh bah Avdija là, non ? Ils ont pas d'ailié titulaire, enfin, est-ce qu'on est sur un profil un peu similaire à Rui Hachimura, même si c'est pas les mêmes joueurs, mais sur les mêmes postes. Non, mais je veux dire sur les mêmes postes. Non, Rui Hachimura, il peut jouer 4 avec Avdija qui joue 3. Hein. Et voir vice versa, les deux jouent. Mais je veux dire, ouais, ils ont vraiment des qualités différentes. Je trouve Avdija doit nous prouver encore ses qualités de scoreur, alors que par contre, il a des qualités à la création que Rui Hachimura, qu'on n'a pas vu en tout cas dans sa saison rookie. Alors qu'on a vu qu'il pouvait être un scoreur intéressant, même s'il y a des petits soucis de confiance. Il faut qu'il travaille la confiance, je pense, principalement, Rui Hachimura. Donc, on voit Obi Toppin qui chiale, là. C'est vrai que devenir un Knickerbocker quand t'aimes le basket... c'est vrai, mais franchement. C'est un rêve d'enfance. Tu deviens un Knickerbocker, quoi. Ouais, c'est ouf. Tu allais dire, Simon ? C'est pas mal, Simon Avdija. T'as sûrement raison. C'est ça qu'ils doivent faire, à mon avis. Parce que c'était pour compléter. Pardon, avec la distance, parfois ça crée ce petit décalage qu'on n'aime pas. Mais Alex, je trouve que Avdija est plus un extérieur. C'est un mec qui s'exprime. Il crie, balle en main. Au large, avec de la vision, tu vois, le plus de champ de vision devant lui. Donc il y a un côté un peu point forward, tu vois. Hachimura, c'est un espèce de tweener à l'aile. C'est un espèce de 3-4 qui s'en fout, mais qui va vers le cercle, qui joue en avançant, quoi. Qui joue pas en scannant le jeu. Donc ça se complète très bien, tes deux ailiers, t'en veux un qui scanne, un qui se déplace, c'est parfait. C'est ça. Une des grosses leçons évidemment de ce top 10, c'est évidemment cette chute de Denny Avdija dont tu parlais à l'instant. S'il est pris en 9, ça va. Bien sûr, mais il avait été quand même beaucoup, il y avait beaucoup de managers qui disaient qu'il ne sortait pas du top 5, tout à fait. Il y en a plein qui le mentionnaient. Au Bulls, il y en a beaucoup qui le mettaient. Washington, on le sait, aussi va être à la bataille. Oui, Simon ? Bah juste là, il montre la depth chart, j'aime bien dire depth chart des Knicks. Et il y avait quand même des bruits pour Westbrook. Là, d'un coup, tu te dis que s'ils arrivent à faire Westbrook et que tu as quand même tout de suite Westbrook et Obi Toppin, et par exemple, tu as gardé RJ Barrett, c'est l'Est, équipe, les gars. C'est l'Est, les gars. Hein. Ouais. Très clair. Non, mais attends, excuse-moi, Simon, l'Est, c'est très très fort maintenant. Hein. Non. Ça, c'est maintenant, il y a le Heat, il y a les Nets, il y a les Celtics, il y a les Bucks, mec. Les Bucks de Jrue Holiday, mec. Hein. Alors, c'était un peu facile, mais les Knicks seront plus compétitifs s'ils font le trade de Westbrook. Et plus excitant. Compétitif. Bah, la vraie conséquence, notamment là par rapport à ce que tu dis, de ce début en tout cas de draft, c'est qu'entre la sélection de LaMelo Ball chez les Hornets et le fait qu'il y avait un petit peu de silence autour du dossier Westbrook, est-ce que les Knicks se remettent dessus ? Mais oui. Est-ce que ça semble si évident que ça ? On a les Wizards et les Knicks qui étaient dans la discussion avec Westbrook. En tout cas, c'est le point le plus faible du roster des Knicks, c'est le poste 1 là maintenant. Ah bah ça c'est filer Westbrook à Thibodeau qu'on rigole putain. Ah, le poste 57 3, minutes le poste 3, de Westbrook. Non, il y a Kevin Knox. Il y a RJ Barrett, il peut jouer 3. Hein. Voilà. Attention les Wizards. Tiens, voilà les Wizards. D-
Denis Avdija qui va donc à la capitale. Denis Avdija aux Wizards. Ouais. Il est là, regardez, il est content, il est avec sa famille. Le joueur évidemment israélien drafté le plus haut de l'histoire de ce cher pays, Adam Silver qui applaudit. Messieurs, j'envoie direct le pavé dans la mare. On est sur un pic géopolitique ou pas? Washington, la Maison Blanche. Marc Stein, ouais. Tu parles de ça. Marc Stein qui nous dit que c'est la première fois qu'un Israélien est drafté en loterie pic. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est pas rien. Évidemment, ouais, plus sérieusement, bien sûr, par rapport à Denis Avdija, il chute, mais à Washington, il pourra avoir du temps de jeu. Ça sera intéressant de voir sur le poste 3 ce qu'il peut apporter avec Scott Brooks, notamment en formation. Scott Brooks nous a montré par le passé que lorsqu'il est question de former des jeunes joueurs à talent, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment son jeu, donc qui est un jeu quand même, idéalement, il a un peu la balle dans les mains quand même en attaque, quand même, comme en parlait Simon. Comment son jeu s'exprime à côté de Wall et Bill, qui quand même sont des joueurs... Wall, il lui faut la balle, et Bill, si tu lui files pas, on voit bien que c'est un sacrilège, en fait. Oui. Donc, je veux bien voir comment Avdija s'exprime dans un tel contexte. Je veux bien voir comment le leadership de Wall ou de Bill impacte un talent comme celui de ce jeune Israélien. C'est un choix culotté de la part des Wizards, parce que le fit n'est pas si évident que ça. Le talent est certain, le potentiel est certain de Avdija, mais le fit n'est pas si simple. Oui, c'est sûr. Je pense que ce qui avait été mentionné comme rumeur autour de Washington, on le savait. À mon avis, là où ça doit grincer les dents chez la plupart des fans, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de Onyeka Okongwu. On attendait peut-être un pivot un peu plus. Il y avait du Precious Achiuwa qui avait été aussi mentionné chez les Wizards, parce qu'on adore Thomas Bryant, no disrespect, mais c'est un peu compliqué. Petite question que je pose juste là, parce que c'est peut-être pas forcément celle à laquelle on pense le plus avec la sélection de Denis Avdija. Free agency vendredi, Davis Bertans, priorité notamment chez les Wizards en prolongation, est-ce que ça peut changer certains plans ou pas du tout? Non, Burton, c'est un 4 qui fait que shooter. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec Avdija. Ça commence à faire, en tout cas, entre Bertans, Rui Hachimura et Denis Avdija, va falloir partager tout ça. S'ils veulent vraiment garder Bertans, je pense que c'est vraiment des minutes qu'il peut bouffer à Rui Hachimura, possiblement. Après, peut-être qu'Avdija va avoir, va pas être titulaire, peut-être qu'il va avoir du mal à se faire une vraie place au début. Faut voir comment ça va être fait, tout ça. Hein. Simon, t'as l'air sceptique. Non, moi, pareil, Avdija, ça peut être un très bon sixième homme au début. Hein, parce que justement, au moins, il aura la balle comme ça. Ouais, il a la balle, il peut se former comme ça. Et puis après, tu vois comment tu complètes avec tes starters. Mais au début, il a un jeu spécial, il dépend vachement des autres. Si les autres sont pas bons autour de lui ou sont pas... Tu disais, il a besoin de porter un peu la balle et tout. Ça peut être pas mal au début de se forger comme ça à l'NBA d'abord en menant le banc, quoi. On suivra justement ce qui va se passer autour de Denis Avdija. Ils font quoi les Suns là? Messieurs, dames, les Suns sont on the clock. C'est le moment là. Est-ce que vous aimez vivre l'histoire? Est-ce que vous aimez l'humour? Je veux bien vos avis. Genre, juste, ils font quoi là en 10 les Suns? Moi je pense que si t'as. Vu qu'il n'y a pas de trade ni moi, rien. Moi je pense que si t'as Tyrese Haliburton qui est disponible et que tu le prends pas. Putain, vas-y. Vas-y. Oh ouais, j'avoue. Avec Chris Paul en mentor. Là tu prends Tyrese Haliburton, Alex, franchement. Moi je suis content, je veux. Alors là, je moi, veux. Je te check direct. C'est quoi les autres choix? Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme connerie? Sadiq Bey, Aaron Naismith. Sadiq Bey en 10? Merde! Arrête avec ça. Aaron Smith comprendrait déjà un peu plus, mais on a déjà Cam Johnson. Tyrese Haliburton, c'est chaud si vous l'avez. Attention, je vais m'énerver. Je sens que je peux m'énerver très vite. Putain. Il y a des vidéos qu'on tournait cet après-midi. On les a tous vues. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Ouais, Chris Paul qui forme Tyrese Haliburton, moi je dépose. On a des besoins. En plus, ils l'ont dit, quoi. Après, ils ont aussi beaucoup parlé d'ailier là ces derniers temps, nos amis. Sauf que là, il n'y a pas de Patrick Williams, il n'y a pas d'Isaiah Okoro, il n'y a pas d'Avdija. Ils vont pas aller me chercher. C'est quoi les autres ailiers là qui restent là? C'est Naismith. Tu pourras peut-être Richard J. Hampton. Oh là là. Non. Surtout David Vassell. David Vassell, je dirais pas non. Je dois reconnaître. David Vassell ou Tyrese Haliburton? Haliburton a quand même plus de talent. Haliburton a plus de talent pur. Ouais. Par contre, Devin Vassell, il amène un truc qui n'existe pas, chez les Suns aujourd'hui. C'est un vrai remplaçant de Mikal Bridges. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pardon, Simon. Je suis d'accord, mais que tu peux trouver plus facilement que ce que t'apporte Haliburton. Ouais, d'accord. Meneur créatif de grande taille, ça court moins les rues qu'un 3&D, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a un pic sur deux dans cette draft. Ouais. Moi, je suis complètement halluciné si vous avez une triade Devin Booker, Chris Paul, Haliburton sur rien. Paul, Chaurès, hein. Prenez-moi ça. Hein. Et James Jones a pris vraiment des bonnes décisions ces derniers mois. C'est vraiment un modèle, en tout cas, sur quelques mois là, de construction. Phoenix, inutile de le rappeler, mais on va quand même le faire. Je sais pas pourquoi
Tu le sens pas ? Non, je sens que Phoenix va nous surprendre. Ah bah ça, pour être poli. C'est l'école. Pour être poli, hein. Rappelons évidemment le contexte. Les Suns, évidemment, en ce moment, dans l'actualité, avec l'arrivée de Chris Paul. Les Suns qu'on a vus, évidemment, cet été dans la bulle d'Orlando, ils ont failli aller en play-off et ils étaient la darling de cette bulle, puisqu'ils sont allés chercher un bilan parfait quand même, de 8-0. C'est ça qui est assez fou. Maintenant, on le sait, Phoenix peut nous réserver des surprises. L'année dernière, il y avait eu Cameron Johnson, on ne s'y attendait absolument pas. Et on se demandait justement ce que ça allait pouvoir donner avec les Suns. Mon cher Simon, comment ça va ? Qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Ça va, Simon ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je suis en train de regarder ce qui sort sur les Suns, là. Il y a eu un trade des Kings, les Kings sont vendus. Non, on avait dit qu'il n'y avait pas de spoiler. Non, il n'y a pas de spoiler, j'ai rien spoilé. On rigole. J'ai rien spoilé. Moi, j'ai un point de côté, d'accord. Excusez-moi. Ah, je remonte le gros tableau pour l'instant. Vas-y, pendant que tu parles, Simon, je remonte le gros tableau. Je t'en prie. Non, mais je... Alors... Non, mais je vous entends vous marrer, du coup. Les Suns sont on the clock. Donc pourquoi on Alex, il est tout rouge ? Parce que... Donc il fait chaud ici. Je suis pas encore tout rouge, mais j'ai peut-être enlevé mon sweat, tiens. Allez. Ah bah, on va voir. Les Suns, on les attend potentiellement dans le top 8 de l'Ouest la saison prochaine, puisqu'on le sait, il va y avoir une grosse bataille, mais Chris Paul arrive. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir les attendre dans cette bataille, même s'il y a beaucoup de concurrence à l'Ouest ? C'est ce qu'ils visent en tout cas, tu vois, tu fais pas ce trade hyper cher sur Chris Paul avec ce que vient de faire Chris Paul l'année dernière avec le Thunder. T'as Devin Booker, t'as un pivot first pick de draft. Bien évidemment que les Suns veulent aller en playoff, et comme je le disais l'autre jour, ils veulent aller en playoff, et en plus ils veulent y aller pas en mode victime expiatoire, quoi. Mm-hmm. Ils veulent y aller au moins pour regarder droit dans les yeux l'adversaire qu'on leur filera au premier tour. Mm-hmm. Donc maintenant on va voir, tu sais, les blessures, les saisons, tout ça, on va avoir l'occasion de faire des previews. Mais oui, bah, bien évidemment que quand tu fais péter, enfin je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais tu fais péter Chris Paul, c'est pas pour jouer la 14e place ou la 10e place, c'est pour jouer les playoffs. Bien sûr, j'allais donner mon avis. Simon, t'en penses quoi de ça ? Ouais, non, je trouve ça un coup de maître. Même s'il est cher et tout, Chris Paul, on a vu ce qu'il fait à Oklahoma avec... Tout le monde disait qu'Oklahoma allait finir dernier, quoi. Mm-hmm. Quand il a débarqué, tout le monde. Les Suns ont plus de talent qu'on avait Oklahoma avant de voir débarquer Chris Paul. Là, il arrive là-dedans, il va donner du sens à l'équipe, du leadership. Il va, je trouve aussi, pour Devin Booker, c'est super parce qu'il a côtoyé quand même des joueurs d'un sacré calibre, Chris Paul. Bien sûr. En club, dans Team USA, en sélection et tout. Et Booker manque, je trouve, dans son leadership encore et tout. Il a encore beaucoup à apprendre. Et je pense que Chris Paul va énormément l'aider. Et puis... pour rappel, les Tyson Chandler et compagnie, on a vu Chris Paul comme il s'est trouvé ces mecs-là, tu vois, Capella à l'époque et tout. Mais DeAndre Ayton pour Chris Paul, c'est un. Ah bah ça va être une c'est facile de lui donner le ballon en plus à Ayton, tu vois. Donc, Tout à fait. Ah non, mais ça, à ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Franchement, moi, je trouve coup de maître. The pick is in, les Suns. Les Suns prennent. Jalen Smith. Putain. C'était sûr. Ah, c'est un peu haut. Je les sentais pas, je vous l'avais dit. C'était sûr. C'est un peu haut. Mais là, attends, c'est un nom, on l'a même pas cité là. Quand on a fait le petit tour de table rapide là, il n'y en a pas un autre qui l'a cité. Pourquoi ? Pourquoi on l'a pas cité ? Parce qu'il est attendu en 33e. Non. Attends. Non, enfin j'exagère, mais vous m'avez compris. Non, mais je vais chercher les mocs là. Le CEO est lâché. Excusez-moi, je vais parler quand même de Jalen Smith personnellement parce que j'aime beaucoup le joueur. L'athlète. C'est-à-dire ? Le bestiau, quoi. Ah, bah oui, Jalen Smith, non, par contre, quoi. Oui, il y a une envergure, il y a tout ce qu'il faut. C'est un poste quoi, 4 qui peut jouer un peu pivot aussi. C'est surtout un 5. Ah bon ? Qui peut vraiment être dans la formule. Ce que j'aime bien par rapport à vous et ce que vous êtes capable de proposer, c'est, vous l'avez montré avec des Channing Frye et compagnie shooté, à Phoenix, c'est shoot et protection d'arceau. Derrière DeAndre Ayton, on avait des incertitudes avec Aaron Baines. Moi, tout à fait. Mais on avait des incertitudes autour de Frank Kaminsky, Aaron Baines. Tout de suite, tu peux avoir un Jalen Smith qui va être intelligent, plus un pivot, bien défendre, shooter à 3 points. Ça rentre dans le spacing des Suns, mais putain, qu'est-ce que c'est. Donc en 10, on prend un remplaçant de DeAndre Ayton. Moi, je pense qu'il y avait Tyrese Haliburton de disponible. Ouais, surtout, voilà, surtout, oh, moi, genre, il y avait Haliburton à prendre là.
les Spurs peuvent peut-être prendre à Haliburton. Mais vous n'allez jamais le prendre, vous êtes blindé derrière. Mais je m'en bats les couilles. Non, il est pour nous. Il est pour nous. Il est pour les Pels. Ah bah alors, si les Kings, ah bah si les Pels, tout le monde laisse passer à Haliburton, c'est un scandale. C'est pour ça que Bogdanovic, il veut plus aller au Bucks. Pourquoi on prend Jalen Smith juste au Suns? Pardon, mais juste pourquoi on fait ça? Vous êtes au fit. Bon, il s'est shooté. Vous êtes au fit. Au fit? Mais non, Haliburton, c'était un fit aussi. Non, non, franchement, là, on ne comprenne pas un ailier, je comprends. Parce qu'en fait, on a déjà Mikal Bridges, Cam Johnson, on peut peut-être faire jouer Abdel Nader. C'est pas l'urgence extrême, quoi. Tu vois ce que je veux dire, l'ailier. Par contre, une rotation dans le bac courte. Ah bah moi, je trouvais ça trop fort. Si merde, quoi. Alex, Jalen Smith. Qu'est-ce qui m'énerve à la draft? Qu'est-ce qui m'énerve à la draft? 20e dans la mock draft de The Ringer et d'ESPN. Mais bien sûr, je l'ai vu dans aucun top 15. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Il était annoncé au Heat en fin de top, ouais, top 20e. Et il a pas... The Athletic le mettait plus de 22. Tankathon, je sais même pas s'ils l'ont mis au premier tour. Ouais. Il le mettait 22 au Nuggets. 20e, Tankathon. 22e, tu disais, Simon? Au Nuggets, il le mettait. Et je cherche. Qu'est-ce que c'est haut? Ça fait deux années de suite qu'on fait le coup. Et Envergure le mettait. Parce que Cam Johnson, l'année dernière, c'est pareil. Il était annoncé plus au-delà des 20. Simon, pardon? Non, la mock-up d'Envergure, 24. C'est ça. Ouais, non, il était annoncé. Ah Alex, bon, tu disais à l'instant, ouais, ça fait deux années de suite. Putain, ça fait beaucoup là, non? Fais voir la dev chart. Donc, en gros, on a pris un remplaçant en pick 10, quoi. Remplaçant d'un pivot qui va jouer beaucoup de minutes. Bon, quelque part, vous n'allez pas prendre un titulaire dans cette draft. Non, mais derrière Booker et Chris Paul, il y a plus de minutes à prendre avec pour Haliburton, par exemple. Ou même dans ce cas-là, prends-moi Tyrese Maxey. Si t'aimes pas Haliburton, tu vois, je sais pas. Je suis d'accord. Ou fais-moi péter Kira Lewis. J'aurais préféré comme Rich. Il y a moyen, et ça, c'est ce qui fait péter les câbles à Alex, que dans quelques années, on regarde en arrière et qu'il y ait beaucoup de pics qui soient passés après n'importe Jalen quoi, Smith, mais bien sûr. Et on se dit. C'est pas du tout une NBA. Mais c'est pas du tout une NBA pour Jalen Smith. Ah putain. Non mais si ça se trouve, Alex, si ça se trouve tu trades là, le reach est tellement haut que ça cache peut-être quand même un trade, mais... et qu'en fait t'as piqué pour quelqu'un d'autre parce que. Je crois pas du tout. Moi je crois. Ah, j'essaie de te rassurer, je fais être cool. Hein. Non mais c'est sympa Simon, j'apprécie, mais je crois qu'ils sont contents avec Jalen Smith. Bon, je vais y aller moi. Soutien à Alex. Soutien à Alex. Attends, j'ai pas piqué encore. Attends-moi deux secondes. Et en pick 10, on va faire la triade. Oh là là. Suns. Maintenant, ce sont les Spurs. Messieurs, ce sont les Spurs qui sont on the clock. Ouais. Les Spurs. Il y a du Tyrese Haliburton dispo. Il y a du Devin Vassell. Il y a du Tyrese Maxey. On le sait chez les Spurs. Il y a eu un petit changement au niveau du projet. On sait qu'il y avait eu des rumeurs autour de Patty Mills, de LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan. Puis il y a toujours cette envie, et on l'a vu avec les nouveaux maillots des Spurs, de vouloir construire autour des Keldon Johnson, Lonnie Walker, Derrick White et DeJounte Murray et compagnie. Est-ce qu'on prend plutôt un joueur sur le secteur intérieur du côté des Spurs ou on prend un joueur côté externe? Oh, quand même un 3-4 minimum, hein, moi, ouais, je pense, pour vous. Hein. Ah ouais. Sur le secteur arrière, vous avez quand même Derrick White, vous avez DeJounte Murray, deux jeunes à développer qui montrent des signes de progression que j'ai pas rêvé. Ah ouais, bien sûr. Vous avez Keldon Johnson. Moi, j'aime bien Keldon Johnson. Bah, moi, je kiffe grave. Moi, je veux donc, le développer. Donc, moi, je vois pas prendre Haliburton. Je vois pas le prendre, en fait. Tu fais chier. Simon, j'espère vraiment que vous allez prendre Tyrese Haliburton. Moi, je vous vois bien prendre quoi? Ah non, mais si vous le prenez pas et que nous, on le passe, moi, je me casse. Hein. Attends, juste Simon. Oui, Simon. Bah, Simon. Vas-y. Non, bah, si vous le prenez pas et que nous, on passe, moi, je me casse. Hein. Je vous le dis. Hein. Eh ben c'est Devin Vassell qui va au Spurs. Quoi? Devin Vassell, le 2-3. Ok. Ouais. Ah ouais, défensif. Alors, j'aime beaucoup le joueur, mais je suis pas un giga fan de la sélection. Ouais. Je m'explique. Il a joué avec Patrick Williams à Florida State cette saison. C'est un joueur hyper cérébral, intelligent, qui va tout de suite très bien répondre. Les photos avec les bébés, bonjour papa, bonjour maman. Un profil qui a été comparé notamment à du Aaron Aflalo. Je suis pas giga fan. Simon, t'en penses quoi? Bah, je comprends pas trop parce que ça semble être. Ça part en couille. Non, c'est pas que ça part en couille, mais ça semble manquer justement de ça, tu vois. Manquer un peu d'ambition, de dériver du plan et de dire ok, Haliburton, il a glissé, les gars, on verra plus tard, mais un talent pareil, les Spurs. Et sinon, au niveau du. Donc, je comprends pas au niveau du talent et au niveau du fit, moi j'étais plus sur un 3-4. Alors, l'idéal aurait été évidemment Patrick Williams, mais tu vois, même Sadiq Bey, pour moi, donne plus de sens parce que Aldridge, Gay, sur les ailes, les postes 3 et 4, t'es plus âgé, quoi. Tout à fait, tout à fait. J'ai du mal à comprendre. Je suis d'accord. Quand, en termes de point de vue comme de feed, j'ai du mal à comprendre. Après, mais Devin Vassell est un très très bon joueur, attention. Tout à fait.
on sait tout, qu'il y a souvent eu des rumeurs avec du Demar DeRozan notamment. On est quasiment sur du poste pour poste. Alex, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que je vois pas trop. En fait, je j'arrive pas à comprendre en termes de potentiel. Je suis pas fan. Enfin, je dis pas que c'est pas un bon joueur, comme tu l'as dit. Je pense que c'est un joueur intéressant. En termes de fit, bah, il est clairement sur des postes à la Derrick White, Dejounte Murray, Keldon Johnson. Donc, t'en ajoutes un nouveau. Genre, même nous, jeunes. On prend pas Jalen Smith, mais on aurait eu plus besoin. Quoi, putain. Exactement. On devrait inverser nos picks, non? Non. Ah, bordel de merde. Ah, putain. Aïe. Excusez-moi, je suis un petit peu vulgaire, c'est l'énervement. J'espère que Vassel va nous faire mentir, mais Simon, j'ai l'impression que c'est un petit peu tendu. Et je vois que Simon est tendu pour une raison qui est très simple. C'est que nous avons les Kings qui sont on the clock. On va arrêter de parler de nos amis les Spurs et les Suns. Sacramento a un choix à faire. Sacramento, Simon, tu vas nous en parler. Nouveau management, des questions, des interrogations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on boit? Alors vas-y, Haliburton, il est dispo. Il n'y avait aucun scénar où vous pouvez glisser jusque-là. C'est un talent. Quoi. Bizarre qu'il descende autant d'ailleurs, lui. Il y a quelque chose sur lui qu'on ne sait pas. La connerie de certains GM. Ouais, mais quand même, je veux dire, ça fait beaucoup de GM là, qui le laissent filer là. En plus, non, franchement, tu trouves pas? Ah, si, moi c'est trop bas. Vas-y, Simon. Ouais. Non, bah, en plus, on va voir si les Kings prennent bien ce mec-là, j'espère. Mais c'est un Est-ce nouveau qu'ils staff. Vont le signer, après. Ouais. Comment? Vas-y. Non, ben bah, oui, il faut pas oublier de signer, même si c'est un rookie, tu vois, on sait jamais, ça va être. Mais moi, je trouve qu'il a quand même quelque chose de spécial qu'on réserve à des... Ouais, c'est un pic de loterie, ok, mais 12, tu vois, il aurait pu être pris vachement plus haut, rien que sur son talent, son potentiel. Il est assez unique, hein. Il est vraiment grand et long. Bon, il est très léger pour l'NBA, mais il va prendre un peu de poids. Et il a... Ok, il a des mécaniques et des fondamentaux un peu chelous sur le shoot ou des trucs comme ça, mais... Non, mais c'est clairement ça qui a effrayé quelques GM, hein. C'est pas possible autrement. Non, il faut bien qu'il y ait une raison. Oui, il est grand 12. Il y a des dominos. C'est que peut-être certains se sont dit, genre, bah, je sais pas, lui, ça convient plus à mon... Peut-être que quand tu es justement Phoenix et que tu dis d'avoir plus besoin sur le secteur intérieur, parce que ça veut peut-être dire que tu as des choses que tu sais déjà sur la free agency, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la free agency, bien c'est sûr, après-demain. Il y a eu des rumeurs, par exemple, Jordan Clarkson ou des gars comme ça. Peut-être qu'ils ont... Tout à fait, Phoenix ne va pas rester avec, entre guillemets, seulement Cameron Payne, Javon Carter et Okobo en rotation du backcourt. Tout à fait. Les Kings. Oh là là, bien joué, Simon. Tyrese Haliburton, alors là, Simon. Alors là... Oh, puis bien joué. Alors là, franchement, bien joué les Kings, bien joué les Kings, bien joué. Alors Tyrese Haliburton, il a, c'est moi où il a baissé la tête de ouf. Il ouais. a fait genre. Mais non, il va avoir du ballon et tout, c'est très bien pour lui. Hein. Ah Simon, ton avis sur cette sélection? J'aime beaucoup son costard. Hein. Bah c'est cool, là, ouais, son costume est très Kings hein, déjà. Ouais. On arrive en courant. C'est... Il a confondu avec le papier peint de Bastien. Il a... ouais. Bien joué. Moi je suis très content pour toi. Je suis refait. J'avais pas trop d'espoir sur cette draft parce que tu vois, je savais pas vraiment ce qu'ils allaient faire, le nouveau staff. C'est cool parce que c'est tout de suite un joueur. En plus, c'est complémentaire de Fox, c'est pas du tout les mêmes qualités. Fox a un côté beaucoup plus dragster, là où Haliburton joue moins vite et plus lentement, plus en recherche des angles, d'autres choses comme ça. Fox fonce un peu. Il est assez grand pour jouer poste 2 dans la NBA actuelle, même s'il manque de poids et de barbac pour l'instant, mais ça va venir, je pense. Il est vraiment grand, hein. Il fait quoi, 96, un truc comme ça. Ah bah tout de suite, il va être un des joueurs parfaits vous sur votre backcourt, très très bon défenseur en plus, qui va tout de suite pouvoir apporter. Moi, j'ai l'impression qu'il coche toutes les cases. C'est franchement, si ça remplace Bogdanovic direct en fait. Si c'est le premier pick de votre nouveau GM, alors là, moi, je valide mes vos débuts, mais tout de suite. Moi, je pense qu'il s'attendait pas à pouvoir le choper en 12. Ouais, là, on a eu de la chance, tu vois. On a eu de la chance. Ah ouais. Pour la fanbase des Kings, c'est un peu le karma. La dernière fois qu'on a eu de la chance comme ça, c'était McLemore qui avait glissé et qu'on avait réussi à piquer en 7 alors qu'il était annoncé genre podium ou 4, tu vois. Ouais. Bon, alors, la dernière fois qu'un mec a glissé entre nos mains, ça nous a pas porté chance. Mais je suis à la fois très surpris qu'il ait glissé et très content parce qu'en plus, c'est con, mais c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est ce profil de grand meneur, c'est assez atypique. Il rend le jeu spécial parce qu'il fait des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime beaucoup, moi, ce joueur. Ah ouais, non, je pense que ça va être vraiment un des garçons qui va insuffler tout à fait. Pourquoi une belle il y a des images dynamique. De Magic Johnson là? Ben parce que c'est notamment les héros d'enfance de lui et de son daron où il a appris notamment son jeu là-dessus. Ah. J'ai cru que c'était la comparaison de Jalen Rose. Non, horrible. Tu sais, quand il fait genre, on dirait Sean Sebillops. il aime bien faire ça. Mais pour les Kings, en tout cas, c'est très bien. On va vous montrer
le tableau récap, regardez, il est magnifique. Il vient d'être mis à jour avec donc Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, Patrick Williams, Isaac Okoro, Onyeka Okongwu, Kilian Hayes, Obi Toppin, Denny Avdia qui a donc chuté, Jalen Smith, un très gros reach comme Patrick Williams en 4, mais à surveiller, Devin Vassell en 11, Tyrese Haliburton. Pour le moment, messieurs, sur les 12 premiers picks, qui est-ce qu'on a encore ? Qu'est-ce qui nous reste comme gros nom ? On a mentionné du Sadiq Bey, on a mentionné du Aaron Nesmith. On va commencer à rentrer dans les ranges de R.J. Hampton et de Tyrese Maxey. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Bells là ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cole Anthony. Cole Anthony, tout à fait. Qu'est-ce qui... C'est vrai qu'on aurait qui est dans ces eaux-là. Pokuševski a commencé à rentrer dans le top 13 pour certains. Kyra Lewis. Kyra Lewis Jr. Ouais, Kyra Lewis, bien sûr, bien sûr. Qui a attendu Kyra Lewis. À Orlando, qui a attendu à Orlando globalement. Ouais. Il y en a qui ont monté extrêmement haut, Jaden McDaniels aussi. Parce que les Pelicans, ils viennent de récupérer, eux, du coup, c'était avec Bledsoe et George Hill là, dans le trade de Jrue Holiday. Oui. Donc entre Bledsoe, George Hill, Lonzo Ball, JJ Redick, je trouve qu'en termes de besoin de fit, je les vois plus prendre un front court quand même, nos amis des Pelicans, non ? Pour genre, soit un pivot. Il y a des pivots là ? Qu'est-ce qu'il y a comme pivot là ? Là, tu as Precious Achiuwa, mais c'est plus un 4 capable de jouer 5. Tu vas avoir Pokuševski. Parce que l'idée, c'est de tourner avec Jackson Hayes, quoi. Est-ce qu'ils prennent Pokuševski en 13 là ? Je suis pas sûr qu'ils prennent. Moi, je pense plus voir quelqu'un prendre sur les ailes. Les Pels. Ouais, genre Sadiq Bey ou Aaron Nesmith pour faire du spacing. Moi, je pense que Nesmith, s'ils l'ont là. Nesmith, c'est parfait là, je trouve. J'avoue. C'est plus que Sadiq Bey. C'est un David Griffin pick. Moi, j'ai l'impression, Aaron Nesmith, je serais assez surpris qu'ils ne le prennent pas. Derrière Boston, on va en parler parce qu'ils sont toujours en 14. Et comme on en discutait avec Alex et Simon juste avant que la draft commence, on avait du mal à imaginer nos amis justement de Boston sélectionner trois rookies. En deuxième partie de tableau, entre les deux picks de Boston, les deux picks du Thunder, les deux picks du... Non, c'est tout. Enfin bref, il va y avoir du move là, c'est pas possible. Bien sûr. T'as pas de nouvelles là sur la rumeur du pick 17 des Wolves là, rien de nouveau là ? Ce que je peux juste dire là-dessus, puisqu'on avait parlé avec Ricky Rubio qui devait retrouver les Timberwolves, il y a eu un article qui a été écrit et le titre c'est vraiment... les détails de la future réunion de Ricky Rubio avec les Wolves. Ouais. Donc c'est quand même très sérieux. D'accord, ok. Bon, bah. Parce que c'est pas encore officiel par contre. Non, c'est pas officiel. Mais on va voir justement ce que ça va pouvoir donner. New Orleans, on l'a dit, la transition elle est connue depuis un peu plus d'un an et demi. David Griffin qui est arrivé, qui a notamment transféré d'abord Anthony Davis puis Jrue Holiday. Il va être justement on the clock pour voir ce que ça pourra donner. On a Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball. Donc toi, tu vois un ailier ? Moi, je vois potentiellement un ailier, ouais. Moi, je vois... Toi, à l'intérieur ? En fait, bah, le problème, c'est que j'en ai pas trop de noms. C'est pour ça qu'on était sur Pokuševski, Precious Achiuwa. Ça paraît quand même. Jalen Smith est parti. Donc, mince, ils peuvent plus prendre Jalen Smith, ils ont en 13. C'est bon, ça. Mince, alors. Et ils se sont fait souffler Jalen Smith. Ils l'auront pas, les Pélicans. Et alors, on ne l'a fait pas, nous, au Suns. On voit la dev chart des... Ouais. Quand même bien dire, Simon, là, de nos amis les Kings. Tout à fait. Vous avez quand même un petit... Petit souci front court hein, quand même. Hein. Non mais on a des gros, Holmes, Bagley. On n'a pas un petit souci front court, Alex. On a des gros soucis partout. Ouais, non. Le back court, ça va, Simon. Le back court. T'as D'Aaron Fox, t'as Tyrese Haliburton, t'as Buddy. Vu les rumeurs de Buddy qui veut jouer à Dallas, et Buddy, ça peut bouger. Qui oublie de signer. On est à poil sur le back court. Hein. Juste pour nos amis de New Orleans, évidemment, qui sont on the clock, puisqu'on a pas mal parlé des Kings et on aura l'occasion de revenir sur eux s'il y a des trades et des petites surprises sur la suite de cette soirée. Les Pels, on venait de parler des Suns avec cette potentielle montée et essayer de discuter dans la course au top 8. Les Pels très attendus la saison prochaine, nouveau coach Stan Van Gundy, eux aussi on a tendance un petit peu à les sous-estimer. Ils ont lâché Drew, tout à fait. Ils ont Bledsoe, George Hill à la place. On les sous-estime un peu dans cette course au top 8 à l'ouest. Je sais pas, moi j'en suis pas là encore. D'un point de vue perso, j'ai pas encore commencé. J'attends vraiment la draft et au moins une semaine de free agency pour commencer à me pencher sur comment on va débrouiller nos histoires de top 8 à l'ouest où on a un top 15 hyper serré. Bien sûr. Franchement. Ah bah c'est enfin, top 15, hein. 13 quoi. Allez, ouais. Allez, top 13. Désolé les Kings. Mais ouais, désolé les Rockets aussi. Oh, on peut faire des petites... Pas rigoler ici. Hein. non, les Pels, ouais, moi j'aime beaucoup leur équipe. Il y a plein de joueurs que j'adore. Là-dedans, Brandon Ingram, j'ai adoré sa saison. Zion... on a eu que 20 matchs de Zion, on a envie d'en voir plus quoi. Hein. Tout à fait. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous prendre ? C'est Kyra Lewis Jr. Donc c'est le backup de Lonzo, j'ai envie de dire, ou alors ils ont envie de faire ils un ont déjà Bledsoe, George Hill. Oh, ça va bouger ça, je pense. Ah d'accord, ça. Mais il va falloir gérer tout bien ça. Bien sûr, quoi. Bien sûr, bien sûr.
Kira Lewis Jr., gros dragster, on en avait parlé pendant la mock draft. J'aime bien ce joueur, moi. On est sur un dragster comme Colin Sexton formé dans l'Alabama. Ça va extrêmement vite. Il y en a déjà qui sont en train de tweeter sur le fait que Kira Lewis, Lonzo Ball et Zion Williamson en contre-attaque, ça peut faire très mal. Attention, il y a de la dynamite dans les mollets, de la TNT dans le tendon d'Achille, comme on le dit si bien dans l'Alabama. Un peu étonné quand même, puisqu'on parlait de position de renfort, là d'avoir pris un meneur du côté de, oui, de New Orleans. Oui, ça veut dire, comme vous venez de le dire tous les deux, ça veut dire clairement que Eric Bledsoe et ou George Hill n'ont que servi de monnaie d'échange à Jrue Holiday, mais ne sont pas du tout forcément comptés dans le roster. Quoi. C'est les futurs picks de draft, c'est clairement, ça qui ont été hyper importants. Alors qu'on voit la réaction de la New Orleans, Simon, t'en penses quoi de ce pick? Pas sûr qu'il reste aux Pelicans, ils ont peut-être aussi, comme là le board a été bousculé, ils ont peut-être aussi pris clairement le meilleur talent dispo, ou en tout cas, Kira Lewis, tu sais qu'Orlando le veut, le voulait, des choses comme ça, et là, tu peux leur dire, bon, bah, on l'a, donné, qu'est-ce qu'on prend, on s'arrange, et qu'est-ce que vous nous donnez en plus, on l'a pris pour vous, avant vous, ok, mais on... je vais voir, Kira Lewis, je suis un peu surpris, après, même si Bledsoe, George Hill, ça c'est monnaie d'échange, mais quand même, pas impossible qu'ils aient pris un mec, parce que... on l'a bien vu, là, ils savaient pas trop quoi prendre, il y avait pas un pic évident. Parce que là, ils auraient pris un ailier, peut-être, plus quand même, non? Ouais, peut-être. Arne Smith, Sadiq Bey. Pas impossible qu'ils aient pris le meilleur joueur dispo en disant vas-y, les autres vont nous appeler pour voir s'ils veulent vraiment Kira Lewis, quoi. C'est possible, c'est possible. C'est sûr. On a donc Boston on the clock. Ils sont pick 14. On en a parlé en long et en large. On a dit que ce serait quand même bizarre d'avoir Boston qui garde tous ses picks. Il y a eu des discussions. Ils ont niqué Alexander Walker aussi sur le bas court. Bien sûr. C'est vrai que ça commence à être chargé quand même. Bien sûr. Boston, on en parlait juste là à l'instant, ils ont donc des rumeurs autour de Gordon Hayward, autour de Kemba Walker. Il y a donc ces picks 14, 26 et 30 que vous pouvez voir sur le premier round qui ont été en discussion. Pour le moment, Boston, c'est très très calme. En tout cas, il y a eu le top 13 qui est passé et il n'y a pas eu de transfert incluant Danny Ainge. Non, il n'y a même pas eu tellement de rumeurs. Pas trop de rumeurs. Il y en a eu vite fait cet après-midi là, mais c'est tout. Ouais. À mon avis, à cause du côté incertain de cette draft, les trades ont été un peu compliqués à monter parce que tu sais jamais qui veut prendre quoi. Bien sûr. Donc effectivement, là tu prends Aaron Nesmith qui est disponible. Tu prends qui, Simon? Bah soit lui, soit non. Il y a une petite tentation Cole Anthony parce qu'il te remplit tout de suite le rôle de Brandon Maker et je pense qu'il peut y être meilleur assez vite. Tyrese Maxey. C'est pas impossible. Non, les gars, Tyrese Maxey moins fort, moi, je trouve. Ah ouais? Moi, je trouve, mais après... Bah, sûr, le potentiel de Cole Anthony est plus élevé, mais après, quand même. Je sais pas, je suis pas sûr. Bah, le potentiel actuel, c'est ce qu'ils mettent le plus en avant. Tyrese Maxey, ce qui est intéressant, c'est la production tout de suite maintenant. En tout cas, de ce que la plupart des équipes... Je comprends, mais je suis pas sûr, moi personnellement. J'avoue que là, moi, j'aime bien les Smiths, parce que si, effectivement, Gordon Hayward est en train de gentiment quitter le Massachusetts, comme ça a l'air de prendre la direction, là... vu ce que t'as, vu le talent du mec et tout, c'est bien, je trouve. Non, c'est vrai que du shoot, un ailier qui sait se placer et qui sait shooter, qui défend pas non plus imminablement dans le bras Steven Basketball, oui, ça peut te servir. Hein. Ça peut carrément servir, surtout qu'on le sait et on n'arrêtait pas de le répéter depuis des mois, le banc de Boston a besoin de renfort. Lorsqu'il y avait des minutes en playoff, a.k.a. Brad Stevens qui nous faisait sortir parfois du Tatum et du Walker et du Jaylen Brown, où parfois on avait le second unit qui arrivait, ça pouvait être vite compliqué avec Brad Wanamaker dont tu viens de parler et Enes Kanter. Boston doit renforcer son banc. C'est une des, si ce n'est la priorité de cette intersaison. C'est vrai. Franchement, c'est dur à dire là, je trouve. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ça commence à être compliqué. Tout à fait. J'en profite juste pendant ce temps-là, puisqu'on a le pic des Celtics qui vont arriver, ils vont être on the clock, pour dire que vous êtes encore 15 000 à regarder cette draft. On vous remercie, on vous fait des gros bisous à distance évidemment. Vous êtes nombreux à vivre cette draft. J'en profite aussi pour vous dire que l'actualité, évidemment, après cette draft, elle continuera sur Trash Talk parce qu'il y aura des analyses de cette draft. La Free Agency qui débarque dès vendredi soir avec des grosses signatures à venir. Toujours autant d'histoires de transfert puisqu'il y a toujours des rumeurs autour des James Harden et Russell Westbrook. Bref, c'est l'occasion de vous faire un gros cœur-cœur avec les doigts. Tout est concentré, exactement. Il y aura moyen qu'il y ait des petites vidéos débrief de tout ça et tout. Évidemment. Là, je lis le Shams qui nous dit que New Orleans plans to keep Kyra Lewis. Junior. Ok. Ouais. Okay. Alors, donc, Simon, tu parlais de... c'est quand même intéressant de lire ça parce que ça veut dire que ils vont pas garder tous ces arrières là. Non, ça veut dire que Bledsoe et George Hill. Bledsoe et George Hill, ça reprend l'avion dans pas longtemps. Quoi. Mmh, c'est possible, ça. Il y a de bonnes chances. Les Pélicans qui étaient contents de récupérer les pics
surtout les futurs picks de Milwaukee qu'ils ont balancé. Et eux, désolé mon cher Simon, c'est le running gag, eux au moins ils ont signé en bas droite de la feuille quand ils ont fait le transfert. Nous avons donc Boston. Je vous remets juste le tableau récap pour ceux qui n'avaient pas vu ce qui s'est un petit peu passé sur les derniers picks. Voilà ce qui est donc en place pour le moment. Dans les gros noms qui nous restent, on va commencer à rentrer dans les Cole Anthony, dans les Aaron Nesmith, dans les Sadiq Bey, Pokusevski. Desmond Bain. Desmond Bain, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais c'est Precious. Intéressant. Comment? Precious Achiuwa. RJ Hampton. Moi, je l'aime bien, ce joueur-là. RJ Hampton, bien sûr. Il y a aussi, comment il s'appelle, Tyler Terry, qui peut être... Bon, ça commence à être un peu... C'est un peu haut, mais on a vu que les équipes n'hésitent pas à reacher par rapport au mock draft, donc... Ouais, Jaden McDaniels aussi, qui avait été un des noms mentionnés. C'est un 3, lui? 3-4? Oui, c'est ligne extérieure. On a aussi Bolmaro, l'Argentin, qui est attendu dans le premier tour chez les internationaux. On va commencer à regarder s'il n'y a pas un petit Malodon qui se murmure là. Ouais, j'allais dire aussi, exactement. On va voir ce qui peut se passer avec Théo Malédon. Pour le moment, je pose la question en attendant le pic des Celtics. Votre satisfaction, là, pic satisfaisant de la draft. Alors attendez, juste, on va écouter le pic des Celtics. Ok, Aaron Nesmith qui rejoint donc nos amis du Massachusetts, du sniper, peut-être dans la discussion, le meilleur sniper de cette draft 2020. Il y en a qui aiment bien débattre, on est sur un pur poignet, un joueur qui a mis plus de 20 points de moyenne, catch and shoot, sortie d'écran, création balle en main. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien s'éclater en sortie de banc à Boston. Il comprend bien le jeu, il se déplace bien sans le ballon, il va pas du tout, il peut... complètement s'intégrer demain comme ça dans le Brad Stevens Basketball. Simon, ton avis là-dessus? Non, bah tu vois qu'encore une fois, une équipe qui est compétitive, qui joue les playoffs, etc. et tout, no-brainer, ils prennent le mec qui est prêt demain. Best available. Ouais, tout à fait. Voilà. On est sur un vrai produit capable de produire tout de suite. Je posais la question juste avant parce qu'on a Orlando qui est on the clock. Je la pose à tout le monde puisque c'est l'occasion d'arriver à mi-chemin et on vous remontera le gros tableau. Le pic qui vous satisfait le plus pour le moment sur le top 15 de cette draft 2020, Simon, Alex. Isaac Okoro aux Cavs. Je suis content qu'ils aient fait ça, je trouve ça bien. Ou Killian Hayes aux Pistons, monsieur Simon. Ouais, Hayes aux Pistons, c'est bien, c'est très bien pour lui. Bon, c'est évidemment, en tant que fan des Kings, le fait que Haliburton est glissé jusqu'en 12 et très satisfaisant. Tu m'étonnes. Moi, j'aime bien Obi Toppin au Knicks parce qu'en fait, il y a plein d'équipes où tu vois, les Cavs, clairement, on a vu. Enfin, les gens ne voulaient pas trop. Et au Knicks, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'Obi Toppin. Bien sûr. J'ai vu ça dans le chat et j'ai vérifié. Effectivement, il est né à. En plus, il est né dans. Bah, il est né à New York, quoi. Ouais. Ah, c'est un kid Dream Come True, ouais, pour lui. Ouais, et Obi Toppin au Knicks, je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc, je trouve. T'aimes bien. Dans la narration, c'est un truc qui te plaît. Ben non, mais en plus, on va voir avec Randle et tout, mais il est vite. C'est un mec qui peut tourner franchement à 17-18 points l'an prochain. Hein. Ah oui, bien sûr. Il est efficace, quoi. Sûr. Il est vraiment efficace hein, en il attaque. Il est bon, hein. Il score dans toutes les positions. Il peut rentrer dans la discussion du rookie de l'année assez rapidement, ouais, c'est clair. Faut avouer, franchement, Obi Toppin au Knicks, c'est pas mal parce que les Knicks, on savait pas ce qu'ils allaient faire. Obi Toppin, tu vois, c'était. Ouais. C'est bien tombé pour les deux, quoi. Pour les deux parties. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je te suis sur Obi Toppin. Je te suis évidemment sur Isaac Okoro aussi, très très bon choix. Mais je peut-être que je suis fou, mais je n'arrive pas à croire que Tyrese Haliburton soit sorti. Attention, c'est l'heure de la breaking news. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Magic, nous avons donc l'officialisation du transfert dont on parlait tout à l'heure, le Vosges qui nous annonce donc que Minnesota va acquérir Ricky Rubio, le pick 25 et le pick 28 pour un package qui inclut le pick 17. Donc le 17, c'est le Thunder maintenant. Donc je te laisse faire la modif évidemment. Voilà, et moi je vais intégrer Simon. On a donc le retour de Ricky Rubio pendant qu'on fait de la petite modif. C'est cool. Attends, franchement, le c'est 17, cool. C'est le Thunder et tu m'as dit le 25 et le 28. Hein, tout à fait. Les Wolves, 25 et 28, tu inverses avec les Wolves. Ouais, ouais, ok, ça roule. Mon cher Simon, que penses-tu de tout ça? Cette triplette dont parlait Alex tout à l'heure, le côté qu'on est du D'Angelo Russell, Ricky Rubio, Anthony Edwards. Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'hésitation en 1. Est-ce que tu prends la Melo Ball pour avoir un créateur en plus et tout? C'est compliqué. Putain, ils s'en sortent bien. Ils sortent de cette soirée avec Edwards. Super.
Super les Wolves. Rubio qui connaît la maison, qui est un joueur en plus qui a été quand même assez. Bah, c'est ses débuts et tout, tu vois. Il y avait un côté. C'était un peu le petit prince de Minnesota, quoi, qui est drafté haut. Bien sûr. La franchise lui avait fait confiance, on se rappelle de lui et tout, qui était vraiment gamin, qui venait de débarquer d'Europe et tout. Il file pas de joueur, là. Le Thunder. Ouais. Et vas-y, Simon, juste, j'arrive, Alex. Non, non, bah franchement, les fans des Wolves doivent être refaits, là, je pense à eux. Ouais. Parce que tu sors de cette draft. Non seulement tu récupères Rubio, donc que tu as déjà vu jouer, et pour pas mal de fans des Wolves, c'était un petit peu un crève-cœur son départ, parce qu'il est très attachant, tu vois, Rubio. Ouais. Anthony Edwards, c'est peut-être quand même le joueur le plus électrisant de cette draft, donc non, c'est super. C'est une très très bonne acquisition pour eux. Alex, ouais. Tu en parlais, tu posais la question à l'instant. En gros, le Thunder envoie Ricky Rubio, mais ne prend pas de joueur aux Wolves. Non mais alors ça unload du salaire aussi côté Thunder. Certainement, juste sur le wording, puisque tu posais la question, c'est intéressant. Ils disent que c'est pour un package qui inclut le pick 17. Donc à voir ce qui va peut-être arriver comme d'autres news d'ici quelques secondes venant du Woj. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas que le pick 17. Il y aura peut-être d'autres petits garçons qui devraient venir. Le côté compétitif des Wolves. Ouais, il y a forcément un joueur parce qu'en termes de salaire, Il faut que je pense pas que les Wolves puissent encaisser le salaire de Rubio. Alors, qui est quand même à 17 ou un truc comme ça. C'est le contrat que les Suns si on fait signer. Je crois qu'il y en reste deux saisons à 17. Ouais. Il y aura notamment cette interrogation autour de James Johnson. Je crois qu'il y a une player option. Un des points qui est intéressant dont vous parliez là avec le côté backcourt de Minnesota, on en parlait tout à l'heure avec la sélection d'Anthony Edwards. Il y a de la hype, ça s'est coché. Tu as envie d'être compétitif. On a vu ce que Ricky Rubio a apporté à Utah puis à Phoenix. D'avoir ce garçon qui arrive et qui dit « Dilo, Anthony Edwards, voilà comment ça va se passer. » Il y avait besoin d'un vétéran. Ricky a eu besoin d'un vétéran à ses débuts à Minnesota, il n'en a pas eu. Cette fois, c'est marrant, la boucle est bouclée. C'est lui qui va jouer le Dirlo un petit peu dans le groupe de Ryan Saunders. Ça, c'est et bon. Puis tu peux même imaginer que Rubio commence les matchs avec Dilo et qu'Anthony Edwards regarde ça un peu du banc au tout début. Je ne dis pas toute la saison, mais tu vois, les 15 premiers matchs pour vraiment comprendre encore un peu plus ce qui se passe depuis le banc et rentrer. Franchement, Minnesota, là, c'est une belle soirée pour eux. Pour le moment, magnifique, ça se passe très très bien. Je suis d'accord. Alex, que je vois qu'il note deux trois petites choses. Avant de te filer la parole, je remonte juste le tableau puisqu'on était sur de la breaking news. Le voici, on a Orlando qui va être justement on the clock. Ils y sont, ils vont devoir faire leur pick. T'avais quelque chose à ajouter ou je te tends la perche sur Orlando? J'étais en train de me poser la question de ce qu'allait faire Orlando du coup. Parce que Simon le disait très justement tout à l'heure, ça devait cibler très fort Kyra Lewis. J'ai l'impression que du coup... ça se joue entre Cole Anthony et Tyrese Maxey. Oui. Et vu le profil des deux, je pencherais plus pour Cole Anthony, qui est un vrai meneur pur, créateur, distributeur de jeu, transition, jeu rapide. Enfin, ce qui manque à Orlando. Talent offensif. Ce qu'on leur a beaucoup, on les a beaucoup critiqués pour ça la saison dernière, ce manque de possibilités de création offensive. Donc, même si je pense que Tyrese Maxey présente plus de polyvalence que Cole Anthony, bien sûr, je dirais Cole Anthony. On va voir ce qui se passe justement avec Orlando. N'oublions pas évidemment le hashtag qui fait mal parce que pour certains, c'est tous les ans un petit peu la question. C'est le hashtag évidemment Kid from Kentucky. On l'avait vu avec par le passé des garçons comme Devin Booker, comme Tyler Hero, des garçons qui dans le système Calipari sont pas forcément les plus gros producteurs de stats, mais qui par contre étant bien formés débarquent en NBA et sont forts. Est-ce que Tyrese Maxey selon vous peut rentrer dans cette figure là ou est-ce que c'est autre chose qui va se passer? Avant ça, on a quand même Orlando qui va faire son pick. Et ben waouh, Cole Anthony à Orlando, logique. Le bon pic, c'est bien. Oh, je suis fan. Alors qu'il y a Spike Lee qui est là. Ouais. Avec Cole Anthony, avec Greg Anthony. Bah oui. Alors oui, on explique pourquoi son père Greg Anthony était meneur des Knicks quand meneur Spike Lee. Meneur des Knicks, tout à fait. Dans la décennie des années 90. Ouais. Bien sûr. Greg Anthony. Petite faux photo. D'où la connexion avec Spike Lee, enfin j'imagine. Oui. Se fait par le papa. Bah notamment ça, oui. Et membre de l'équipe, comme on le voit, de la grande équipe championne en NCAA, UNLV, les Running Rebels. Hyper content pour Orlando. Cole Anthony, peut-être pas au niveau de la Melo Ball et tout, mais c'est un joueur très connu aux États-Unis des spécialistes de basket parce que il a eu une hype de fou. Bah, évidemment, c'est le fils d'un ancien joueur NBA, mais il est suivi depuis quasiment depuis son adolescence. À un moment, Simon, il était dans le top 5 de la draft. Ah, mais il était top 3, il était top 3, tout à fait. Avant la saison universitaire, avant que la fac commence, il était unanimement considéré comme le meilleur meneur de son âge, quoi. Bien sûr, ça faisait quelques mois qu'on voyait Cole Anthony en termes de talent, qu'on l'avait vu notamment évoluer à North Carolina. Le premier match de Cole Anthony à North Carolina, il est disponible sur YouTube, que vous soyez fan d'Orlando ou non.
allez regarder cette merveille. C'est tout le potentiel de Cole Anthony. Évidemment, après, ça a été un peu plus compliqué. Des blessures, une saison qui est interrompue. Il y a des interrogations parce qu'on se dit, c'est quoi ? Est-ce que c'est un talent intergénérationnel ou est-ce qu'on est sur Austin Rivers 2.0 ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu en parlais tout à l'heure, Alex. Besoin de talent, de dynamique, de scoring. John Hammond, on est sur Mo Bamba, Jonathan Isaac, Cole Anthony. Nos disrespects envers Vucevic, Evan Fournier, Terrence France, etc. Mais s'il y a une transition qui s'opère, il a posé les bases. Exactement. Ouais. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Orlando est toujours un peu un candidat dans la course à Westbrook ou est-ce que Cole Anthony, ça ne change rien pour ce genre de cas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Puisqu'il y a eu des bouts de rumeurs où ils disaient oui, avec le contrat d'Aaron Gordon, on y met celui d'Evan Fournier, puis on peut avoir Russell Westbrook, tu vois, ce genre de trucs-là. Est-ce que Cole Anthony change la donne à ce niveau ou pas ? C'est une question. Je sais pas, alors que là, ça chiale fort. Mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air plutôt d'être partis dans cette direction-là. Par contre, tout à fait, là, ce que tu soulignes, il va y avoir des vraies interrogations sur la saison là d'Evan Fournier, qui est donc sa dernière contractuelle. Il vient de prendre sa player option. Ouais. Et ça fait combien de mois qu'on parle de Aaron Gordon qui est sur le marché des transferts, donc du gros mouvement. Combien d'années ? Ah ouais, exactement. À mon avis, il va y avoir du très très gros mouvement à Orlando sur les prochains mois. Moi, je pense aussi. Je pense que John Hammond, il n'est pas venu là juste pour drafter Cole Anthony. Franchement, je ne crois pas. Simon, ton retour là-dessus ? Non, je suis d'accord avec vous. Là. Effectivement, tu sens que ça y est, tu peux tourner la page à Orlando. Tu as assez de jeunes pour dire à Fournier et Vucevic, bah désolé, mais tout doucement, on va laisser la place aux jeunes. Donc après, à vous de voir, vous avez le temps, mais commencez à réfléchir à votre prochaine équipe. C'est ça. Sur le papier, même si Isaac s'est blessé, Cole Anthony, Isaac, Bamba, Markel Fultz, etc., c'est bien. Ça fait une tout bonne base. Moi, j'aime beaucoup Cole Anthony. C'est une espèce de... Je ne sais pas pourquoi, mais il me rappelle un poil Malcolm Brogdon en plus speed. Mais alors, il a ce profil S'il a la propreté dans le jeu de Malcolm Brogdon, c'est un All-Star. Il ne l'a pas encore, mais il a quelque chose qui tire du mal. J'aime bien, moi. Cole Anthony, s'il joue propre, les gars, attention. Ouais. C'est terminé, ouais, tout à fait. Non, mais je vois la compa, notamment dans le tu côté dynamique, tonique sur ses deux jambes, balle en main, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a ça. Et je pense que DJ Augustine, mine de rien, c'est pas si mal en mentor parce que DJ Augustine, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas un énorme talent, mais qui justement sait que toutes les petites choses font la diff à haut niveau. Tout à fait. Il va pouvoir dire à Cole Anthony, bah, tu vois, si moi je joue en NBA depuis 1981, je sais pas combien, là, 98 ou j'en sais rien, DJ Augustine, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Ouais. Mais ça va servir à Cole Anthony, ça. Je me permets pour ajouter par rapport à ce que tu dis, Simon, là, parce qu'après, on va devoir parler des Pistons qui sont on the clock. Ils ont un nouveau pick parce qu'il y a eu du transfert. Et après leur pick 7, Kylian Hayes, voyons voir ce que va donner les Pistons. Je me permets, no disrespect envers Vucevic, mais surtout entre Evan Fournier, Terrence Ross, etc. D'ici un an et même quelques mois, je ne serais pas étonné que Cole Anthony soit la menace offensive la plus talentueuse d'Orlando. On a Portland qui est on the clock, mais évidemment, là, même si le logo de Portland, ce sont les Pistons qui vont nous prendre. Moi, j'espère ça dit que Isaiah Stewart. Ah, ok. Alors, c'est très haut. Ouais, c'est très haut. Le pivot là, le. Ouais, le gros muscle de Washington. Le pivot. C'est vraiment un physique incroyable. C'est un des plus gros Golgoth, ouais, tout à fait, de la draft. Isaiah Stewart, que certains avaient pu voir du côté de Washington, à l'université de Washington. Il représente la Jamaïque. On a Kylian Hayes, poste meneur. On a Isaiah Stewart. Pivot, meneur, Troy Weaver, on a les bases, le nouveau GM. Pivot, meneur, t'as toujours Blake Griffin, t'as du Sekou, t'as du Troy Brown. Non, Troy Brown, c'est à Washington. C'est à Washington. Comment il s'appelle Bruce Brown. Non. Ouais, mais il est parti honnête. Transfert honnête, autant pour moi. Ils ont plus rien dans l'aile. D'ailleurs, c'était tout court. Ils ont Luke Kennard et Mihaly Tchouk. Luke Kennard, c'est pas un allié. Luke Kennard, si Luke Kennard, c'est un allié, moi je suis pivot. Tout à fait. Hein bah, Jalen Smith. Bah, Alex. Oui, t'allais dire, Simon. Non, mais du coup, oui, Alex, t'es pivot là-dedans. Bien sûr que je suis pivot là-dedans. Non, je suis surpris quand même, c'est très haut, moi, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu. Et je suis surtout surpris quand il y a un mec comme Sadiq Bey encore dispo, qui me paraît quand même tout de suite pour Détroit pouvoir Détroit, produire. Quand même. Ouais, je suis un peu surpris là, moi. Mm-hmm. Putain, ça va finir à Dallas, ça va me casser les couilles. Okay. Ça m'énerve, moi aussi, ça. Sadiq Bey? Mais ne tendez pas des perches à des GM comme... Regardez, il y a Sean Marks, Pat Riley et Donnie Nelson à la suite. Là. Parce que là, vous y trompez pas. Hein. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Adam Silver va annoncer avec le pick 17, les Wolves... Enfin, d'abord, les Pistons, ça vient de choisir Isaiah Stewart. Les Wolves vont prendre un tel, mais c'est pour le Thunder. Tout à fait. Là. Donc... On peut s'intéresser aussi, qu'est-ce que le Thunder va commander aux Wolves, là, en 17?
les rumeurs. Bon, évidemment, on connaît la formule Thunder. Hein. Gros talent et on développe au maximum. On prend celui le plus raw. Hein, on a vu Sadiq Bey. Ils peuvent le prendre devant les Mavs. Hein. Tout à fait. Les plus grosses rumeurs, elles ont été autour de Pokuševski parce qu'il y a des relations entre notamment le management et l'agent, je crois, de Alexei depuis quelques mois. Et puis, c'est typiquement un pick à la Thunder où en fait, le mec le développe et dans 3 ans, tu te retrouves avec une licorne. Donc là, c'est vraiment Steven Adams. Ah bah alors là, attention. Ciao mon pote. Ouais, je pense que c'est... D'accord. Ouais. Je pense que ça peut être un peu compliqué pour eux s'ils prennent un pivot. Simon ? Ouais, après, pas de détails. Pardon, Simon. Kuzevski, pour moi, c'est une licorne, mais dans pas tout de suite, quoi. Ah ouais, non, ça, je suis d'accord. Pas tout de suite. On a toujours pas de détails s'il y a un joueur qui vient de Minnesota en échange de Rubio ? Non, dans le package, moi, j'ai rien. Okay. Tu disais, Simon ? Non, c'est tout. J'ai pas. Non, je regardais qui est encore dispo. Oui, j'ai montré le gros tableau. Sadiq Bey. Ouais. Je te l'ai peut-être pas actualisé. Il bouge pas, j'arrive. Vas-y, fais-toi un kiff. Il y a Isaiah Stewart qui a donc rejoint les Pistons. Kuzevski. Et Cole Anthony chez les. Chez Magic. Ça, Isaiah Stewart. Je pensais pas l'écrire déjà. Moi. Isaiah avec un. Je te l'épelle si tu veux. Non, c'est bon. C'est Isaiah. Exactement. C'est Isaiah. C'est les Isaiah nouvelle génération. Isaiah. Ouais, j'ai même pas mis le Magic non plus. Tiens, attends, j'arrive. Juste oui, par rapport au Thunder, donc il y a toutes ces rumeurs. On va voir ce qu'ils vont sélectionner justement. Mais on fait confiance comme d'hab à Sam Presti. Ouais. On a eu déjà des pics par le passé de Casey qui se sont bien développés. Et bah voilà. Alexei Pokuševski. Et bah ça y est, ça part. Regardez, il est magnifique. Il est avec toute la MIF. Il est à Athènes. Parce qu'il jouait donc à l'Olympiakos l'année dernière. Et Poku qui va rejoindre le Thunder. Ça fait donc, comme tu le disais Alex, Al Horford, Steven Adams et Pokuševski dans la même raquette. Va falloir faire un choix. Ah bah là, à un moment donné, genre là, tu as envie de virer Adams pour avoir Al Horford en mentor de Pokuševski. On va pas se mentir. Oui. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Oh. Ouais, Vosges. Qu'est-ce qu'il dit le Vosges ? Qu'est-ce qu'il dit ? Les Clippers transfèrent Landry Shamet aux Nets. Pour drafter en 19. Landry Shamet aux Nets. Allez. Ça, c'est pour mettre dans le package pour avoir James Harden, ça. Ça va aux Rockets, ça. Ou pour booster la ligne arrière des Nets en sortie de banque qui ont un nouveau score. Je te dis que ça va aux Rockets, ça, Landry Shamet. Attention, on va voir. C'est la breaking news, on va vous la mettre, mais incroyable. Landry Shamet, qu'est-ce que tu en penses, Simon, pendant que je fais de la tech ? Franchement, je suis pas fan, mais bon, ils l'ont transparent. Moi, j'aurais attendu de voir si je pouvais avoir Sadiq Bey, parce que les Nets, ils ont pas de vrai poste 4 pur. Ils sont, bon, apparemment, ils sont branchés Durant, avec Ibaka. Kevin Durant, quand même, Simon ? Ah, c'est un... Oui, il joue 4, mais... non, bien sûr, il joue 4. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, par exemple, on leur prête l'intention de recruter Ibaka. C'est un 5, pas, Ibaka, mais... c'est un pivot. Ouais, maintenant c'est un pivot. Aujourd'hui, mais... Enfin bref, moi j'aurais gardé le pick 19 pour prendre Sadiq Bey, enfin pour voir si je pouvais prendre Sadiq Bey. Non, mais je comprends parce ce que tu dis, tout à Sadiq fait. Sadiq Bey au Nets en 19, c'est style pour moi. C'était un style. Oui. Du coup, lâcher le pick sans savoir si. Mais bon, peut-être qu'ils sont battés les couilles, qu'ils ont un autre truc de prévu, un autre move. Peut-être qu'ils adorent Landry Shamet. Je suis pas hyper fan de Landry Shamet dans le sens où c'est un très bon shooter, il a un poignet et tout, mais c'est le genre de profil quand t'es contender que tu peux. Trouver plus facilement qu'en lâchant ton pick de draft au premier tour, quand même. J'entends tout à fait. Maintenant, ce qui m'étonne quand même pas mal, alors, il y en a certains qui disent que c'est un trade à 3. J'ai l'impression que ça se passe à plusieurs. Oui, tout à fait. Donc, il faut que je remette un petit coup d'alarme. Bon, mais je mets le pick 19 aux Clippers ou pas ? Alors, oui. Les Clippers, ils envoient le pick 19 à Brooklyn. Non, le pick 19 de Brooklyn va aux Clippers. Non, excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. Ouais, il faut voir là. Les Clippers, ils vont envoyer le pick 19 aux Pistons. D'accord. Bah non. Et ils vont recevoir Luke Kennard, pendant que les Nets reçoivent Landry Shamet. Donc le pick 19, c'est les Pistons qu'ils choisissent. Exactement. Troisième pick des Pistons dans ce premier tour. Yes, sir. Alors qu'on a les Mavs qui sont on the clock, on va pouvoir donner les infos juste. Les Mavs, ils draftent Josh Green. C'est joueur beau, ça, hyper bon, hyper cérébral, j'adore. Pareil, un j'adore peu ce haut, pic. Ça, non hein ouais, c'était dans le range très très haut, là, en effet, par rapport à ce qui était mentionné, puisqu'il était plutôt attendu pick 20. J'aime c'est beaucoup. Quoi, c'est un arrière, un ailier, ça. C'est ça, c'est arrière, capable tout de suite de contribuer sur les lignes extérieures de Dallas. Donc, joueur hyper intéressant, cérébral. Demain, ça joue les playoffs. Josh Green, tu peux lui donner des minutes. Pas de Sadiq Bey, pas de Tyrese Maxey, pas de gars comme ça. Hein. Non. Ça sort pas, la Dallas se met pas dessus. Tout à fait. Pas d'RJ Hampton non plus, qui était quand même attendu beaucoup plus haut que ça. Hein.
Ah, là, ouais, pour le coup, on commence à être bas pour RJ Hampton. Hein, bien sûr. Je trouve. Hein. À cause du direct, évidemment, on est obligé de revenir sur quand même cet élément parce qu'on a été un petit peu vite. On a parlé du pic de Dallas là à l'instant. Messieurs, reparlons quand même de ce qui vient de se passer là avec ce transfert. Et messieurs, dames qui sont avec nous, on va vous remontrer juste le gros tableau encore une fois avec ce qui se passe puisqu'on a eu là les pics 16, 17 et 18 avec donc Isaiah Stewart, Alexei Pokusevski et Josh Green. Voilà ce qui s'est passé. Discutons maintenant quand même de ce transfert. Tu venais d'en parler, tu demandais sur une ligne extérieure qu'est-ce qu'on avait ou sur les ailes. Luke Kennard, eh ben, il est plus à Détroit, direction donc les Clippers. Intéressant pour les Clippers qui se posaient peut-être des questions sur Landry Shamet. Messieurs, je balance un petit peu le pavé. Landry Shamet, il était quand même titulaire chez les Clippers, si je ne dis pas de bêtises. Et il était titulaire, mais il n'avait pas forcément tant de jeu tous les soirs d'un titulaire. Il était important, titulaire pas si souvent que ça. Mais... Enfin, il a été titulaire, mais il était assez important. Ouais, joueur important. Pourquoi tu prends Luke Kennard? Ça peut être des histoires contractuelles aussi. Hein. Balle en main, Luke Kennard est un petit peu plus compétent que Landry Shamet. Luke Kennard peut se déplacer, on va dire. Shamet, ça bouge pas. Hein. Shamet, ça prend la balle là où c'est, ça bouge pas. Ça joue tout, ça la redonne. Sur le plan sportif, je suis d'accord. Faut regarder, je vais regarder tout de suite. C'est assez intéressant pour nos amis, évidemment, de Brooklyn parce qu'ils ont récupéré un sniper, donc on continue l'armement, alors que là on voit Steve Nash à l'écran, on continue l'armement offensif parce que on avait déjà Kyrie, on a déjà KD, on va voir toutes les blagues notamment qu'a fait Alex et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que Landry Shamet il va porter le maillot des Nets ou est-ce qu'il va être dans un futur trade à Houston? C'est à voir. Ce qui est sûr et certain par contre, c'est que du côté des Clippers on prend un vrai risque parce qu'on fait un transfert avec un joueur qui était quand même, en tout cas qui avait un bon temps de jeu dans la rotation de Doc Rivers. Maintenant c'est Tyronn Lue. Est-ce que c'est aussi des décisions qui ont été prises avec le nouvel entraîneur des Clippers? Détroit récupère un troisième pick, comme tu le disais, dans cette draft 2020. Ça charbonne du côté de Troy Weaver. Il a pris Killian Hayes, son meneur. Il a pris Isaiah Stewart, un pivot. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il prend Sadiq Bey là? Ah bah alors là, s'il fait ça, c'est jackpot. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Bah, je sais pas, moi ça fait 4 picks que j'attends Sadiq Bey, donc je vais pas changer maintenant. Ou alors il prend Tyrese Maxey. Ou il prend RJ Hampton. C'est qu'un petit combo garde, tu viens de lâcher Kennard. Quand même, là-dessus, on est sur le pick. Je suis déçu, moi, que les Nets piquent pas, et je trouve quand même qu'un lâcher un pick 20 en 7 draps, et du coup, effectivement, potentiellement Sadiq Bey, Maxey et tout, pour Landry Shamet. Landry Shamet, alors... c'est dans le package pour Houston, ça, les gars. Alors bon, on va voir parce que je sais que tu veux troller là-dessus, mais non, mais il a pas, il a peut-être pas tort. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il peut y avoir ce scénario. N'oublions pas quand même que Landry Shamet, on l'avait vu lors de sa première saison avec les Clippers. C'est un bon joueur. Quand même, hein. Lorsqu'il est question de poser ses couilles sur la table et contribuer dans une équipe demain, les Nets sont en demi-finale de la conférence Est. Ouais. Il peut prendre des tirs. Il débarre le match sans froid. C'est-à-dire que tu peux avoir Kyrie Irving, Landry Shamet, Caris LeVert, Kevin Durant, Jarrett Allen. Putain, c'est possible. Et puis ça montre peut-être un peu aussi pour ceux qui pensent que le trade d'Harden est déjà acté. En tout cas, ça montre que les Nets n'ont pas le temps puisqu'ils prennent des joueurs. Bon, ils ne l'avaient déjà pas beaucoup de toute façon sans Harden, ou on verra si Harden vient. Mais c'est vrai que tu es dans le « nous, on est compétitifs tout de suite, développer Sadiq Bey ou je sais pas quoi, on laisse ça aux autres ». On prend Bruce Brown, qui est quand même un défenseur très efficace en rotation poste 2. Ouais. On prend des role-players et ça, c'est le signe d'une équipe qui joue le titre. On prend des mecs qui font un truc très bien, très précis. Des besoins précis. C'est des vrais role-players. Shamet, c'est du shoot, du spacing, du shoot. Non, c'est clair. Brown, c'est de la défense, de la concentration. Tu vois le gros attaquant extérieur, là, vas-y. C'est ça, Brown? Oui. Simon, tu disais? Non, et puis Bruce Brown, c'est de l'énergie, de la défense extérieure, du hustle, etc. Tu sais pourquoi tu les fais rentrer. Donc, tu as deux profils très différents que tu peux faire rentrer là en deux. Tu vois, le shooter, le chien de garde. Des missions, quoi. Ils ont des missions. C'est ça. En attendant, juste, messieurs, le pic des Pistons qui sont donc en 19 on the clock et on va voir ce qu'ils vont faire. J'avais posé tout à l'heure la question de la satisfaction du pic. Je vous remonte le gros tableau. Je pose la question aussi à tous ceux qui sont soit avec nous en replay ou soit évidemment en live et on vous fait la bise. Le pic qui vous, entre guillemets, déçoit le plus jusqu'ici? Alex, je te laisse parler le premier. Alex, malheureusement. Je suis imbattable, non? En 10, on a pris un pivot qui n'était même pas attendu dans le top 20, qui est un remplaçant d'un pivot qui est destiné clairement, DeAndre Ayton, à être titulaire indiscutable, une bonne grosse trentaine de minutes par match minimum, qui va avoir plein de ballons. Alors, j'entends le côté grand, long,
et qui shoote. Donc c'est intéressant d'avoir ça en sortie de banc. Je pense que c'est quand même un pic décevant. C'est quand même décevant de prendre ça en 10. Je suis désolé pour la deuxième année de suite. Je dis pas que c'est pas un bon joueur. Je dis juste que voilà quoi. D'où c'est un top 10 de draft, Jalen Smith quoi. C'est un peu ça la phrase qui fait mal. Toi Simon, ton avis? C'est pas pour te taquiner, Bastien, mais que l'Academy Spurs n'est ah, pris ouais. un mec. Ah ouais, c'est un peu décevant Vassell parce que il est bon, hein, mais c'est un joueur que tu peux voir partout, tu sais déjà ce qu'il va faire et tout, mais le côté laboratoire, Academy, science du jeu des Spurs, t'avais envie de voir un joueur plus. Un truc plus à polir, un diamant plus talentueux. Je pense évidemment à Liberton, tu vois. Que t'as... Et puis, moi j'avoue que le. Ah, j'ai déjà oublié son nom, mais le pivot tanké. Isaiah Stewart? Ouais, en 16, il y avait peut-être mieux à faire. Aux Pistons ah, faut pas, voir ce qu'il donne voir. Celui-là. Hein. Nous avons donc les Nets qui sont on the clock. C'est quand même un physique incroyable. Que vont faire les Pistons? Killian Hayes, Isaiah Stewart et le troisième pick. Oh là là, Sadiq Bey aux Pistons. À la masterclass de Troy Weaver. Alors là, franchement, pour la première draft du nouveau General Manager de Détroit, très très fort, on a le poste 1, Killian Hayes, qui débarque. On avait besoin de muscles à l'intérieur parce que Tonemaker, lol. On a Isaiah Stewart qui arrive et on avait besoin de polyvalence sur les ailes. Sadiq Bey, Villanova, du joueur intelligent, du joueur défensif. C'est vachement bien. Franchement, les Pistons, chapeau bas. Simon, réaction? Non, bah c'est qu'ils voulaient vraiment Stewart parce qu'ils auraient pu prendre Bey avant et Stewart en 19 sans que personne leur vole. Ils ont peut-être eu peur d'OKC ou Dallas derrière eux. Et au final, je retire ce que j'ai dit. Détroit n'est pas du tout décevant, même en prenant Stewart en 16, puisqu'au final, ils auraient pu prendre en 19, là, ça me dérange moins. C'était le fait d'avoir laissé passer Sadiq Bey quand une équipe comme Détroit. Donc là, très ils belle l'ont. Soirée, les Pistons. Super, super. Alex, toi, très belle soirée, les Pistons. Ouais, justement, là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une équipe que j'aime particulièrement. Une French Connection. Un gros pivot, on va voir ce qu'il donne, mais il a des attributs physiques qui peuvent lui donner un avenir de basketteur. Sadiq Bey, un ailier à développer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Quoi, c'est un 4, quoi, Sadiq Bey, hein, je pense, en NBA moderne. Il peut jouer 3-4. Ouais, mais surtout 4, je pense. Après, on verra comment il se comporte en 3, s'il y joue. C'est une belle soirée, comme tu l'as dit, Troy Weaver, là... Petite masterclass, hein. Ah, ça démarre très très petite fort. Petite masterclass de draft. Après, les masterclass de draft, il faut savoir les transformer. Bien sûr. Il faut savoir développer les joueurs. Il va falloir que, quand même, hein, Dwayne Casey prenne conscience de ça et travaille les jeunes. Ça n'a pas toujours été son point fort à Dwayne Casey. Faire jouer et développer les jeunes, attention. Bah, par le passé à Toronto, il a été capable de le faire. Tiaf. Justement, moi bah, ça allait pas. Ouais, mais c'est, je sais pas, on verra, mais c'est pas qu'il sait pas le faire, hein. C'est peut-être qu'il avait pas les joueurs qu'il fallait, donc on va voir. Mais non, vraiment, vraiment bien, belle soirée des Pistons. J'ai l'impression que c'est une des équipes en tout cas qui a le plus de félicitations sur le chat et pareil sur les réseaux sociaux. Oh. Messieurs, attention, et messieurs, dames qui sommes avec nous évidemment sur le chat, vous la voyez la fléchette, malheureusement le bras est beaucoup trop court là pour Simon, même si ouais, je le vois là, je vois ton poignet, il est quasiment en pic 38. Le hit est on the clock. Et attention Miami. Qu'est-ce qu'ils vont faire Regardons par le passé. Bam Adebayo en sortie de top 10. Tyler Herro en sortie de top 10. En attendant de voir ce qui va se passer avec Casey Okpala, qui a été drafté aussi l'année dernière et a développé. Dès qu'il est question d'avoir une pépite, il n'y a pas Trailey qui se présente. Quels sont les noms là encore disponibles qu'on peut aller chercher? RJ Hampton. Comment ils draftent là? Eux, ils draftent au fit quand même pas mal parce qu'eux, ils sont allés en finale NBA là. Donc Toutes les rumeurs, c'était un pivot. Ah bon? Toutes les rumeurs, c'était un pivot parce qu'il y a aucune assurance derrière Bam Adebayo. Parce que juste, dernier détail, Meyers et Leonard, il est agent libre. Enfin, et Olynyk, il a une player option et c'est compliqué de savoir ce qu'il va faire. Donc plutôt un pivot, Precious Achiuwa, j'y crois. RJ Hampton ou Tyrese Maxey, c'est pas des choix envisageables côté Miami, ah, si, ça. Si, Maxey, hein. Oh là là. Maxey développé par Spoelstra, ça me Moi, je veux bien regarder ça. Hein. Ça chier. À côté de Butler, là. Ils vont prendre Achiuwa, ils vont avoir Montrezl, ça va me casser à les couilles. À côté de Butler. C'est sûr. Achiuwa, c'est Montrezl, t'as raison, c'est trop ça. Et Tyrese Maxey. Tyrese Maxey. Tu sais que c'est un petit Marcus Smart en puissance, lui. Ouais. Genre 2. Simon, t'en penses quoi? Tu penses que Miami va faire quoi? Ouais, je réfléchis, il y a les noms là. Moi, j'ajouterais celui de Desmond Bane qui pourrait être très intéressant aussi dans le basket de Miami. Pas faux. De ouf. Un peu haut quand même. Ouais, parce que t'as d'autres joueurs meilleurs. Peut-être Achiuwa en remplaçant d'Adebayo, voire dans certains. Non, les associés, c'est Zeke dur. Zeke Nagy mais... Pardon. Pardon
Zeke Nagy aussi qui a été pas mal mentionné chez les secteurs intérieurs. Oui, Alex, t'allais dire. Petite précision, juste vite fait. Il y a Rodney McGruder aussi qui part des Clippers dans le deal à 3 avec les Pistons et les Nets. Ah. Rodney McGruder, il va aux Pistons. Bah putain. Ah ouais. Wow. Voilà, voilà. Troy Weaver, là, c'est... Oh là là, Troy Weaver. Attention. C'est le nouveau... les bases. C'est le nouveau Patrail et l'autre. Bah, il a bossé avec Sam Presti. Il démarre avec un pic. Il finit avec 3 pics. Regarde mes mains. Ouais. Hop, 5 majeurs. Hey, franchement, c'est fort. Bien joué. Et bien attention, joué. Parce que ça veut dire que Blake Griffin, d'ici quelques semaines, ça pourrait aussi partir. On a donc le hit on the clock. Simon, tu nous disais, toi, tu verrais plutôt quoi comme type de joueur? Moi, je trouve qu'R.J. Hampton, c'est tentant, là. Même si, ok, pivot, Achiuwa en remplaçant R.J. Hampton, si tu sais, si jamais avec Dragic, tu ne t'entends pas, faudrait savoir ça, en fait. Mais R.J. Hampton à Miami... Maledon? Non, trop. Je pense. Ok. Je pense. Puis encore Tyrese Maxey et R.J. Hampton, c'est en plus. C'est R.J. Hampton sur la même... J'avoue. Sur la ligne. Sinon, pivot remplaçant, sinon R.J. Hampton, sinon ouais, Desmond Bane. Non, on va voir, je remonte juste le gros moi, tableau. Moi, je dis Tyrese Maxey. Moi, je dis Prichard. Perso. Le hit est on the clock, justement, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez. Pat Riley, lorsqu'il sort du top 10 de la draft, il peut toujours nous trouver des pépites. Il faut rentrer dans un seul modèle d'identité, vous le savez. Ça joue dur, ça joue fort, ça donne son corps pour la science et pour le maillot avec le nom devant, pas derrière. Il faut jouer collectif. Le hit qui a surpris tout le monde, évidemment, en allant en finale NBA 2020. Ça, ceux qui l'ont pronostiqué, lol. On est quand même sur une franchise qui a retourné le game sur cette bulle d'Orlando. Sachant que tu as déjà plusieurs bons roleplayers jeunes. Tout à fait. Tyler Herro, Duncan Robinson. Bien sûr. Tu as quand même plusieurs mecs. Hein. Je me permets juste la petite minute parce qu'il faut la mettre dans n'importe quelle émission qui va être faite avec le hit sur les 12 prochains mois ou peut-être les 8 prochains. Tu t'occupes pas trop du poste 4 parce que tu mises tout sur Giannis? Peut-être. Mais je pense pas. Je pense que c'est un souci et c'est peut-être pour ça que tu as peut-être raison. Un Precious Achiuwa, ça peut peut-être les intéresser. Maintenant, ils ont aussi le cas Dragic à gérer. Hein. Tiens, Vlad Adam Silver. Simon, après, je vais te filer la parole. On a Adam Silver qui est on the clock. Le 8. Ah, les bâtards. Ils ont pris Precious Achiuwa. Ah là là, mais c'était athlète. Sûr, ça me vénère les mecs qui tombent comme ça. Precious Achiuwa qui va donc à Miami rejoindre son range, hein, lui. Hein. Oui, tout à fait. Il va rejoindre la raquette de Bam Adebayo. Il était à Memphis l'année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, Precious Achiuwa est notamment un des plus grands bénéficiaires de la suspension qu'il y avait pour Wiseman, puisque ce n'était pas lui qui devait à la base faire la production qu'il a faite. Après, il en a bien profité pour taper du gros double-double, un des joueurs les plus toniques et productifs de la NCAA dans le secteur interne l'année dernière. Non, mais tu l'as comparé à Montrezl Harrell. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment de ça. Il y a de ça. Si pas voir l'évolution offensive de Montrezl Harrell, je pense que on n'a pas fini d'entendre parler. Putain, fait chier. Hein, parce que Montrezl Harrell, on a vu que avant c'était juste une pile électrique. Maintenant, c'est une pile électrique qui fout 18 points par match en sortie de banc. Et qui est sixième de l'année. Hein, voilà. Donc bon, mais oui, Precious Achiuwa, pile électrique, athlète, bondissant. Mon défenseur déjà. Eux seul au rebond. Hein, ouais. C'est eux seul Achiuwa. Ouais. Il a tellement la tronche du mec qui va tellement bien s'éclater avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. À l'entraînement du hit, les rebonds offensifs. Oh bah, va falloir se battre. Hein. Ah bah, va falloir se battre. Hein. Simon, ton avis? Non, mais bah, Miami était déjà pénible à jouer. Ils ont rajouté une espèce de. Un mec pénible, c'est clair. C'est trop ça. Ils sont pénibles. Ils rajoutent un mec pénible. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup parce que quand tu le vois jouer et tout, bah, il envoie du kiff en fait. C'est des grosses actions défensives, des gros dunks. Ouais, il y a du Montrezl Harrell. C'est ce genre de mec, quoi. C'est tout de suite de l'énergie dans ta raquette. Il a de la force en plus. Tu le vois en fait. Ouais, tout à fait. Tu le vois quand tu vois l'impact qu'il met dans les autres, enfin les autres joueurs quand ils viennent contre lui au contact et tout, tu vois qu'il est balèze de ouf. Tu vois les mecs un peu et il sert bien de son corps. Tu l'as dit, Bastien, il sait déjà très bien défendre. Ça a été mis en avant dans plein de profils qui ont été faits pour lui et sur lui un peu partout. C'est Moi, ça. J'avoue que j'en reviens sur le pic de Détroit, mais tu vois,
Masterclass de Détroit, mais mets-moi Precious à la place d'Isaiah Stewart en 16 avec Sadiq Bey et Killian. Là, il y a Masterclass plus, je trouve. Bah, mais je suis à peine d'accord, mon Simon. Ah ouais, parce que en fait, il y a déjà Blake Griffin, faut le trader. C'est un poste 4, Blake Griffin, t'es d'accord? Ouais. Ensuite, franchement, le vrai poste de Sekou en NBA, c'est 4. Mm-hmm. Ouais. Ensuite, Sadiq Bey. Moi, désolé, je trouve que c'est plus un 4 qu'un 3 en NBA. Mm-hmm. Après, il peut jouer 3. Donc, ouais, en fait, je trouve ça pas illogique de prendre un mec avec une envergure qui ferait rougir Rudy Gobert, tu vois, et des épaules qui feraient rougir Dwight Howard. Il y a un sens. Après, il faut voir quel genre de basketteur ça va être. Tout à fait. Mais j'aime bien. On the clock, mon cher Simon, pour rebondir là-dessus, nous avons les Sixers. Les Sixers de Daryl Morey. Ce n'est pas Elton Brand qui en prend la décision. On est sur une équipe de Philadelphie qui vient de faire un transfert pour récupérer Danny Green. On est sur une équipe de Philadelphie qui a besoin de talent en sortie de banc, de joueurs capables de faire des choses. Il y a du Tyrese Maxey disponible, il y a du RJ Hampton. On a toujours ce genre de garçon. On commence à entrer dans les ranges de Théo Maledon. On commence à entrer aussi dans les ranges de Bolmaro l'Argentin. Voir ce que ça peut donner. C'est quoi son poste à l'Argentin? Oh, on est sur un 1-3, quoi. C'est un point forward, c'est un meneur un peu grand, quoi. Mais d'accord, c'est pour ça que je demande, hein, parce que... Voyons voir ce qui peut se passer avec Philadelphie. Maxey. Bah ouais, moi je pense Maxey ou Hampton, mais Maxey il est plus différent de Ben Simmons. Il faisait jouer Shaq Milton à fond là. Maxey il a des minutes tout de suite à Philadelphie. Hein. Ouais. RJ Hampton aussi. Qui vont choper RJ Hampton. Ouais, ça peut être bien aussi. Ouais. Denver, tu en parlais à l'instant, Alex. Il y a quand même à mon avis des petites dents qui grincent chez nos amis les fans des Nuggets, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient Precious Achiuwa pour aller derrière Nikola Jokic. Bah, Pat Riley vous passe le bonjour. Hein. Comme à beaucoup de franchises tous les ans. Pat Riley qui fait des gros bisous à plein de gens. C'est clair. Mais des bisous sur la bague. Ouais, c'est ça. Mais il est certain qu'à Philly, ça va être intéressant parce que c'est le vrai premier pick de l'ère Daryl Morey chez les Sixers. On vient d'avoir un gros trade avec un pick de draft notamment qui a été donné, hein, pour se débarrasser du contrat de Al Horford. On a le poste 5 qui est géré, le poste 1 Ben Simmons qui est géré, Tobias, on va voir ce qui se passe sur les rumeurs, Josh Richardson aussi. En sortie de banc, on a un peu plus d'incertitude. On a quand même Matisse Thybulle qui est là. On essaie de voir ce qui va se développer avec Zaire Smith. Bah là, t'as récupéré Terrence Ferguson, hein, qui du coup va certainement sortir du banc, hein, s'il est gardé. Bien sûr. À voir comment tu vas organiser, quel va être le 5 majeur privilégié par Doc Rivers. Ouais. Ben Simmons, Joel Embiid, Tobias Harris, c'est quoi les deux autres joueurs qui complètent ce 5 majeur? Mm-hmm. Josh Richardson et quelqu'un. Et à voir, tout à fait. Qui est ce quelqu'un? Ouais. Est-ce que c'est directement Danny Green? Ah bah c'est possible. Ouais, tout à fait, c'est toute la question. Est-ce que c'est un rookie qui serait donc plutôt sur les postes arrière? Mm-hmm. À voir. Ou c'est direct Shake Milton encore? J'ai un peu de mal à y croire. Peut-être pas. Je sais pas, t'en penses quoi, Simon? Ils doivent drafter quoi pour toi, les Sixers, hein? Ligne arrière, ça me paraît, okay. Quand t'as déjà, enfin je pense, poste 1 ou 2, Simmons, c'est un joueur hybride, donc ok, il joue meneur, mais il joue aussi 4 en même temps, etc. et tout, quand tu dissèques cet effectif, leur ligne arrière, c'est Milton et Josh Richardson, qui est même, ça discute, c'est un arrière, mais qui peut jouer 3, alors que tout le reste est blindé, là, je trouve, enfin à l'intérieur, la raquette, oui. Les ailes, t'as quand même Tobias Harris, qui est un joueur fort, pour moi, tu prends de l'arrière, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le diagnostic. C'est sûr. On verra. Il y a un garçon qui a été mentionné sur le chat dont on peut parler rapidement en attendant le pic des Sixers. Quoique, à mon avis, Adam Silver, il va débarquer dans la seconde. On aura peut-être l'occasion de parler de monsieur Killian Tilly, dont on pourra peut-être discuter dans la fin de soirée, au bout de la nuit, peut-être tôt le matin. On le sait, après une bonne petite carrière NCAA, notamment à Gonzaga, on aimerait bien le voir, Killian Tilly, être sélectionné. Voir au premier tour? Non, plutôt au deuxième, quand le live sera terminé. On est d'accord. Ouais. Ouais. Killian Tilly, ce serait un poste 4-5 en NBA, valeureux sous les cercles. C'est un bosseur, Killian Tilly. Ah. C'est un mec qui va aller se battre sur chaque rebond. Après, il faudrait qu'il trouve une franchise qui a un rôle à lui donner. Oh, ils ont pris Tyrese Maxey. Les Sixers qui nous ont pris Tyrese Maxey, best player available, ils l'ont pris de Kentucky. Attention, Doc Rivers qui je va trouve pouvoir... que c'est le best player, c'est mieux que RJ Hampton, ouais. Ouais. En tout cas, en l'état. Parce que RJ Hampton a vraiment un... Pareil, on avait parlé avec Cole Anthony tout à l'heure, tu posais la question. J'ai l'impression que demain matin, Tyrese Maxey produit plus que RJ Hampton. Le plafond peut-être à RJ Hampton un peu plus haut. Mais c'est vrai que ça chute là, Hampton.
Maxé aussi, là, un peu chuté finalement. T'en penses quoi, Simon? Un petit peu, ouais, ouais. Bah, de toute façon, cette draft a beaucoup bougé par rapport à tout ce qui était prévu. Non, je suis quand même surpris. Il a foutu que le bordel avec Jalen Smith. Ah bah, ouais. Maxé. Il a foutu le bordel. Je te laisse mettre le. Ouais, j'arrive. Pardon. Maxé avant Andrew Tuns, c'est vrai que ça. C'est pas si surprenant, mais c'était pas une évidence pour tout le monde avant la draft. Mm-hmm. Je pense qu'il bénéficie beaucoup de... Bah, y a eu encore, j'allais dire une hype, mais c'est un peu dur. Mais effectivement, vous le disiez, les arrières sortis de Kentucky, là, et on a vu encore Tyler Herro, etc. Ouais. Je trouve ça bien dans le sens où, pareil, Kentucky, c'est un gros problème avec la pression. Donc le mec va arriver à Philadelphie, qui est quand même un club, qui est un gros club NBA. La pression, il connaît, donc ça fait d'autant plus de sens pour les Sixers, je pense, de prendre un mec comme ça, qui est habitué quand même à être dans le scruteur. Enfin, Kentucky, c'est vraiment quasiment la plus grosse fac du pays, ou vu comme... pas la plus grosse fac au niveau du prestige, mais le côté usine à joueurs NBA. Exactement. Bah, maintenant, en NBA, il n'y a que ça. Hein. Ça fait 10-12 ans que Kentucky envoie du pic sur du pic sur du pic. Ils ont même tapé le record il y a quelques années, au début de la décennie, avec 5 joueurs dans le premier tour, là, où ils avaient du Daniel Horton, du MKG, c'était DeMarcus Cousins, Eric Bledsoe, John Wall. Ils avaient vraiment pété un carton. Patrick Patterson, je crois, même, et Daniel Horton. Ouais, Pat qui était avec Cousins. Pas Bledsoe, non ? Si, c'est ça. Bledsoe, ouais. John Wall, DeMarcus Cousins, Patrick Patterson et Daniel Horton. Je remonte le tableau récap. On va devoir se pencher après sur nos amis les Nuggets. Alex, qui tu vois ? Est-ce que c'est un no-brainer, RJ Hampton, pour les Nuggets, là ? De la polyvalence sur le poste arrière, un joueur avec du potentiel à développer, qui va te servir quand même, qui peut jouer. Hein. La seule logique que je vois dans ce que tu dis là, c'est année 1, Michael Porter Jr., on a le temps. Année 2, Bol Bol, on a le temps. Année 3, RJ Hampton. Ça, c'est logique, ouais. Parce que sinon, c'est quoi ? C'est quel poste ? C'est quel genre de fit ? Plutôt. Vers qui tu vas ? Tu vas vers Jaden McDaniels, par exemple, là ? Pour anticiper le départ de Millsap ? Zeke Nagy. Vas-y, Simon. Moi, je prendrais le mec du Barça. Bolmaro, ouais. L'arrière, ouais. Là, dans le jeu de Denver, avec l'idée que t'as un mec poste haut comme Jokic et t'as déjà une base de jeu comme ça, je pense que ça peut. C'est un joueur spécial, très FIBA, très. Et du coup, Denver, pour lui, ce serait parfait. Et je pense que tu valorises vachement ton pick en 22 parce que, pareil, il a de l'expérience d'avoir joué au Barça et tout. Et Denver est compétitif. Ils ont Denver veut jouer des matchs de play-off, etc. Veut gagner des matchs de play-off. Ouais. Moi, je prends le mec du Barça, là. Ils ont cette habitude d'avoir pris des gars comme ça. On a vu déjà, bon, évidemment, même si c'était parfois pas eux qui l'ont drafté, hein, mais ils ont toujours aimé avoir leur mec au bout du banc. Vlatko Kankar, Juancho Hernán Gómez, Rudy Fernandez par le passé aussi. Ils ont toujours ce petit gars qui va essayer de faire la diff. Ça peut être Bolmaro. Toi, Alex, au nez, là, tu dirais Denver, quoi ? RJ Hampton ? Ouais. Ouais. Sinon, j'aime bien le choix éventuel Jaden McDaniels. Ok. J'aime bien parce que je pense que c'est un joueur qui peut leur servir tout de suite, qui peut apporter de la dimension physique. C'est un bon gros pépère, quoi, que tu mets au poste 3-4 là. Après, j'ai l'impression qu'il faut prendre RJ Hampton. Ah oui, si tu peux, oui, vas-y. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut prendre. Alors qu'on a Doc Rivers là qui s'exprime. Justement sur la sélection de Tyrese Maxey, à mon avis, ils sont très très contents. Alors que je vous remets le gros tableau parce qu'il va commencer à y avoir beaucoup de noms à devoir récapituler. Doc Rivers, il est bien content, il le sait, en sortie de banc, ça va être une aubaine pour les Sixers. On remontre donc juste tout ce qui s'est passé. Vous l'avez le tableau sous les yeux. Hop hop hop, place 7, Killian Hayes, les Pistons qui ont fait coup double en 16 et 19, Isaiah Stewart et Sadiq Bey. On a vu évidemment le Thunder faire du move. Au début, ils étaient là entre les places 20 et 30 et puis c'est monté pour aller prendre Alexei Pokuševski. Il y a eu du deal avec les Timberwolves et notamment Ricky Rubio qui va débarquer, donc notamment Anthony Edwards qui est en 1. Quelques interrogations autour des picks 9, 10, 11, Denny Avdija aux Wizards, comment ça va se passer, Jalen Smith aux Suns, Devin Vassell aux Spurs. Il y a juste Killian Hayes qui, je crois, est sur Bean. Je mets un peu le son. Ah, c'est chouette. C'est chouette pour... Pour Kiki. Il est content. Bon, allez, on va dire qu'il est content. Qu'il analyse, c'est cool. Il a un swag de l'infini. Et justement, on va voir ce qui se passe avec Denver. Denver, on parlait de Miami à l'instant, Alex. Denver, quand même une des sacrées surprises de la bulle.
On ne les attendait pas non plus en finale de conférence en ayant été menés 2 fois 3-1. Ça. Tu as eu des vraies révélations avec le niveau de jeu de Jamal Murray. Jamal Murray, Jokic en patron, Michael Porter Jr. On a vu des très bonnes choses pour ses premiers playoffs. On a vu que le retour de Gary Harris défensivement, ça changeait quand même pas mal de choses. On sait aussi que là, ils ont le cas Millsap à gérer. Bien sûr. Le fin de contrat de Millsap. Monte-Maurice. Monte-Maurice à gérer. Plumlee. Oui, Plumlee effectivement aussi à gérer, qui était quand même important dans leur rotation, même s'il fait des petites bourdes. Salut Anthony Davis. Salut Anthony Davis. Du coup, le management de Denver a plusieurs choix. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif est simple, c'est de rester très compétitif tout de suite. Donc je les vois forcément prendre un joueur dont ils considèrent que, même si ok ils ont le temps, bol, tout ça, mais que quand même ils l'imaginent potentiellement l'intégrer au moins en bout de rotation. Ouais, c'est sûr. Pour ça que je parle d'un RJ Hampton ou d'un Jaden McDaniels, qui est un joueur NBA ready au moins en termes de body, quoi. C'est ça, voir comment ça va se développer. Simon, toi, t'es comment sur le pic de Denver ? Non, bah moi je trouve que comme ils sont compétitifs, prendre un joueur. Moi j'aimerais bien qu'ils prennent. Franchement, en plus, j'aimerais bien qu'ils prennent le mec du Barça. Du Barça, c'est pardon. Bolmaro, l'Argentine. Ouais. Ok, moi en attendant le pic de Denver, j'allais poser une question pour ceux qui sont là encore avec nous et qui se posent la question, parce que je viens de la voir, notamment sur le chat. Je remonte le tableau récapitulatif. Pour le moment, on n'a pas eu de giga transfert de la mort. Si vous pouviez réaliser là un transfert un peu sur les pics de fin, là, un truc qui secoue un peu la draft, avec notamment les deux pics des Celtics en 26 et 30, avec les Wolves qui sont en 25 et 28, qu'est-ce que vous feriez pour justement secouer cette fin de premier round et nous ambiancer tout ça? On a eu juste du Ricky Rubio et quelques moves des Pistons là pour le moment. Simon, toi tu ferais quoi? Peut-être Boston peut bouger en deux pics, mais... Ouais, ça paraît le plus probable. Maintenant, j'ai pas l'impression et je suis un peu déçu. Je m'attendais à plus de moves un peu conséquents ce soir. Ouais, tout à fait. Dès le début, les Warriors ont donné le ton. Chacun a piqué. Les trades arriveront peut-être plus tard. Pas forcément cette nuit d'ailleurs, mais peut-être plus tard. Autour de la Free Agency, ouais, tout à fait. Ouais, parce que ce calendrier est quand même très particulier et très condensé. Donc peut-être que les staffs aussi ont besoin de clarté. Se sont dit d'abord on draft, on magouille après. Je sais pas, je suis poil déçu. Il y a éventuellement un truc qui peut encore bouger là en fin de trade, c'est qu'il y a quand même un staff qui est très inventif, c'est celui de Toronto. Oui. Qui peut peut-être, je sais pas pourquoi, mais tu vois, débloquer un petit truc avec leur pick en fin de tour. Une équipe qui pourrait, eux, saisir une opportunité. C'est-à-dire que là, des joueurs ont quand même glissé parce que c'est. Là, franchement, à partir des picks 12-13, je trouve qu'il y a eu un peu des trucs inattendus à quasiment chaque pick, enfin, ou presque. Peut-être que t'es Toronto, comme pareil, t'es compétitif, tu dis écoutez, en 29, les mecs qui veulent encore, je sais pas moi, du Tyler Terry, du Desmond Bane et tout, bah tu vas les chercher quoi. Je vois ce que tu veux dire, on va en reparler juste après. Denver, ils prennent Zeke Nnaji, donc du coup on renforce le secteur intérieur, c'est la police un peu, c'est l'assurance au niveau de la raquette de Denver, puisque tu en parlais à l'instant Alex, il y a ces petites interrogations autour de Millsap, de Plumlee et compagnie, Zeke Nnaji qui va apporter... de la longueur de bras un petit peu. Voilà. Un petit peu Zeke Nnaji. Il y a 2-3 moyens de se gratter les genoux sans se baisser. Le mec d'Arizona, là, je le cherche là dans mes profils. C'est le mec d'Arizona, on est d'accord. Hein. Zeke Nnaji ? Oui, Arizona, ouais. Non, joueur intérieur, remplaçant potentiel de Millsap, hein, dans un style évidemment différent. Il est grand, il est long, mais il est peut-être plus pivot quand même. Ah, plus pivot, ouais. Plus remplaçant de Plumlee, peut-être. Oui, enfin même celui qui va prendre la place de Pumlee même de long terme. Vas-y Simon. Non, bah profil aux antipodes de Jokic, joueur tonique. Ah bah ouais. Joueur, enfin c'est vraiment t'as deux de l'antipode là, ça c'est clair. Ah bah c'est avec Jokic, ouais, t'as deux joueurs très très différents. Surpris quand même que ce soit, il y avait peut-être mieux à faire, moi je trouve quand même, parce que c'est un remplaçant, je pense ce joueur. On va voir, mais ouais. Je vois pas comment il va bousculer la rotation de Denver. Alors qu'il y avait peut-être des choix qui auraient pu te permettre de boucher un peu plus de trous. Ouais. Pour une équipe comme ça qui joue quand même des finales de conf, des matchs comme ça, tu vois. Bah, ils vont essayer de le développer parce qu'on le sait, à Denver, ils aiment bien faire ça. Ils l'ont fait avec Michael Porter Jr. Ils espèrent la même avec Bol Bol. Juste là, Alex, je vais te tendre la main et le micro sur une grosse question. Les Knicks sont on the clock. Ils ont pris Obi Toppin. Il y a RJ Hampton de disponible. Tu y vas les yeux fermés? Ouais, je pense, ouais.
Ouais, je pense. Ouais. Et si tu ne prends pas RJ Hampton, qui tu pourrais prendre? Qui vous prenez? Le joueur du Barça? Bolmaro? Ça, c'est non. Vraiment les fouteux, ça. Le joueur du non. Barça. Bah, il est bon, c'est un bon 10. Hein. Mais moi, j'adore. Simon, il a expliqué là, que c'était un bon 10. L'Argentin? Non. L'Argentin, c'est un bon 10. Non, Simon? Non, pas, je pense. Bon, les Knicks, là, t'es encore en train de développer. Non, tu prends RJ Hampton, je vois même pas comment tu fais autre chose, là. Ouais, t'as une chance de ouf qu'il soit encore là en 23. T'as pas de vrai meneur titulaire dans ta rotation, clairement. T'as un manque de talent, de création de. Bah, vas-y, prends-le. Il y a des noms de fin de premier tour que moi je vais surveiller de très près. Parce que, à force d'avoir été dans les drafts des Spurs, à chaque fois en fin de premier tour, c'est toujours quelque chose qui me faisait kiffer. Il y a souvent dans les drafts, entre ces pics 25 et 30, des petites pépites qui sortent. Tous les ans, il y a des bons joueurs. Tous les ans, il y en a plein. Notamment, je vois certains qui en parlent de Malachi Flynn, que moi j'aime beaucoup comme profil. Desmond Bane. Hein et Desmond Bane, pas sorti évidemment, non plus, tout hein. À fait. RJ Hampton, là tu viens d'en parler. Je prendrais juste un autre garçon. Jaden McDaniel, c'est un bon joueur. Hein. Je crois que c'est Peyton, je ne sais plus comment. Tiens, là t'as une moque. Ouais. Peyton, je ne l'ai pas, il est peut-être en pic plus bas. Je vois pas de qui tu parles, tu vois là. Il y a Tyrell Terry qui n'est pas sorti encore. Il y a Tyrell Terry, c'est vrai qu'il n'est pas sorti. Il y a Jaden McDaniel, il y a Malédon. Malédon, les gars. Tout à fait. L'ami Théo. Ouais. C'est ça qu'il faut qu'ils prennent, les Knicks. Putain, ça a chuté, ça. Emmanuel Quickly aussi, qui avait été pas mal discuté. Paul Reed, qui fait pas mal de monde aussi. Preyton Pritchard, mais qui a pas mal chuté. Qui vous prenez, vous, fan des Knicks? RJ Hampton, oh. Ouais. Oh. Il se passe quelque chose, là, hein, sur le dossier. Non. RJ Hampton, faut que ça sorte, là. Que se passe-t-il avec Hampton? Oh. Compton. Finalement, d'être parti jouer un peu loin, lui a peut-être joué des tours, là. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. En attendant le choix des Knicks, pour en revenir à la discussion que vous aviez juste avant, là, oui. Le choix de Denver, par rapport au fait qu'il n'y avait peut-être pas eu toute l'excitation, et, enfin, l'activité qu'on aurait cru sur ce tour, sur ce premier tour, avec peut-être un peu moins de trades que prévu et tout. Il y a une explication peut-être intéressante, c'est le fait qu'on a deux gros dominos qui ne sont pas encore tombés sur le marché des trades et qui peut-être du coup ont un peu bloqué d'autres trades au soir de la draft. C'est qu'on a Russell Westbrook qui veut se casser de Houston et James Harden qui veut se casser de Houston. On a potentiellement deux énormes trades, après peut-être qu'ils vont ni l'un ni l'autre ne va bouger peut-être, hein. Mais on a potentiellement deux immenses trades en fait à venir, et ça c'est possible que certains GM, comme le disait tout à l'heure Simon, aient drafté en se disant je vais voir si je peux pas le mettre dans un package. C'est possible que le trade là des Nets et tout, que je disais tout à l'heure en rigolant que notre ami Landry Shamet il allait filer à Houston, voilà quoi, tu vois, ça joue. Oui, je suis d'accord. Oui. Petite breaking news quand même que je balance, excuse-moi Alex, Cham Charania, alors qu'on est en train de voir Leandro Bolmaro qui est en train de kiffer justement avec la casquette des Knicks. Désolé, Cham Charania qui nous dit que New York transfère Bolmaro, le pic 23 à Minnesota, pour les pics 25 et 33. Leon Rose qui a donc transféré son pic. C'est bizarre parce que Minnesota, il fait Ricky Rubio Bolmaro. Alors moi, ce que je comprends pas juste, c'est que New York... Bon, alors c'est un petit mécanisme, hein, mais New York était en 28 et 37... Ils ont packagé 28 et 37 pour passer en 23. Ouais. Et maintenant, ils packagent le 23 pour être en 25 et 33. Donc, en fait, ils ont fait 28 et 37 pour être en 25 et 33. Mmh. Bon, pourquoi pas. Il est sympa, Leon Rose, mais il ne s'est pas compté, quoi. C'est pas passionnant. Mais c'est pas passionnant. Bah, c'est très chelou, ce move. En tout cas, on a Leandro Bolmaro qui fait partie, en tout cas, de cette clique de « je mets une casquette, mais ce n'est pas la bonne ». Il n'y en a pas eu beaucoup, voilà. Sur cette draft. Après, Leandro Bolmaro, bon, bah, c'est un basketteur aux fondamentaux impeccables. C'est un mec qui utilise ses deux mains en attaque, que ce soit à la passe ou en finition. C'est un mec qui est déjà pro en Europe et qui est sérieux. Ouais. Donc, du coup, ouais. Je vais m'arrêter de parler pour me concentrer sur mon tableau. Donc, on a Bolmaro en 23. Tout à fait. Sauf que c'est pour les Wolves. Exactement. Mais c'est pas mal, hein, pour les Wolves. C'est un mec qui peut jouer 2-3, plus que meneur, je trouve. Et non. Bastien, excuse-moi, c'est le 25, hein, qui passe au Knicks. C'est le 25 et le 33 aussi, je ne dis pas de bêtises. 25 et 33. Mais là, je fais le premier tour, donc là, je suis en 25. Voilà.
y a moyen que ce joueur, Bolmaro, ait une carrière tout à fait intéressante en NBA. Hein. Franchement, il a plein de qualités. Hein. Faut voir à quel poste il jouera. Aïe, 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 excusez-moi. Encore oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé? Chris Haynes, les sources de Yahoo, la grosse crainte du côté de Golden State, c'est que Klay Thompson se soit vraiment fait une grosse, grosse blessure au tendon d'Achille. D'Achille ouais. Je sais, j'ai vu moi aussi, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça sent le torn Achilles, les gars. Ça sent la Kevin Durant, les gars. Chier. Ça sent la Kevin Durant. Quand tu travailles pour revenir d'une blessure, tu peux tout à fait t'en faire une autre par compensation. C'est moche, hein. C'est ça. C'est moche, moche, moche. C'est moche. Hein. Alors, nous avons du trade, j'ai l'impression. On a encore du trade dans tous les sens. Ouais, ça bouge là. Y a on a du petit trade. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je le remets, parce que là j'ai mis les Bucks en 24. Il y a quelque chose qui me manque là. Parce que je ne vais pas vous remettre l'alarme dans la tête. Shams Charania vient de nous dire que New Orleans va choisir RJ Hampton en place 24 pour le transférer à Denver. Parce que est-ce que c'est le pick 24 de New Orleans qui est. C'est pas les Bucks, c'est les Pels. C'est les Pels, c'est le trade de Bledsoe. L'erreur, elle est depuis le début, en fait, Bastien. Quelqu'un l'avait signé dans le chat, j'ai oublié de te le dire. Donc, c'est le trade qu'il y a eu entre Milwaukee et les Pelicans. Le 24, en fait, depuis le début, c'est les Pelicans. Du coup, tout est normal. Et ils l'ont, ils viennent effectivement de le. C'est changé. Magnifique. Eh bien, petit update. Le pick des Pelicans, qui est donc 24, va être RJ Hampton. Et il y a un transfert qui est en cours entre les Pels et Denver, puisque RJ Hampton, dont tu parlais, va, en plus de Zeke Nagy, à Denver. On essaie juste de savoir quelle va être la contrepartie des Nuggets pour nos amis de New Orleans. Puisque c'est ça, le trade. C'est compliqué. Les mecs nous font des trucs compliqués, en plus. Hein. Ouais. Mais c'est chelou. En plus, ils tradent des joueurs, ils sont à deux pics d'écart. Pourquoi ils n'ont pas pris RJ Hampton direct, les Nuggets? Enfin bon. RJ Hampton, tout à fait. Alex, je te laisse le mettre en 24, justement, puisque RJ Hampton, lui, il ne va pas aller à New Orleans. Oh là là, oh, ça tire la gueulasse. Hein. Ouais. Oh là là, RJ Hampton, là, c'est... Ouais. Il tire la tête, hein, RJ Hampton. Ouf. Je sais pas si vous avez vu, là, pour certains qui ont l'image. C'est assez violent. Hein. Je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à avoir une soirée aussi longue. Là, il voit qu'il est à New Orleans. Pour le moment, c'est pas la folie. Et puis, bah voilà. Oh putain, la scène, elle est angoissante. Parce que là, en fait, il met la casquette des Bucks. Et il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de chercher la bonne casquette. Ouais. Mais c'est même pas la bonne, puisqu'il va devoir mettre ensuite une casquette de Denver et d'abord de New Orleans puis de Denver. Tout à fait. Il va mettre après casquettes. Il peut se rassurer. C'est bien Denver pour lui. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est très bien. Il a glissé dans la draft, mais en plus avec le contexte de la crise sanitaire, comme chacun est chez soi, un peu comme moi qui suis loin de vous ce soir malheureusement, il a évité l'humiliation parce qu'il était quand même haut dans la. Il était haut. Je sais pas s'il aurait été dans la green room. Vous savez, la green room, c'est les premiers. Top 15, bien sûr. Et la draft à laquelle j'avais assisté, c'était la draft où. Comment il s'appelle, Kafidio? J'ai un drôle, le haïtien. Scalabissière. Oui. Il était seul et les mecs arrêtaient pas de se faire piquer et tu le voyais tout seul avec son clan assis devant au premier rang et tout le monde dans la salle voyait le truc durer. Là, au moins, il a évité ça. Ouais, ça peut c'est moche. Ouais, c'était vraiment triste pour Scalabissière, ça. Question que je vous pose, messieurs, parce qu'il nous reste que 6 piques. Ouais. Théo Malédon sélectionné au premier tour? Je pose la question. Oui. Allez. On a le Jazz. Le Jazz en 27? Pourquoi pas? Toronto? Ce serait bien Toronto. Jamarius Ramsey pour Toronto. Je le sens. Ouais. Boston, Utah, Toronto. Moi, j'aimerais bien que Théo Malédon tombe là-dedans. Ça me plairait. Franchement, Boston serait cool. Hein. Faut qu'il joue après à Boston. Hein. Il sera essayé. Hein. Il sera essayé devant lui et tout. Il va jouer. Je pense qu'il n'aura pas un temps de jeu de ouf, mais ils vont l'essayer. Non, mais il peut prendre des minutes à Brad Wanamaker. Oh. Ouais. Non? Bien ouais. sûr. Ouais. Ils ont pris quoi de joueur en 14, Boston? Aaron Nesmith, je suis bête. Ouais, Nesmith, ouais, qu'on a dit très, très ready, tu vois, pour jouer des matchs de play-off, quoi. Enfin, dans l'absolu, mais très, très simple à plugger dans ton équipe, quoi. Là, on a les Knicks qui repiquent en 25. Oui, c'est un pic du Thunder qui leur revient dans les mimines, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être. Du coup, qu'est-ce que. Simon? Attends, c'est les Knicks qui piquent là? Qui piquent en 25, ils étaient passés en 23. C'était et le puis pic du Thunder. Rose, alors là, ah oui, parce qu'ils ont. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Et là, ils piquent pour eux, quoi. Alors attends.
Ils prennent Emmanuel Quickly. On en parlait, il était plutôt annoncé en début de second tour. On est vraiment sur un gros phénomène qui espérait justement rentrer dans le premier round. Emmanuel Quickly, formation Kentucky. Il était un des garçons, notamment aux côtés de Tyrese Maxey. Eh bien, il va mettre une casquette. Là, il met la casquette du Thunder, mais il rejoindra nos amis les Knicks. Ça, c'est bien. On n'est pas tout à fait sur le même type de profil puisqu'on est vraiment sur catch, shoot, catch, shoot, catch, shoot. Long bras. Ça dégaine vite, Quickly. Exactement. Ouais. Ça, on va en parler très très fort au MSG, comme on dit. Je suis pas sûr de choix d'Enix, moi, personnellement, mais bon, faut voir à l'œuvre. T'as quand même Desmond Bane encore dispo, et puis surtout, il y a 10 minutes, tu pouvais prendre RJ Hampton, j'avoue que j'ai pas compris, mais bon. Moi non plus, je comprends pas, là. Je continue sur les grosses questions, messieurs, parce qu'on sait que vous êtes encore nombreux à être avec nous. Pick 26 et 30. Boston. Ça garde. Visiblement, ouais. Ça garde les Celtics. On a dit, Alex, on a dit avec Simon, on était tous d'accord, on a discuté tous ensemble sur les sociaux, on a dit il n'existe aucun scénario à la fin de ce live où les Celtics ont sélectionné trois jeunes. Plus on se rapproche, plus qu'est-ce qu'il faut, Danny Ainge, là. Qu'est-ce que... Pose-moi cette bouteille, Daniel. petite précision dans l'échange, là, New Orleans-Denver autour d'RJ Hampton. Il y a un pic qui ira en plus aux Pelicans, ce qui explique évidemment la contrepartie. D'accord, voilà. Je vois. Un futur pic dans une future draft, Simon ? Un futur pic qui ira à Nouvelle-Orléans, on dit des sources, et le mec s'est auto-cité. Il a rajouté cette info et son truc précédent, en fait. Source t'inquiète, quoi. Source t'inquiète, frérot. d'ailleurs, de toute façon, je pense que vous l'avez bien compris depuis à peu près 10 minutes, un quart d'heure, nous rentrons officiellement dans la période de la draft où les gens font des transferts parce qu'ils ont envie de faire des transferts, mais plus parce que c'est un intérêt sportif. C'est ça, quoi. C'est juste pour faire un bilan, à la fin de l'année. T'as la coupure pub au moment du pic 34, tu reviens de la coupure pub, c'est le pic 41, c'est tout le monde s'en bat les couilles. On a fait combien de pics ? On a fait combien de transferts en 2020 ? Deux ? On nous avait dit 5. Bon, bah c'est parti. Il nous reste 3 quarts d'heure. Non, vas-y, allô ? Ouais. Transfert le second round de 2027. Oui, Simon ? Bah, il reste quelques gros noms, mine de rien. Enfin, quelques. Théo Maledon, Desmond Bane, qui risque quand même d'être drafté, on est d'accord. McDaniels. Là. Ouais, McDaniels. Il y a quelques mecs comme ça qui ont été pas mal. Qui étaient dans quasiment toutes les mock drafts du premier tour, on va voir, mais qui ont sans doute un peu le seum parce que c'est dur pour eux. Oui. Tu te retrouves. T'as quand même, alors que c'est bête parce que t'as deux tours et que tu n'es que. Mais t'as un peu l'impression de te retrouver en queue du wagon, tu vois, quand t'es piqué 27, 28, quoi. Oui, excusez-moi, juste petite info pour ceux qui nous regardent en même temps. Apparemment, selon Brian Windhorst, les Knicks pourraient transférer leur pick 33. Donc je viens de dire que c'était n'importe quoi. Les picks sont passés de n'importe quoi. De 37, 28, ils sont montés en 23. Ils ont fait. Attends, on va faire 25, 33. On n'a pas tout dit là. Et le 23, je te le donne. C'est donc bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe avec New York. Pas trop l'intérêt, parce qu'en plus il n'y a même pas tellement de grosses différences de salaire. C'est parfois on voit des équipes qui baissent à la draft, qui passent en deuxième tour, comme ça ils n'ont pas besoin du contrat garanti, blablabla. Là, je vois pas trop le délire. Donc on aura sûrement des explications en détail tout au long de la saison prochaine. Attention, tout à fait. Et il nous reste que 5 picks pour avoir Théo Maledon au premier tour. Utah, Toronto, Boston, on a encore de bonnes chances. On a encore de vraies chances. Tout à fait. Je remonte le tableau. Qui draft en 28 Minnesota. Je remonte le tableau. On avait donc, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, voilà sur les derniers picks. Le tableau de gauche, vous avez le top 15. Le tableau de droite, vous avez de 16 à 30. Il nous reste encore quelques minutes. Il nous ferait pas mal le don, là, Boston, en 26, là. Vas-y, Simon. Et 24, c'est Denver, du coup, pour RJ Hampton. Oui, c'est un trade. On peut le mettre tout à fait. Je laisse C'est Denver, t'as raison. C'est Serge Hampton qui va être stocké à New Orleans. Sinon, ça va criser à New Orleans. Je peux vous changer ça. Ils vont se dire, comment ça ? Kira Lewis, Serge Hampton, vous êtes des fous. En pick 26, Alex posait la question à l'instant. Théo Maledon chez les Celtics. J'ai du mal à voir. Ils font quoi, les Celtics, avec leur 26, là ? Visiblement, ils n'ont pas l'air partis pour trader. Ils pourraient prendre Jalen Smith, mais c'est con, parce que les Suns l'ont déjà pris en 10. Ils l'ont pris vers mardi. Là, on est jeudi matin. Les Suns qui ont pris Jalen Smith mardi matin. Franchement, c'est dommage. Tout à fait. Pour répondre à ta question, Alex, j'ai le sentiment que dans les meilleurs joueurs disponibles, ça pue le Desmond Bane pick quand même de la part des Celtics. Je comprends, mais... Vétéran. Romeo Langford. Oui. C'est le même poste. Ouais. Si ? Oui, tout à fait. Smart. Je sais pas,
J'ai l'impression qu'un poste 1, un ball handler, ça leur servirait plus en fait à Boston, mais je peux me tromper. Hein. Oui. Et d'ailleurs, certains qui disaient Simon. Attends, Boston. Non, ça c'est bon. D'accord. Voilà. Très bien. Donc il y a des pics qui sont en train de tomber. On a les Celtics on the clock. Pour le moment, pas de trade. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on aura donc le Jazz, les Wolves et les Raptors. C'était les Lakers à la base qui devaient être en 28, mais donc on n'a pas eu de pick pour nos amis de Los Angeles. L'année dernière, il y avait du Talen Horton Tucker. Pour le moment, à LA, toute l'actualité, ou du moins chez les Purple and Gold, ça a été vraiment de récupérer Dennis Schroeder. On devrait avoir, puisque plein de gens posaient la question, l'officialisation dans les 48 prochaines heures, au moment où Max ou la Free Agency démarre. Dennis Schroeder serait normalement un meneur des Lakers. Voilà pour la situation en tout cas sur le pic 1-25. Oui mon cher Simon. Non mais on parlait de masterclass, là je suis en train de réaliser. Vous réalisez que Minnesota peut en plus avoir cerise sur le gâteau d'Esmond Bane là. C'est tout à fait envisageable. De qui pardon, excuse-moi. Minnesota. Ouais. Ils peuvent encore compléter leur truc par Desmond Bane. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Ouais, ils pourraient. Là, ce serait. Tu fais revenir Rubio à la maison. T'as Anthony Edwards, mais ça c'était prévu. Et t'as quand même Desmond Bane alors que t'avais que le pick 28 en queue de premier tour. Bien sûr. Et t'as Bolmaro, non? Finalement, Bolmaro. Et t'as Bolmaro en 23, oui. Bolmaro, oui. Il est chez les Wolves, ouais. 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 Ah bah ouais. D'ailleurs, Bolmaro, Ricky. Hein. Du coup, je les vois pas trop. Mais du coup, tu vois, Simon, je les vois pas trop prendre Desmond Bane du coup. Ça commence à faire beaucoup de monde sur les lignes arrière là. Tiens, je les vois plus tenter un ailier, tu vois. Boston. En 26. Peyton Pritchard. J'en parlais tout à l'heure. Je kiffe ce garçon. D'accord. Je kiffe ce pic. Il est déjà aux couleurs des Celtics. Alors, alors déjà, très franchement, meneur, culotté. Tu vois, un meneur, un porteur de balle, quoi. Oui, tout à fait. Meneur, culotté, intelligent, scoring. Je crois qu'il était à Oregon, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Moi, vraiment, je kiffe. Je sais que ce n'est pas forcément le genre de profil auquel on s'attend du côté des Celtics par rapport à d'autres noms qui avaient été mentionnés. Mais alors, vraiment, à voir comment ça se passe, parce qu'il y a aussi du Carson Edwards qui est là. Mais moi, j'aime beaucoup ce garçon, Peyton Pritchard. Ce n'est pas celui dont on parle le plus, mais j'aime beaucoup ce type de profil. Petit scoreur tête brûlée un peu, là. Ah, moi, je j'aime bien. J'aime bien. C'est vrai qu'il y a Carson Edwards, tu as raison de les comparer, parce qu'ils vont être sur le même créneau, hein. Voilà, c'est pas le genre de joueur qui peut faire une immense carrière en NBA, mais par contre, il y a tout ce qu'il faut. Il a été, je crois, un des meilleurs joueurs de sa division, de sa conférence, en tout cas en NCAA. J'aime bien Peyton Pritchard, voilà, je tenais à le dire. C'est un joueur assez... Pardon. Vas-y, Simon. C'est un joueur assez connu dans la mesure où, si je dis pas de bêtises, c'est 3 années de fac. Ouais, il a fait un long cursus. Et souvent, en fait, c'est là pour expliquer vite fait, mais c'est trompeur parce qu'évidemment, les prospects, c'est pas tout à fait la même chose qu'être le meilleur joueur NCAA. Tu as des joueurs qui sont plus vieux, tu vois, 21, 22 ans et tout, et qui effectivement peuvent être parfois même élus dans les meilleurs 5, les meilleurs trucs de division et tout, mais n'ont rien à voir avec des freshmen de 18, 19 ans parce qu'on drape sur le potentiel. Et là, on retrouve de nouveau cette logique de équipe compétitive prend un mec un peu plus âgé, qui a déjà vécu de la pression, titulaire d'un gros programme quand même, Oregon, enfin d'un programme très correct. Qui a, du coup, je sais pas ce que ça fait, 3 saisons NCAA, mais ça fait quand même un paquet de matchs, quoi. Ouais. Non, c'est déjà, clair. C'est très vrai, niveau. Je suis d'accord avec ton analyse, mon cher Simon. Je n'en rajouterai pas une seule miette. Non, en plus, je t'avoue qu'à 4h36 du mat, en plus, c'est plus simple qu'on soit d'accord dans les analyses. Ah non, mais bien sûr. Ah, ça nous arrange. Mais non, mais vraiment, par rapport à ce que tu mentionnais, sélectionner des joueurs, là, à la draft, quand tu as les picks 14, 26 et 30, c'est une chose. Mais par rapport à la dernière, où tu avais notamment du Romeo Langford, qui est très, très vert, sans mauvais jeu de mots, là, on a plus des joueurs un peu plus expérimentés, puisqu'on a quand même, avec un garçon comme Peyton Pritchard, un garçon capable de produire tout de suite, Aaron Nesmith, pareil, tu en parlais, Alex, au moment où il y a eu sa sélection. Ça arrive demain dans le système de Brad Stevens, ça produit tout de suite. Exactement. Je me ferai limite de l'inquiétude, excuse-moi, et je te tends la parole là-dessus. Je me ferai limite de l'inquiétude sur Carson Edwards et Romeo Langford par rapport à ces deux pics qui sont peut-être limite plus capables de contribuer dès demain matin dans l'effectif. Nesmith, c'est sûr. Ouais. Nesmith, c'est sûr, dans le sens où sa qualité de shoot et sa qualité de déplacement sans ballon, avec le jeu que pratique Boston, il va être servi quand il va être ouvert. Mm-hmm. Et si la confiance est là, avec le bras qu'il a, il va en mettre dedans. Donc, du coup, son temps de jeu sera naturel.
Pour ce qui est de Peyton Pritchard, on va attendre de voir, on va attendre de le voir à l'œuvre, on va attendre de voir comment on lui fait confiance. Est-ce que c'est lui qui prend la place de Brad Wanamaker ou est-ce qu'on fait confiance à Carson Edwards? Est-ce que le temps de jeu est splitté entre ces deux gars-là? C'est moins évident, je pense. Tout à fait. Mais Aaron Nesmith, ouais, clairement, Brad Stevens Basketball. Je me permets une toute petite breaking news. Je vous mets juste un coup d'alarme, mais j'en mets un seul. On va pas non plus trop gueuler là-dessus. Voilà, chut. Merci bien. Nous avons Utah, selon Adrian Wojnarowski, qui a accepté de faire un transfert. Il donne le pivot Tony Bradley et le pick 38 à Détroit contre de futures considérations, nous dit ESPN. Ils donnent Tony Bradley ? Oui. Donc ouais, ils ont l'intention de recruter un pivot peut-être alors là avec leur pick 20. C'est pas bon pour Malédon ça. Les Pistons enverront du cash également au Jazz. Hey, mais c'est moi ou c'est un hyperactif le nouveau GM de Détroit ? Il a fait combien de moves là ce soir ? Travis c'est dinguerie. On vient d'avoir juste le pick là. Ah, Azubuike. Udoka Azubuike. C'est le mec immense là. Un des plus musclés de. Et puis immense, ouais. immense. Un vrai seven footer. Exactement. Avec des bras immenses qui étaient attendus beaucoup plus loin à la base. Donc, c'est pour ça que notamment, si je dis pas de bêtises, Bradley. On vient d'avoir Tony Bradley qui se fait transférer puisque c'était le pivot remplaçant du Jazz qui n'a pas non plus atteint un plafond de fou. D'accord, ok, d'accord. Bon. Est-ce que tu as réussi à rentrer Azubuike dans le. Alex, sans regarder. Tu n'as pas le droit de regarder. Ah bah je vais faire un petit cop-call, hein, je te cache pas. Hein. Non, tu dois mettre. Tu triches. C'est comme certains qui ont ressorti, je pense que vous l'avez vu sur les sociaux ce midi, le fameux moment de l'année dernière quand il y a Okeke qui se fait. Qui se fait drafter. C'était un très très grand moment de ce live. Pour le moment, il n'a pas été topé par Jalen Smith en 10. Schéma Okeke. Le sacré. Je vous remonte le grand tableau. Vas-y. Et boum. Udoka Azubuike. Pas de lien de famille, ou peut-être, mais je ne pense pas. Simon, tu allais dire ? Non, bah, quand tu regardes, là, ça, il est quand même sacrément surprenant ce tableau, encore une fois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de trade, ok, mais il y a eu beaucoup de surprises. Hein. Ouais. Il y a eu quand même des Patrick Williams, en fait, boum, quoi. Patrick Williams en 4, c'est une surprise. C'est vrai que si on devait faire un peu un classement des surprises, Patrick Williams en 4, Jalen Smith en 10. Oh ouais. En termes de range, hein, Tyrese Haliburton en différents types de surprises en 12. Ouais. RJ Hampton. RJ Hampton, ça c'est 24, très clair. Moi je l'attendais pas si bas. Hein. Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, c'est un peu bas. Je l'attendais dans le top 15, moi. Je suis d'accord. Et même quelque part, Peyton Pritchard, c'est peut-être un peu haut pour certains. Ouais. Là, Azubuike, premier tour, c'est haut. Ouais. Même le pick 22 aussi. T'as plein de petits trucs. Quand tu regardes Avdija, 3ème ailier drafté et qui glisse 9ème. Non, c'est clair. Par exemple, des mecs comme que. Attends, je regarde un peu dans les détails, mais. Pardon, ouais, Josh Green, c'est pas si surprenant parce que je trouve que c'est très malin de la part non, de Dallas. Ça va. Il file bien. Ouais, non. Non, mais t'as des trucs. Aaron Nesmith, non, c'est logique. Éventuellement, que quand même. Miami, c'est logique. Après, c'est du cas par cas, mais par exemple, que. Qu'un mec comme Kira Lewis soit pris aussi largement haut. Tu vois, le delta entre RJ Hampton et les mecs avec qui il était dans le même paquet, qui sont Kira Lewis et. Enfin, il y a vraiment des gros deltas entre certains joueurs. Ouais. Des gros écarts. C'est clair. Là, je vois l'envergure de Azubuike, ça annonce du 7-7. Ah non, mais c'est. Il règle l'ange des 24. Quoi du 7-7. 7-foot-7, ouais. 7-foot-7. Mais c'est, ça fait. D'envergure, 60, ça fait 2m30, quoi. Ça fait 2m30, on est sur il est, plus il de 2m30. Plus long que, il est plus long que Rudy. Bah non, puisque c'est 7-2, 2m30. Bah ouais, c'est fou, 7-7, les gars. C'est possible, ça. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'as craqué, là. Je craque. Non, t'as craqué. Porzingis, c'est un 7-3? Non, mais 7. Oui, voilà. 7-3, c'est 2m20. Yao, c'est un 7-6, ouais, c'est ça. C'est 2m20. Donc, ça veut dire qu'il a 2m34. 2m33. C'est ça. Waouh. Il a une plus grande envergure que Rudy Gobert. Possible, ouais. Ils annoncent 260 pounds, ça fait genre 125 kilos. C'est ça. Et encore une fois, c'est Google. C'est un bestiau. Non, je suis sur Tankathon, là. Ça va. Je suis envergure, tiens ce qu'il dit, je suis envergure. Je me permets juste de mentionner, parce que certains ont posé la question, 127 kilos, putain. Juste pour ceux qui posent la question, oui, il y aura une émission débrief avec notamment les gagnants et les perdants. Vous connaissez, c'est le classique. On va recharger les batteries après ce premier tour parce qu'on a pas mal donné évidemment sur les derniers jours. Et Dieu sait si la fin de la semaine va être encore plus folle avec la free agency et de nouveaux transferts et des rumeurs. Mais vous aurez bien votre émission gagnant
perdants de la draft. On aura l'occasion d'en débriefer en long et en large. On va surtout kiffer ces trois derniers picks du premier tour de la draft 2020. Certains ont mentionné, c'est vrai, Cassius Stanley, c'était un des gros freaks des dernières années, Hoop Mixtape, etc., qui a pas mal chuté. Formé à Duke, c'était pas trop ça finalement, la détente, parfois ça fait pas tout au basket. Ah bah non. Ça peut être compliqué. Non, il faut plus que ça, on le sait maintenant. Ils vont faire quoi nos amis les Wolves en 28 là? Eh ben justement, je les mets, là c'est vraiment open bar. Hein. Non, bah moi j'y réfléchissais parce que tu disais, Alex, effectivement, t'as pas tort, j'avais oublié Bolmaro, donc Desmond Bane à l'arrière, même s'il a glissé, c'est peut-être en trop. Il reste quoi? Il reste. Il y a McDaniels qui serait un intérieur. Il y a McDaniels. Bon, tu sais que McDaniels 28, tu craches pas dessus. Hein. Malachi Flynn, Malakai. Malakai ouais. Flynn, mais c'est pas un meneur ça? Si, et j'ai l'impression qu'il va chuter au second tour, et celle-là, je m'y attendais pas forcément. Parce que c'est quand même un meneur là pour le coup, entre Rubio et D'Angelo Russell, enfin, je les vois pas. Il y a toujours Tyrell Jerry aussi, il n'est pas sorti. Tyrell Terry, pardon. Tout à fait. C'est un meneur, tu me diras. C'est vrai que Tyrell Terry, il était annoncé au premier tour. Il y a beaucoup de meneurs dans cette draft. Qu'est-ce qu'il y a comme meneur dans cette draft? Il y a des meneurs partout, en fait. Il y a du guard, allez-y, faites-vous plaisir. C'est dingue. Simon, t'allais dire? Non, bah, j'ai un peu peur pour la draft de Théo Malédon au premier tour, là. Ah, bah alors là, mon garçon... Là, on mise fort sur les Raptors. Là. Ouais, allez-y, vas-y, Masai. Parce que c'est vrai qu'on voyait pas mal Utah est passé. Ah, puis là, Boston, ils viennent de prendre un meneur en 26. Franchement, j'ai ouais, pas prendre et voilà. Et en Boston, 30, qui a un autre choix, risque de sans doute s'orienter sur un autre poste. On mise fort sur les Raptors. Non, c'est clair. Et là, Minnesota, ils vont pas le prendre, je pense pas. Ça me paraît compliqué. Un arrière en plus, tu vois. Tiens, le voilà. Des Wolves. Enfin, c'est les Lakers, mais c'est les Wolves. Ouais, je me disais, il a changé le logo. Jaden McDaniels qui va donc rejoindre les Wolves, ce qui veut donc dire très bon coup, ça. Que les Wolves de Gerson Rosas ont pris Anthony Edwards, ils ont récupéré Ricky Rubio, ils ont aussi drafté Leandro Bolmaro et ils ont enfin Jaden McDaniels. Ça fait une bonne petite soirée pour notre ami Gerson Rosas. Magnifique soirée des Wolves. Qui avait pas mal d'injections à mettre dans les rangs de Ryan Saunders. T'es fan de Minnesota là? Je te laisse mettre sur le tableau, évidemment. J'arrive. T'es fan de Minnesota, t'as quand même fait le boulot pour démarrer la saison prochaine avec suffisamment de hype, de talent et de gens à développer pour être bons sur les prochaines années. Très, très bon boulot. Ah non, mais ils ont cassé le truc, là, quand même. Enfin, moi, je trouve, c'est des joueurs... Tous leurs joueurs étaient... Tous leurs choix étaient quand même des vrais prospects suivis depuis longtemps avec du talent et tout. Le retour de Rubio, c'est quand même très cool, je trouve, c'est bien joué. Dans le process, tu vois. Minnesota là, faudra vraiment analyser ça à froid et tout, mais je trouve ça très 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 très, enfin c'est même improbable de s'être autant renforcé là en une soirée de draft. Ah c'est fort fort, hein. C'est fort fort. Il y a cette interrogation autour de Jaden McDaniels, un joueur qu'on a vu des places 15 à 40, c'est un potentiel énorme. On parlait de ces espèces d'ailiers forts, de ces joueurs incroyables athlétiquement qui peuvent couvrir la NBA d'aujourd'hui et de demain. Si ça marche, chapeau bas Gerson Rosas, parce que là tu peux avoir un joueur extraordinaire sur les postes 3, 4, limite 5 dans certains line-up. Si ça marche pas, attention, parce qu'on sait que ça peut être le genre de crack où tu te dis, merde, il y en a plein qui étaient après et qui auraient pu être peut-être plus productifs et moins. Le pari est réel quoi avec Jaden McDaniels. Ouais, mais enfin c'est en 28 de la draft. Ça va. C'est un poste dont ils ont besoin. Ouais. Le genre de physique dont ils ont besoin. Bien sûr. C'est quoi le poste 3-4 là? C'est James Johnson. Ouais, t'as Spellman qui joue 4. Ouais. Ils ont eu Jay Clayman aussi qui était tout à fait dans la rotation. Ouais. Ils ont eu quelques gars de disponibles. Ça va quoi. Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas une concurrence non plus de fou. Mais en tout cas, oui, les nouveaux general managers frappent fort. On a eu Gerson Rosas, on a eu Troy Weaver. Je remonte juste un petit peu les nouveaux. Les nouveaux, on attendait à ce qu'ils fassent du bruit. Bonjour, Karnis Ovas, Patrick Williams. On a eu, du côté justement de Détroit, Troy Weaver. Bonjour, Killian Hayes, Isaiah Stewart et Sadiq Bey. On avait évidemment Gerson Rosas, déjà présent l'année dernière, mais qui fait ses vrais premiers pas. Beaucoup de monde dans le Minnesota dit que c'est sa vraie première draft avec son management, avec donc Anthony Edwards, Leandro Bolmaro et Jaden McDaniels. Ton petit pic en 12, mon cher Simon, Tyrese Haliburton avec ton nouveau management, content? Ouais. Très content du côté de Sacramento. Et après, les petites interrogations, c'est à voir justement comment ça va se passer à la fin de ce premier tour. Toujours compter sur Pat Riley en 20, Precious Achiuwa et sur d'autres petits gars, David Griffin en 13, Kyrie Lewis Jr. On aura l'occasion de débriefer tout ça. Pick 29, Toronto.
le champion de 2019, qu'est-ce qu'on prend ? On a Kyle Lowry, on a Pascal Siakam, on a Fred Van Fleet qui est la priorité, je sors les guillemets, des Raptors en termes de prolongation sur la free agency. On a OG Anunoby, on a Marc Gasol qui est plutôt avec 9 orteils sur 10 en Espagne. Et Ibaka qui pourrait se casser. Est-ce qu'il Ibaka prenne, qui va se casser. Tu vas à l'intérieur. Tu vas à l'intérieur. Ça, ils vont pas prendre Maledon en fait. Qui tu as à l'intérieur? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui reste comme intérieur là? Putain, là, il va falloir fouiller. Là, c'est pas grand chose. Non, mais t'as. Enfin, après, j'ai l'impression de dire ça depuis 6 piques, mais si tu piques en 29 et qu'il y a encore Desmond Bane et que t'es les Raptors, vu comment, vu comment tu développes clairement. Du MLB et tout ça. Je suis d'accord. J'adore Simon. C'est... Depuis le pic 19, il fait quand même Desmond Bane. Là, mais moi, je l'aime bien. J'adore. Pas, pareil, j'adore. Ouais. Ah, je suis d'accord, il est bon. Il y a Vernon Carré Junior. Vernon Carré Junior, là, je suis en train de regarder. Il y a Daniel Autourou aussi. Oui. Il y a Xavier Tillman. Paul Reed, qui vont pouvoir utiliser s'ils veulent foutre du tonic. S'ils veulent vraiment de l'intérieur. Putain, il était annoncé 47. Hein, dans les range 45 à 50 à Azubuike. Hein. Ouais, Azubuike, il est bien, il a bien rich. C'est un bon rich. Tyrell Terry ou Desmond Bane? Ah oui, il y a Tyler Terry encore. Ouais. Ah, il est disponible, mais j'ai l'impression quand même. Ah, peut-être Toronto, s'ils disent genre on flippe trop pour l'histoire de Fred Van Fleet et on prend Tyrell Terry. Ouais. Formé par Kyle Lowry, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Notre cher petit meneur. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est une des grandes leçons, en tout cas, de cette draft 2020, c'est que par rapport à tout ce qu'on avait vu en début de semaine, cette grosse émulation autour de transferts, on n'a pas eu tant de trades. Limite, non. Les plus gros transferts, c'est vraiment les Pistons et Ricky Rubio qui bougent pour retourner à Minnesota. C'est ça, ça c'est le gros trade du soir. C'est pas énorme. Les équipes hors draft, à part s'il y a les Clippers, mais finalement qui ont redonné aux Pistons, mais qui ont quand même été actifs sans pick. Tout à fait. Mais nos gars, les Pacers, les Lakers, là ils ronflent. Hein. Ils ronflent peinard. Ah bah là, ça ronque. Ça dort. Nous rompichâmes, comme dirait Ribéry. Bien sûr. Petite lampée, évidemment. Non, mais autant ça a bien drafté, autant sur les trades, moi je reste vraiment sur ma fin. Je m'attendais à plus de trucs. Pas forcément en quantité, mais en impact. Ouais. Mais je vous dis, c'est parce qu'il y a quand même deux gros dominos en suspens là. Ah bah il y a deux gros dominos en suspens. Et puis, ça joue beaucoup. Hein. Et puis il y a des franchises aussi qui se disent, attends, chaque heure qui passe me ramène du camp d'entraînement. Est-ce que vraiment je vais tout bousiller là, mon effectif là maintenant là? Je vais faire un gros chambardement alors que dans 10 jours on est au camp d'entraînement? Tout à fait. Putain, il y a des coachs qui disent, calma frérot. Souvent. Il est bien le roster. J'aime bien ton côté manager. Coach, mais il est bien l'effectif. Ouais, je suis bien. C'est bon. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis cette free agency aussi, qui n'est pas non plus la free agency du siècle. C'est-à-dire que même si on va avoir quelques joueurs qui vont devoir prendre des décisions, on est sur une free agency assez calme. Donc, bon, on va prendre ces effectifs-là. On va essayer de faire un camp d'entraînement normal et ne pas chambouler tous les rosters. Quoi. Ouais. Après, ouais. Attention, on en avait déjà parlé avec Alex et Simon aura l'occasion d'en rediscuter sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Le marché, il est ouvert. Et jusqu'en, allez, fin février, début mars. Donc, ce qui veut dire que des franchises qui peuvent faire des moves, va y en avoir. Attention, les rumeurs Westbrook, les rumeurs Harden. Rien que déjà, le camp d'entraînement, le premier jour chez les Nets, s'il y a un micro qui est penché vers Spencer Dinwiddie ou Caris LeVert ou Jarrett Allen, attention aux réactions, les copains. Alors qu'on a le pic des Raptors. Justement, qui est-ce qu'ils vont prendre? Ok. Malachi Flynn, donc un petit meneur. Et ben pareil. Mais pas Tyrell Terry. Non. Ni Desmond Bane en poste 2. Et ben alors là, si vous voulez du poignet, si vous voulez du culot, du shoot à 9 mètres, coucou l'école Trae Young et compagnie. Ah bah ça, c'est clair que Malachi Flynn. Et il a regardé les mixtapes de Stephen Curry, lui. Hein. Bon, j'avoue, je fais du teasing, mais c'est pas non plus le truc du siècle. Ouais. Oui, Alex, on a enfin eu un trade de Danny Ainge. Il y a juste marqué Boston bouge le pic 30. Voilà. C'est tout ça ce que je sais à dire, ça. À l'heure actuelle, bah le Vosges vient juste de le dire. Boston. Ça va, le Vosges, il est bourré ou quoi? Bah non, mais c'est juste qu'il se fait chier, donc il envoie. Il finit plus ses phrases. Des tweets de 8 caractères. Non, mais Boston is moving the 30th pick. C'est quoi? C'est encore Minnesota qui récupère un pick ou Les Knicks. Ils vont l'avoir, Desmond Bane, Minnesota. Les Knicks qui font Simon. 28-32. On va l'avoir. Ouais. Boston bouge. D'accord, Danny Ainge. Il a de la chance, Flynn, de tomber à Toronto. C'est très bien pour lui. Ah, c'est vachement bien. D'avoir un mec comme Kyle Lowry qui t'apprend le métier, un coach comme Nick Nurse qui est un mec, même s'il joue des matchs compétitifs, lui, Nick Nurse, il voit que le rookie, il est bon, ça le fait jouer. Hein.
Ça réfléchit pas, Nick Nurse, ça sent. Et puis pour ce genre de joueur un peu foufou mais qui a un vrai bras, c'est très intéressant le jeu collectif de Toronto. Ouais. Non, non, c'est sûr. Difficile de demander mieux que d'intégrer l'équipe de Kyle Lowry et Nick Nurse. Tout à fait. Ça peut être très bien. Fan aussi. Hein. Je vous parlais de Peyton Pritchard la dernière fois. Vu que je suis fan des picks 25 à 30, allez regarder vraiment Malachi Flynn. Moi, c'est un des garçons que j'aime bien aussi. À voir ce qu'il peut donner en NBA, mais c'est un de ces gros bras, petit physique, mais gros bras en NCAA qui a fait 2-3 cartons. Ah, le pick 30, il va à Memphis. Tiens, tu vois, je parlais des équipes qui n'avaient pas de pick et qui rentrent, mais tu vois, Memphis. Et ils vont prendre Desmond Bane. Ils vont prendre Desmond Bane. Bien joué. En plus, il a un côté, il a un petit truc d'ADN Grizzlies, je trouve. Ah bah, c'est pas faux, ça. Ça colle bien. Ils vont nous prendre Desmond Bane. Memphis va réussir à sneaker sa place au premier tour. Parce pour prendre un vrai joueur. Hein. Parce que tout à fait, parce qu'ils n'avaient pas de spot. Bah, c'était le spot 14, mais qui était à Boston, quoi. C'est ça. Ouais. Et là, oh là 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 là. Ou alors Théo Maledon, non, en backup de Jamorant. Ou alors et peut-être si Théo Maledon en titulaire et Jamorant est son backup. Ouais, voilà, plutôt ça, ouais. Et ben voilà. Ça y est, c'est jackpot. Je me permets pour le 30e, ils font la totale. Ils ont été prendre, les Memphis, ils sont allés prendre le pick de Boston et ils vont très certainement sélectionner Desmond Bane. Putain. Qu'est-ce qu'il file à Boston? On ne sait pas. Non, il va y avoir de la contrepartie à la... Mais c'est assez génial de la part de Memphis parce que c'est un mec, tu aurais gardé ton pick 14, tu l'aurais drafté, personne n'aurait crié au scandale, tu te le trouves en... Et tu le prends en 30 pénards. C'est génial. Avec une contrepartie, à mon avis, pas ouf, parce que de toute façon, Boston n'avait pas envie de drafter. Ouais. Bah non, ils avaient 3 picks, donc de toute façon, il suffisait d'attendre qu'ils aient fait leurs 2 premiers choix et de leur dire bon, le 3e, vous le lâchez, parce que clairement, c'est bon, vous êtes servi. Je te laisse remplir juste le tableau final. Et ah bah, c'est fait. Ah bah, magnifique, pardon. Excuse-moi. Oui, Simon, tu disais. J'ai même mis Desmond Bane. Hein. Magnifique. On verra, je changerai. Ah bah, par contre, il faut que je change, c'est Memphis. Hein. Simon, tu disais. Non, mais Memphis qui vient s'incruster dans les quasi. Enfin, gagnants, mais en tout cas, dans les. Ouais, si, quasiment peut-être les gagnants de la soirée, parce que. De cette soirée. Ouais, tu vois. Nous sommes d'accord. Juste là-dessus, du coup, on va pouvoir vous montrer le tableau récap de ce premier tour de la draft 2020. Regardez le tableau, et notamment pour nos amis de la rédaction, si vous voulez faire des capture screen, allez-y. Il y a encore 10 000 personnes là. Ah ben, bah, vous êtes encore 10 000 pour regarder la draft. Moi, je dis, il y a franchement un gros cœur avec les doigts là. Exactement. Comme ça là, le magnifique. On fait, là, comme ça. Là. On va le faire quand je montrerai le gros tableau, parce que là, il le voit pas ton cœur avec les doigts. Le voici. Vous pouvez l'imprimer. Le screen saver et l'envoyer sur les réseaux, il est complet. C'est ce premier tour de la draft 2020. Voilà pour tous les picks de 1 à 30. Grosse excitation autour de Kian Hayes et compagnie. Messieurs, pendant que je laisse un petit peu ça, et je pose évidemment la question sur le chat, Simon, Alex, votre grosse satisfaction, ce que vous retenez en quelques mots un petit peu de ce premier tour, ce que vous avez bien aimé, pas trop aimé. Vous avez une petite minute chacun. Gros kiff sur les Pistons. Ok. Gros kiff sur les Pistons, gros boulot de Troy Weaver, franchise historique de la NBA, qui fait péter des jeunes intelligemment. Ils vont avoir le cas Griffin à gérer, évidemment. Mais c'est reparti, tu sens que tu as un GM qui est prêt à faire bouger les choses, à tenter des trucs, à monter des trades. Le mec part avec un choix au départ, il repart avec 3 rookies, ça j'aime bien. Non, gros kiff, ouais, avec Pistons, là je kiffe bien leur soirée. Magnifique, c'est très complet. Mon cher Simon, t'as conclu ? Conclu, bah, pensez à la fanbase des Warriors, parce que c'est quand même dur, là, le coup dur. Cette soirée est quand même marquée aussi par l'annonce d'une grave blessure pour Klay Thompson. Mais en même temps, en Wiseman, t'as quand même l'intérieur le plus prometteur de sa génération, de sa cuvée, pardon, qui est en plus a l'air quand même d'être quelqu'un qui adore, qui adore le basket tout simplement, qui est un vrai passionné. Penny Hardaway revenait vraiment là-dessus. Ouais. Du côté un peu de se sentir, parce que son histoire de suspension et tout, c'est pas, enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais ça a privé un gamin de jouer juste avant d'être drafté, c'est dur quoi, tu vois, c'était dur pour lui. Ouais. Et c'est un vrai passionné par le jeu, parce qu'on a souvent des doutes sur les grandes tiges qui jouent au basket, un peu par pragmatisme, parce que ouais, bon, bah tu fais 2m10, tu vas te mettre au basket. Lui adore vraiment le jeu, et ça peut être un mal, enfin pas un mal pour un bien, mais quand même une compensation pour les Warriors, plus que tu vois. C'est pas je pour vois. Moi une compensation, parce que ça compense pas que les Thompson. Non, mais je vois. Mais voilà.
Très non, bien. Carrément. Très, très complet. Et bah écoutez, pour vous compléter, messieurs, là-dessus, bah déjà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir été là. Moi, ma grande leçon, évidemment, de cette Draft 2020, c'est que j'y avais un petit peu pensé déjà avant qu'on fasse cette émission. C'est le fait que même s'il y a des interrogations sur le niveau réel de cette Draft, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans des très bons fits, dans des bonnes franchises qui vont nous surprendre. Je pense qu'il y a des joueurs de complément qui pourraient vraiment se faire une place en NBA. Peut-être pas sur les picks 1 à 3, forcément, mais être plus dans les picks 4 à 15, là-dessus, il y a beaucoup de joueurs que je vais surveiller de très très près, plein de garçons qui peuvent nous étonner, donc j'ai hâte de suivre ça. Évidemment, on aura toujours des surprises, comme dans chaque draft, des joueurs qui vont en sortir. Bien sûr. Il y aura une course au rookie de l'année, que va faire Obi Toppin, ça va être spectaculaire, on va kiffer. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette draft 2020, elle est terminée. Merci à toutes et à tous. Le premier tour est terminé. D'avoir été, évidemment, le premier tour est terminé, puisqu'après, on va suivre le deuxième tour. Tu nous remets un coup de tableau récap, là, ça réclame dans le chat. On va le mettre, le tableau récapitulatif, il est ici, et donc on va en profiter pour vous faire des bisous, vous remercier d'avoir été là. Des bisous à toute l'équipe de rédaction, Gio, Nico et Ben qui sont en train de bûcher ça fort. Merci à toi Simon, merci à Alex évidemment. Je rappelle juste les informations principales. La Free Agency, c'est ce vendredi soir, samedi matin à partir de minuit 1, on aura des grosses signatures. Si vous pensez que les Daily Draft Recap c'est terminé, eh ben, vous vous trompez, il y aura d'autres petits formats qui vont tomber avec de l'actualité. Bien sûr. Voilà. Il y a de quoi faire là. Free Agency qui va ouvrir et tout. Ah bah là. On va avoir de quoi s'occuper. Exactement. Salut mon Simon. Ouais, merci Simon. Merci Léonce à la prod. Merci Léonce. Ah. C'était merveilleux. Merci Magnifique à toutes et à taf tous. De prod. Tout à fait. On se retrouve très vite sur la chaîne préférée de votre chaîne préférée. Gros bisous. Bonne soirée. À bientôt sur Trash Talk. Ciao, ciao. Bisous, ciao.